Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débat de l'entre-deux-tours, bien sûr, à mes côtés, des hommes et femmes politiques qui vont tenter de vous convaincre. Je ne suis pas d'accord avec vous. Bonjour à toutes et à tous, évidemment, on est ravis de vous retrouver pour les Roland Garros e-series by BNP Paribas. On espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver avec un magnifique plateau, bien sûr, autour de moi. Je vais commencer à ma gauche, la première, celui que les gens peut-être connaissent le moins sur Twitch, il s'agit de Mélissa. Bonjour Mélissa, comment ça va? Salut Rivenzi, ça va, merci. Trop bien. En tout cas, merci beaucoup à toi d'être venu. Alors Mélissa, qui vous allez le voir, était un peu notre coach padel ce matin, quatrième joueuse française de padel, parce qu'on va parler de tennis et de padel évidemment aujourd'hui avec toi, donc c'est très cool de t'avoir. Juste à côté, il y a évidemment Pompon. Joueur professionnel de tennis, effectivement, 15e ATP actuellement, ça se passe plutôt bien. Tu vois bien, on est ravis de t'avoir. Trivia aussi, bien sûr, comment ça va Trivia? Bon, ça va. Ouais. Moi, je ne suis pas joueuse pro par contre, mais c'est un plaisir d'être là. Tu as joué au tennis là quand tu étais jeune? Oui, bah oui. Bien sûr. Non, voilà. Mais oui. Donc voilà, on était quand même très content de t'avoir. Tu étais aussi, assez forte au padel quand même ce matin. Pas touché tu beaucoup de balles, mais sur chaque balle que tu as touché, tu as été. Tu m'as impactante. Bâché direct. Je pensais que tu étais sérieux. T'as pas touché beaucoup de balles. Non, mais oui, il m'a dit que tu as été OK. Mais j'étais trop heureuse. Mais oui, mais on débriefera tout à l'heure évidemment. Et Emeric, bien sûr, Poney, comment est-ce que ça va? Bah, moi, hyper content d'être là aussi. Moi, j'adore. J'adore Merci. Alors pourquoi? Oui. Non, c'est cool. Moi, je trouve qu'elle a vraiment bien joué, qu'elle a touché bien plus de balles que ce que tu dis. C'est vrai, mais on le verra tout à l'heure, évidemment. Gros programme aujourd'hui pour ces Roland Garros e-series. On a plein de choses à partager avec vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que les Roland Garros e-series by BNP Paribas? C'est une compétition organisée depuis 5 ans maintenant par Roland Garros pour justement mettre en avant l'e-sport sur les jeux de tennis. Première année sur Tennis Clash, jeu mobile à plus de 1 million de joueurs. Le but, c'est de avec cette compétition, c'est de créer justement cette émulation e-sport autour du tennis et de Roland Garros. On va avoir des premières phases de qualification que vous allez voir aujourd'hui avec des finales pour avoir nos 8 qualifiés qui iront ensuite à Roland Garros le 21 mai. Voici l'arbre d'ailleurs de qualification. Alors vous le verrez, il y a XP School qui avait son arbre de qualification. Il y a Women in Games aussi, cette association qui œuvre pour la mixité dans le milieu du jeu vidéo. D'ailleurs, on accueillera l'une de ses représentantes tout à l'heure. Il y avait une première qualification grand public qui avait lieu la semaine dernière. Il y a eu près de, messieurs, dames, 118 000 participants. Combien 118 000 énorme. Participants. C'est énorme. Et, voilà. Et à 19h d'ailleurs, si vous le voulez, gratuitement, vous pouvez vous aussi d'ailleurs participer à la seconde qualification grand public qui aura lieu à partir de 19h sur Tennis Clash. Le jeu est complètement gratuit sur mobile. Donc vous pouvez y aller, tenter votre chance et essayer de vous qualifier pour les Roland Garros, finale de Roland Garros e-series le 21 mai prochain. D'ailleurs, il y aura une deuxième émission pour suivre ces finales. Ligue de ouf. Ligue de ouf, tu crois? Ouais. Non, mais après, il faut quand même donner une date, quoi.
Ok. Okay. Ça marche. Je crois que je l'ai dit. La régie est en sueur et me dit aïe, 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 je suis moi-même dans la difficulté, bien sûr. Oh, la dinguerie qui va lancer, quoi. Non, mais si, on pouvait le dire, Emric, en régie. De toute façon, tu l'as dit, donc c'est bon, fallait pas le dire. Ok, on arrête le live. Je me lève, je me lève. C'est mort, c'est fini. Merci, Mélissa, d'être venue. C'est fini, c'est fini. Non, non, ce que je disais, c'est que on a donc les 21 mai une autre émission, voilà, c'est annoncé. En attendant cette première, on va avoir plein de choses. On va parler évidemment de paddle, comme je disais. On aura donc 4 finales, donc on aura donc 4 qualifiés pour les Roland-Garros e-series finales qui auront lieu à Roland-Garros le 21 mai prochain. Ça va être incroyable, on va caster ça avec Ponce et Trivia. Et on va avoir une partie, on va commencer tout de suite par ça, une partie quiz, mais aussi une partie jeu vidéo. C'est ma spécialité. Petite partie jeu vidéo, on va tester. Je me suis dit, pour cette émission, on parle de gaming, on adore le gaming, on joue aux jeux vidéo, on bouffe de la carte graphique ici, bien sûr. De fou, bien sûr. On va jouer à des vieux jeux de tennis. Okay. À des vieux jeux de tennis. Donc on vous a sélectionné un ou deux jeux de tennis. Et bien sûr, on va se régler sur Mario Tennis juste après en double. Je suis chaud. Oui, anticipe. Donc c'est en gros, si tu veux, sur Mario Tennis, joueur professionnel. Joueur A+, donc très haut. Et moi j'étais A, donc on va faire un double. Joueur plutôt faible plutôt pour le coup. Mais on va commencer. Et peut-être qu'on va jouer à Pong dans le chat en tout cas. On en parle déjà. Là d'accord. Et d'ailleurs dans le chat, je vous vois, sachez qu'on aura des places à vous faire gagner pour Roland Garros. Je ne vous en dis pas plus. Mais t'es sérieux là, ouais. Incroyable. On aura des places à vous faire gagner pour Roland Garros. Mais je vous invite à aller vous installer bien pour faire cette première partie jeu vidéo, bien sûr. Allez-y. Tout le monde y va? Oui, allez-y. Allez. Sur cet immense plateau. On se retourne dans 15 minutes. Le plateau est tellement grand que. Merci beaucoup. Moi, j'y vais. Je mets mes chaussures de rando. Tu nettoies un peu. On vous retrouve juste après. Le plateau est tellement immense que le temps qu'ils y aillent. Donc, non, il y a plein de choses justement à gagner, des places à Roland-Garros avec des quiz. Donc, soyez chaud. Il y aura un tirage au sort, mais il y aura aussi un quiz où je vais compter sur vous, sur vos connaissances tennistiques. Ça se dit tennistique? On est sûr de ça? Je crois que oui. Et puis voilà, on peut balancer des bascules ou c'est chaud. Là, vous pouvez pas mettre de bascule dans le chat. Malheureusement, on aurait pu mettre des bascules, ça aurait été très bien vu, Raoul. Mais ouais, pour l'instant, effectivement, pas de bascule. On peut y aller. Tout le monde est en place. Je les rejoins évidemment de l'autre côté du plateau. Rivendi. Rivendi, oh, il va mettre tellement longtemps à arriver, là. Ce plateau est si grand. Je me mets entre vous. On va jouer donc à des. Alors on a regardé. Vous savez que les jeux de tennis, c'est quasiment parmi les plus vieux jeux de l'histoire. Oui, bah oui. En fait, il y avait même un jeu de tennis. Le premier jeu de l'histoire, quasiment, c'est à l'oscilloscope. Tout à fait. Où ça s'envoyait. Ça s'envoyait juste une balle de Exactement. Tennis. Exactement. Ouais, tout à fait. On a essayé de faire en sorte de pong. Alors, on a essayé de ramener un oscilloscope pour jouer à ce jeu. Ouais. La régie a dit non, dommage. Les gens étaient en technique en mode. Les gens de la technique étaient, on n'est pas assez bien payés pour faire ça. Pour capturer un oscilloscope. Dommage. On va pas faire ça. Donc, on va jouer d'abord à Roland Garros 2005. Jamais joué à ce jeu. Jamais joué à ce jeu. Mais après, tu vas pouvoir tester. Je vous propose que vous fassiez un petit défi. Commence. Ok, lourd. Vous pouvez faire un petit mode Roland Garros, à mon avis. Non, je t'en prie. Tu joues un petit peu en mode Roland Garros ou défi? J'ai joué. Fais mode Roland Garros. Mais check. On va voir si tu peux faire à deux. J'y suis. Ouais, bien en tout cas, c'est beau. Hein. C'est beau. Ouais. Normalement, c'est censé être du 4 tiers, non? C'est du 4 tiers, mais là, on l'a étiré, okay. On l'a complètement étiré. C'est très joli. Oh, petit match d'exhibition. Tac. Bah ouais, mode coop, bien sûr. Petit mode coop. Attends, mode coop, mais on a que deux manettes. Ouais, mais en fait, non, tu joues à deux joueurs. Boum, okay. Deux joueurs. Mais hyper bien fait. Tu fais trois. Voilà, tu fais un petit match simple. Boum, boum. Je pense qu'on est pas mal. Hein. Hop, on fait un double, un simple. Tu fais full du simple, et puis voilà. Mec, t'es sûr qu'il n'y a pas genre. Voilà. Attends, mais et vous choisissez votre. Moi je prends Richard. Amélie Moresmo, bien sûr. Ah ouais, si forte. Il y a Justine Hénin. Ah, il y a. Oh, il y a Richard. Il y a Richard. Hop, tu sélectionnes. Et le deuxième. Richard. Il peut jouer en bleu. Regarde, j'ai trouvé que t'avais un petit coup droit là, Richard, tout à l'heure. Merci, il est connu pour son revers surtout. Donc. Bah, il voulait surtout son revers. C'est bien pour ça que. Voilà, que du coup, en fait, c'était une. C'est marrant, dans cette émission, on fait des. Tu vois, des compliments mais maquillés. C'est un peu bizarre. Parce que évidemment, on aime bien se moquer un petit peu. Et là, je choisis pour toi, du coup. J'ai l'impression qu'on joue à 4 là. Attends, l'impression que dans le menu, on n'est pas. Si. Juan Carlos Ferrero, Richard Gasquet, Lindsay Davenport. Tu veux jouer qui? Lindsay Davenport. Moi, je veux bien jouer Amélie et Elena Dementieva. Amélie Moresmo, ça me va. Amélie Moresmo? Ouais. Pourquoi alors, un match Jennifer mix, Green a une image la pauvre, elle a pas de photo. Jennifer Green n'existe pas. On n'a pas le droit. Il n'y a pas de photo. Donc on ne sait pas. Et tu vois, on doit choisir l'autre équipe. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais c'est l'IA. L'IA, on peut leur mettre par exemple un anglais. Tu fais un petit double. Ah d'accord, ok. Tu fais un petit double.
Quoi? Non, mais si, c'est ça. Tac. Et puis tac. Ah, mais attends, mais du coup, tu vas jouer en simple. Mais oui, c'est pour ça, en fait, t'as mis Ferro. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est n'importe quoi ce que t'as fait. Parce que j'ai fait non, attendez. Ouais. Oula. Lourd. Ça s'est mis aléatoire. Je pense que t'as complètement fait aléatoire, ouais. Mais du coup, on est effectivement de la coop. Du coup, voilà. Mais jeu normal, je pense. Jeu normal, à mon avis. Ouais. Simple. Ouais. Voilà. Et là, le mec qui a IA en haut, il doit peut-être faire quelque chose, quoi. Ouais. Est-ce que c'est ça le truc? Non, je pense que c'est pas ça du tout. Ah, il faut appuyer sur start pour join, on me dit. Ah, attends, start. C'est celui-là. Voilà, j'ai réagi de ça, incroyable. Petit moment de flottement, tout va bien. Ok, Amélie, je te passerai la manette au moment. Amélie en classe. Comme c'est 2005, effectivement. Oh, Sébastien Grosjean. À l'époque. Un petit double. Joue en bleu. Bon courage. Petit double. Non, c'est un petit simple. On va sur Suzanne. Suzanne, évidemment. Ah, allez. Suzanne, une femme exceptionnelle. Qui aurait dû être dans le top 10. Suzanne Lenglen qui était comment ça dans le top 10 des sportifs français. Let's go, c'est moi qui sers en plus solide. C'est vrai qu'on a parlé de Suzanne Lenglen, est-ce qu'on met Suzanne Lenglen dans le top 10? C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé effectivement. Mais elle est 11e pour nous. Sur la chaîne effectivement. Donc de vue, ouais, vue normale. Ouais, normal, ouais. Moi, normal. C'est quoi les touches? Ça c'est tiré, centré. Bon, ça va être ça. Amélie Mauresmo, Richard Gasquet, Roland Garros bien sûr. Incroyable. Incroyable. À l'époque. Oh, t'as du bruit! Il y a un truc. Oh, il est né à Saint-Germain-en-Laye! Richard Gasquet, Richard Gasquet, Biterrois. Non, je savais pas. C'est déjà le dernier set. C'est déjà le dernier set. Ok. Elle est de Saint-Germain, du coup, Amélie Mauresmo, je l'ignorais. Faute? Nul! Il y a même les. Attends, c'est la première fois que je fasse. Je pense qu'il faut que tu centres. Faut pas que tu mettes trop sur le côté, à mon avis. Ouais. Moi j'ai une question quand même sur les bruitages. Oui, qui a enregistré? Qui a fait les voix? Oui. Oh là. T'étais pas assez sur la balle. Tu sais que c'est une histoire de timing. Mais c'est clairement pas la voix. Hyper dur. C'est une histoire de timing. Par contre, pourquoi il n'y a que elle qui crie? Oui, c'est vrai. C'est quoi ça? Pourquoi c'est la femme qui crie? On est en 2005, hein, effectivement. Les jeux ont changé. Parce que Richard, en fait. Oui. Oh, t'as vu où j'étais? Je suis monté au fil instantanément. J'ai rien compris. Le cri, c'est vrai, est tellement. Le cri, bien. J'aurais aimé. Tu veux faire le cri de. Allez, de... C'est Grosjean que t'as pris ou t'as pris? Waouh! Oui. Oh, y'a du. Oh là là! En fait, le service volé. Tu montres le film, tu le veux? C'est ou le service volé. Que... Oui, oui. Ah, oui. À chaque fois, ça passe. Je me dis, je sais pas. Tu vas, est-ce que ton passif sur Mario Tennis, tu penses. Je pense qu'il y a aucun lien. Ah merde, je l'ai senti. En vrai, je l'ai vraiment senti. Regarde, un peu plus au centre cette fois-ci. Hop là. Ah chier. Oh non. Oh, c'est pas nice. Oh zut. Mélissa, toi t'as un petit peu joué au jeu de tennis ou pas du tout? Je fais un petit peu. Mais bon. Pas trop, plutôt tennis. Réel. C'était quoi en gros ta vie? Tu rappelles ça? Tennis réel. Toi t'as fait du tennis quand t'étais toute petite avant de te mettre au paddle. Ouais, beaucoup. En fait c'est une histoire de timing. Disons que quand tu rentres chez toi, tu vas pas trop jouer aux jeux vidéo de tennis quand tu passes 8 heures sur un terrain. Ouais, je vois. Oui, c'est ça, tu es un peu. T'es bien fatigué de ta journée, t'es en mode bon, je vais peut-être pas me refaire un jeu de tennis tout de suite après avoir bouffé du tennis déjà toute la journée. Donc tu diras, les joueurs de foot jouent beaucoup à FIFA. Hein. Oui, de fou. Et à Call of. Mais moi, je jouais sur la Game Boy, mais c'est vrai que je jouais très peu à des jeux de. Je jouais pas au tennis, quoi. Sur les jeux vidéo. Genre le fait que tu joues. Parce que vous faisiez des jeux, vous êtes pas dit j'ai envie d'y jouer aussi. Bah non. Voilà. C'est moins comme c'est pas. En fait, c'est moins hypé que. C'est pas super ludique. Non, c'est pas forcément super. Ouais. Ok. Je trouvais que c'était pas. Moi, en tout cas, c'était moins complet à l'époque. Moi, quand j'y jouais, c'était beaucoup moins complet. Parce que tu vois, moi, FIFA, moi qui joue au foot, j'aimais bien jouer à FIFA après, tu vois, en rentrant, quoi. J'avoue. Ah. Et ça faisait bien le trait d'union entre la pratique sportive et du coup, c'est rigolo aussi. Après, c'était peut-être pas très joueuse à la base aussi, tu vois, au final. Donc ça, peut-être, ça jouait aussi. Oh, je jouais plutôt à GTA. Ça, ah ouais. Bah, c'est tout le monde de Andreas qui jouait à GTA. C'est Oh, let's go. Ouais. Ah ouais. J'étais plutôt ouais. Plutôt GTA. Il y a du tennis dans GTA maintenant, mais bon. C'est vrai qu'il y a du tennis maintenant. Ouais. Ah bon? Mais non. Bah ouais. Si. Ils ont un mini jeu de tennis qui est plutôt pas mal. Qui est pas mal fait, ouais. Qui est pas mal fait, ouais, pour le coup. Ah ouais. Je savais pas. Pour gagner un max de thunes. Oh là là. Non mais là il y a un vrai match, attention. Il y a un vrai match. Vous parlez, mais nous commençons à avoir la sensation un peu ou pas? Pas trop. 15-30, ça va remonter à 30 là maintenant, regardez bien. Ouais, je pense pas. Ça se passe sur ce service. Là, c'est toujours le même cri en plus, hein. Il y a pas de. Voilà. Mais par contre, c'est ça, c'est que là, ça me paraît ridicule quand on joue au tennis sur les anciens jeux. Tu rappelles même. Oh, le cul se lève comme un salope. Oui, monsieur. Le tennis, tu sens même pas. Oh, regarde le public là! C'est vrai que le public! Ils sont tous debout! Oh oui!
Ah non, il faut bouger un petit peu plus. Sunday break. C'est que c'est dur. Tout c'est dur, ouais. Ah, c'est ouais, très dur. Je veux bien tester vite fait deux secondes. Tiens, mec. Attends. Ah bah autant pour moi j'ai gagné. C'est que le public c'est un peu en mode pancarte là. Oui, c'est bien. Un peu en mode pendant ça y est, c'est Covid, fini, non ouais, pendant Covid quand attends, ils ont mis le public. Oui. Ah le public il me tue. Ouais, cette manette est trop belle. Ouais, elle est belle cette manette. Faire, tu recommences, tu recommences. Alors c'est vraiment c'est dur, mais qu'est-ce qui est dur vraiment au jeu de tennis actuel où tu restes chargé un peu et tu donnes une direction. Là tu ne restes pas chargé, tu appuies au moment opportun. Où tu dois frapper la balle. D'accord. Tu ne restes pas appuyé. Non, je crois qu'il faut appuyer un peu avant. Moi, j'ai fait que des A. En fait, tu dois frapper et diriger en même temps. Ouais, c'est ça ? En même temps. Ouais. Ok. Moi, je suis au fond. J'ai fait AX. Je reste mot. Allez. Oui, sublime ça. Oh là là. Il y a déjà beaucoup plus de jeu là. Oh là là. Je suis incroyable. Mais non. Non. Oh là 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 là. Mais what the fuck. Il est beaucoup plus intéressant votre match que le nôtre. Vraiment, c'est royal. On a en appris, une on balle. En, mais vraiment, en une balle, c'est plus convaincant, quoi. Vous pouvez bien faire le public qui se lève. Faute, faute, faute. Oh. 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 Mais attendez, mais what? Non. Oh là 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 là. Putain, là. Ok. Oh là là, c'est super. Ah bah non. Non mais. T'es non bien mais, là. Non mais attends. Attendez, mais on va pas jouer au même jeu. Non, ils vont pas le faire. Oh, ils montent au filet ici. Au filet. Oh yes. Mec horrible. Bravo. Un point de gagné. Bravo. Monstrueux. Ouais. Ok, il y a plus d'émission, il y a plus de. Let's go. Tu vois, je. Mais non, mais. Ok. Moi, quand je joue à des jeux de 2006 comme ça, je me demande, est-ce qu'on est d'accord que les sponsors affichés dans le jeu ont un rapport, un vrai rapport, ou c'est des sponsors qui ont été mis juste parce qu'il y a des sponsors sur Roland? Bah non, bah BNP Paribas toujours. Oui, BNP, oui. Ouais. Mais okay, oui, à l'époque, je pense que. Ok. Ouais, à l'époque, ils y étaient. FedEx, en tout cas, ça y est. Il y a Europe à droite. Il y a FedEx. Ouais, il y a FedEx, il y a Perrier, il y a BNP du coup. Oh, aïe. Ok, bah ça, on dirait notre match de tout à l'heure. Reprends-toi tout de suite. Ah, c'est vrai qu'il était rapide celui-là. Il était allé vite, hein, très très vite. Tu peux faire les quêtes, Richard. Ah bah tu vois. Ah non. Ça fonctionne. Non mais tu vois, moi je me souviens pas avoir joué à beaucoup de jeux de tennis, tu vois. Or, tu vois, Mario Tennis, quand j'étais gamin, tu vois, j'ai joué peut-être une fois un peu à Top Spin. Virtua Tennis. Ah oui. Dans les bandes d'arcade et tout, vous avez jamais fait? Non. Pas trop. Oh là là. Non, pas trop. Moi je me butais à ça vraiment. La gueule et tout, c'était incroyable. Il y avait déjà Gaël Monfils sur les bonnes parcours. Bah, elle est au niveau du 4. Mais non. Sur le premier, t'avais Grosjean. C'est dur. T'avais même Pioline, je crois, sur le tout premier. Cédric Pioline. Et Grosjean, souvent. Richard Gasquet. Il avait un gros style. Bah écoutez, je trouve que le jeu est plutôt. Il commence à crier là. Mais vraiment, bah, le jeu est okay. Il est pas mal. Hein. Oh, double faute. Ah, double faute. Oh, non. Mec, c'est impossible de faire double faute. Sur une touche. Désolé. Bah ouais. Première. Top, je suis dans l'axe, voilà, tranquille. Et là tu montes. Et là voilà le revers. Et le revers qui marche. Le revers de le Richard. Revers, le revers de Richard. Oui Richard. Oui. Super. S'il vous plaît. Ouf. Quand j'ai fait une décalé fin. J'ai revers coup droit, c'est incroyable. À gauche, j'ai anticipé que t'allais tirer de l'autre côté. En fait, c'est la fin. Ouais, fin je... Trop playeuse. Ouais. J'ai fait une petite feinte. Oh là là, le coup droit croisé. Coup droit croisé. Il y a une petite sensace quand même dans le jeu. Une petite sensace. Non, mais j'ai vu qu'il y avait un petit appui ouvert. Vous allez voir la petite sensace aussi. Faute, Joey. Sur la ligne. Challenge. En vrai, on s'en sort plutôt pas mal. Ah ouais, ouais, non, mais. Oh, mais mec, ça va. Très dommage. Ça va pas, les gars. Calme-toi. On dirait du padel. C'est comme au padel ce matin. Vous allez voir la rage. C'est très dommage. Silence. S'il vous plaît. Oh ok, ça commence à me faire rire. Bon, elle la raquette. Oh, j'ai gagné. Et Mauresmo qui s'impose, bien sûr. Ah, bien joué. Hein. Bon, bah, désolé, battu. Bon, ça a joué. Sans sas depuis 2005, quoi. Ouais, bah, on va rebobiner un petit peu le temps. Incroyable, j'ai géré. Ouais. Est-ce qu'on passe sur un jeu. Hop, cette fois-ci, Mélissa, tu vas jouer. Alors. Oula. Wow. C'est juste. C'est du Pong. Pong, c'est relativement simple dans l'idée. Est-ce qu'en régie, c'est nous de changer le jeu ou est-ce que
Comment est-ce qu'on fait ça là? Parce que c'est sur l'ordi qui est là. Ouais. Ok, ils arrivent très bien. Ok. Oh là là. Ils y arrivent. Donc alors, pour le coup, c'est juste une barre d'un côté, une barre de l'autre. Exactement. Ça coulisse. Là, c'est pour le coup, c'est. Ça va aller plus vite. Mais tu peux mettre des effets. Tu peux si tu prends sur les côtés, ouais. Et tu. Tu peux frotter cette balle. Le petit slide quand même. Tu peux frotter cette balle, effectivement. À l'ancienne, évidemment. Alors, c'est quelle touche par contre? C'est. Ça doit être ZS. C'est ZS normalement pour effectivement. ZS au bas et. Tout simplement. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est ça. Alors, il faudra voir, parce qu'il y en a un, c'est flèche haut, flèche bas, et un autre, ce sera ZS. Donc, il faudra. Mais sur un même clavier ou. Non. Non, on est sur deux claviers différents. Okay. Ah oui. On va juste voir lequel. Oh oui, quand même, c'est. Lequel est ZS et lequel. Ok, bon, on va commencer avec le niveau 1 directement. Ok, moi je suis ZS, donc toi c'est les. Le niveau 1 est un peu plus dur que ce qu'on. Ah, il n'y a pas le. Attendez, on va. Ah ouais, d'accord. Attends, ça c'est du solo, c'est peut-être du solo ici. Ouais, c'est du solo, mais on va. On va partir directement sur du Quick Game Player. Le mode histoire est fou là, quoi. Attention, je crois que ça part en game là. Ouf. Pong. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Yes, non, mais je suis en flèche là. Ah, moi je suis en flèche. Ah, t'es en flèche. T'es en flèche, ouais. Ok, le premier point, on dit qu'il compte pas. Merde. C'est dur. Si, j'avoue. C'est dur. Allez. Ah, c'est de la synchronisation. Attends, comment ça fait? Il a mis un effet. Oh merde! T'es à gauche, Rivan? Merde. Je suis à gauche, tout à fait. Je suis à gauche. C'est 4-7 pour le moment. Ah, quel dommage. Oh là là. Oh là là. Oh là là. L'enchaînement. C'est nickel. C'est touché. C'est touché. On est déçu. On est déçu. C'est touché. Là, non! C'est touché. Mélissa, c'est touché. C'est en 10 points? Non. Oui. Là, là. Je sais pas si c'est en 10, je sais pas. Alors, on se reprend, Mélissa. Pas Mélissa, Mélissa, c'est pas fini. Oui, en bas, en bas. Là, là. Mais tu fais n'importe quoi. Ah, c'est en 9. Je peux pas commencer à 8-0 comme ce matin, Padel, non faire. C'est pas possible. Ouais, tu peux faire rematch. Chacun sa spécialité. Petit rematch, bien sûr, petit rematch. Non, c'est la partie chaude, c'est ça. Rematch. Ça, c'est un vrai jeu vidéo pour le coup. Attention. Comme quoi, on n'a pas tout... La technologie finalement. Ah bah parfois les choses les plus simples sont parfois les meilleures. Hein, ça c'est. Bien sûr. Finalement, est-ce qu'on a vraiment ça, besoin c'est, ben non, c'est comme les plaisirs de la vie finalement. Toi t'es un épicurien toi de toute façon, non? Ah, moi j'aime. Oh, non. Oh, dommage, bon, tu l'as dormi. Je l'avais fait, je suis parti. Ok, Riven. Quelqu'un peut expliquer le jeu à chaque fois. Je suis pas loin à chaque fois. Alors en fait, il y a une balle au milieu, c'est un peu comme du tennis finalement. Et le but c'est effectivement de renverser trop de faire ça. Mais non. Non mais là, voilà. Tu ne bouges pas. Des fois, j'ai l'impression que quand je bouge, ça marche pas. Oui, oui. Bravo. Oui, oui. Oui. Alors peut-être... Oui, non, mais non. Il ne joue plus. Là, il là, joue. Là, si, là, je là, joue. Ah, oh, mais si, il faut... Attention, balle de match, balle de match. Oui. Allez. Tiens. Non, non. T'as évité la balle. Tu l'as évité. C'est incroyable. C'est l'habitude du panel. Quand ça arrive dans la tête, tu évites. Tu évites. 2-0. 2-0 dans cette game. Je pense que... Je peux aussi. Ben oui. C'est un BO9. C'est un BO9. Mais 9-5, c'est pas trop mal. Là, il pose le clavier. Ah ouais, carrément, le pro player. Bah. On est même. Attends, non, c'est rire. Chaud en vrai. Je suis trop bête de faire ça. C'est énorme. C'est pas clair. Oula. Le grand chelem. Qui est où? Moi, je suis à gauche. Elle est à gauche, okay, Little Big Whale. Ponce est à droite, bien sûr. Quel match de dingue. Ça va trop lentement. Filer pour l'instant ce premier avantage. Ah, il me semble que Ponce est très bien, bien pas pour l'instant. Attends, je vais retourner mon clavier. Vite maintenant. Merde, c'est pas le moment. 4-2. Aïe. Non mais attends, c'est trop, personne touche. Tu vois la barre, elle est trop longue. Je vois ce qui s'est passé. C'est bon. Je le fume. Wow. Oh, dans l'intervalle en vrai. C'est dans l'intervalle. Plein axe aussi. Hein. Oui. Mais regarde, elle est trop forte. Ouais, super là, super. Enfin un échange. Oui. Oh là là là. Oh là là, elle met de l'effet. Elle met de l'effet. Elle est trop forte, elle met des vrais. Mais t'as vu l'intervalle de fou. Ok. Tu sais que la dernière fois qu'on a joué. C'était juste impossible. Tu sais la dernière fois qu'on a fait une compétition face à Trivia, hormis la Zilane, bien sûr. Ça, c'était une compétition avec du code. Et du Call of Duty, elle dit: oh non, je suis trop nul sur Call of Duty et tout, machin. Et elle nous avait pulvérisé. Oh non, Call of Duty. En fait, en gros, on avait fait une compétition avec Trivia, t'étais en duo avec Magla, je crois. Oui. Et en gros, c'est du 2v2. On les explose, sauf qu'on nous dit: ah, le stream a coupé, désolé, on doit rematch. Oh, putain, c'est vrai. Avec Ponce en mode: bon, ça va tranquille, tu vois, ça va rouler. On les a explosés la première fois. C'est vrai. Un peu arrogant. Bah, un peu arrogant parce qu'on les avait pas pulvérisés en live. On s'est fait pulvériser sur les rematchs. Quand je dis pulvériser, c'est vraiment. Il y a no match. No match. Du coup, on s'est dit: bon, bah, super. Ça y est, ça progresse. Non. Quand même, fair play.
Fair play. Fair play. Non. Là-dessus, l'honnêteté. Ah, fair play, les deux joueurs. Il y a trop de fair play. Tu peux arrêter de fair play, s'il vous plaît, ça commence à être fou. Trop de fair play. Trop de fair play. Trop de fair play. Et pour ce qui remonte, un 5-8. Il y a un partout dans le 2 ou 3. Alors okay. Peut-être. Alors peut-être dans ce grand Open international de Pong, bien sûr. Allez, très bien. Allez. Cette grande finale, bien sûr, c'est le match qui va tout déterminer. Je me concentre. Ouais, on va prendre le casque. Hein. Non, mais. Pour moi, c'est de l'observation. Regarde, viens pro. Allez, ça fait, c'est 1-0 c'est pour quoi, l'instant. Ça pour okay. Ponce à droite. Attends, ça marche pas, je rigole pas. Non, je vous jure que le monsieur a s'il vous plaît. Je vous jure que le matériel a été essayé. Le matériel a été essayé. Mais je vous jure que ça ne marche pas. Non, monsieur, monsieur. Vous êtes coutumier du fait en plus. S'il vous plaît. Le clavier est neuf, on me dit dans la régie, il sort de l'emballage. Voilà. Ah bah l'emballage, il n'y a pas d'excuse. De partout. Et c'est un match très serré en tout cas, on sent que c'est vraiment le match final de jouer au 3. Vignonnet d'origine qui est en train de prendre ses responsabilités. Alors, Vignonnet qui est à la fin du droit de gauche qui sert à rien. Pour l'instant, il n'arrive pas. Oh, il récupère les trivia pour un coup qui pour renvoyer cette balle. Oh, c'est sublime. Hein. Oh, là, il évite la balle. Oh, je suis on fire. Quel seigneur. Quel prince. Quel prince. L'esprit Coubertin chez Ponce. Oh là, 4-3, il remonte. Il ne lâche rien. Attention, là, ça se regarde, ça s'observe. Oh là là, l'effet, tu as vu le contre. C'est ce que disait son indicateur de lui, hein. Il ne lâche jamais rien. Et surtout pas le petit verre après l'entraînement. C'est trop tard. Ouais, là, il va essayer de mettre sans doute son quatrième point. Prochainement. Okay. Il a l'ambition, en tout cas, de le mettre, ce quatrième point. Oh, c'est sneaky, ça, quand même. Ah, c'est, très bien joué. C'est très bien joué. Il remonte, hein. Et alors, peut-être... Oh, non, ça le tente. Sublime. Ah, il joue à droite, à gauche. Il ne parle même plus. Il renvoie directement. Chut, je crois 6. Qu'il ne respire plus. S'il vous plaît. Ça devient une scène. S'il vous plaît. Il y a une vraie tension. S'il vous plaît. Ouf. Ça a changé, Roland Garros. C'est une scène, le retour. Il nous avait vendu de la vie. Oh, alors, balle de match. Il rigole plus. Là, Bien joué. Il est fou. Bien joué. Il est fou. Énorme. Ah ouais. Vive le sport, vive le sport. Vive le sport. Tu n'as pas joué, franchement. Je sais pas si. Hein. Ça a aucun sens. Mais tu vois, même avec ça, on a des sensations de fou, quoi. Et bien sûr. Ah, j'ai vibré. Pour Pong à la prochaine Zidane, je vote, hein, s'il vous plaît. Bah, en vrai. Hein. En finale, tu vas voir jeu mystère. Gotaga et Mikalo mettent 3000 heures en un mois. Pour ça, ça va être fou. Tu veux faire une petite game? Allez, en rapide. En rapide, vas-y, ça joue non, quoi non, non, je vais le passer à. Ça joue Zé bien. Je peux. Arrive, c'est ça, c'est allez. Et après, on se fait un petit double Mario Tennis. Là, pour le coup, on va équilibrer avec Ponce et moi. Je vais vous laisser alors jouer. Non, mais on va jouer en double. Ok. Le double, en vrai, ça va être une nouvelle. C'est bien. Le double, c'est marrant, le double, en vrai. Ok, je suis. Toi, t'es ZS, ok. Regarde-moi ça. T'as vu ce que t'as fait là? Oh putain. Ouais, ça s'appelle. Mais c'est trop bizarre parce que des fois vraiment c'est impossible d'anticiper ce qui va se passer. C'est une tu vois, tu peux pas faire. Puis t'as envie d'anticiper, mais il est pas assez rapide. Ouais, c'est compliqué. Non. Tu vois. Rivenzi est à gauche, c'est ça? Ouais, je suis à droite, moi. À ta droite. Je suis à droite, ouais, tout à fait. Oui. Voilà. Super. Les bruitages sont fous, quoi. Oh, le sound design est exceptionnel. Oh non. Les gens ont travaillé là-dessus. C'est fou, quoi. Non, les gens n'ont pas travaillé. Non. 2-4. Oh. Ouais, oh non, mais ça va aussi. Ouf. C'est fou. Ouais, mais c'est... Ah. Bon, quel match. Imaginez tous les moyens mis en place sur cette prod pour se donner sur Pong. C'est dingue. C'est incroyable. Oh, regardez-moi ces deux joueurs là. Ces deux joueurs. Ils sont. Et merde. Les heures d'entraînement qu'ils sont en train de payer là pour Ivenzi. Non. Oh. C'est son jeu le plus joué. On rappelle. Pogno, t'en fous toi. Non. Je t'en foutrais. Regarde ça c'est de l'effet ça. Ça c'est de l'effet encore. Voilà, la remontée peut-être. Et ça c'est de l'effet encore. Et voilà, bien sûr. La remontée peut-être. Ah. Aïe. Non. Voilà, le karma. Oh là. Ça va aller. C'est tellement ma vie en fait. C'est tellement ma vie. Allez, je gagne face à Emeric, je le pulvérise. 6-9. Bravo à toi. Bravo. Petite partie gaming, bien sûr, rétro gaming. Je vous propose de passer à un jeu actuel. Je vous propose de. Un jeu actuel qui est aussi qui était sur 64 aussi, Mario Tennis. Le premier. Sur 64, il y en a eu plein sur Game Boy Advance. Il y en a eu plein. Évidemment. Et là, on va passer à celui auquel on a le plus saigné. Moi, c'est le jeu de tennis auquel j'ai le plus joué, c'est évidemment Mario. Pardon.
Tennis. Aces. Exactement. C'est le dernier c'est un dernier qui est sorti. Il est sorti celui-ci en 2018, mai 2018 ou juin 2018, je crois. C'est ça. Quel vraiment game designer J'en ai aucune idée. Il l'a vraiment fait en mode la tu sais que d'ailleurs, il y a une vraie scène compétitive sur Mario Tennis pour le coup. Ouais. Et le meilleur joueur du monde est une meilleure joueuse du monde. Ouais. C'est une joueuse américaine pour le coup. Elle s'appelle Angie. Elle s'appelle Angie. Elle a jamais perdu une compétition de toute sa vie. Quoi ? Oui. Et en gros, elle ne joue pas vraiment au jeu souvent. C'est des saisons qui durent un mois, du premier du mois au dernier jour, quoi. Et genre, en gros, ben, elle ne joue pas toutes les saisons. Quand elle joue, elle est meilleure joueuse du monde, elle est tout en haut du classement. Et quand il y a des compétitions où ils invitent les meilleurs joueurs et tout, ben, elle gagne, elle n'a jamais perdu. Voilà. Mais c'est comment ça se fait ? La dérale, peut-être ? Non, je ne sais pas. La drogue ? On ne sait pas, mais c'est un jeu qui est vraiment hyper technique, qui demande beaucoup de réflexes, qui demande beaucoup d'entraînement et tout. Et on ne sait pas comment elle fait, parce que des fois, vraiment, on ne la voit pas pendant 3 mois, puis d'un coup, elle arrive, elle pulvérise les gens, elle repart. Elle s'entraîne en soum-soum ou quoi ? Elle doit jouer au jeu, non ? Incroyable. Ouais, elle doit pas, jouer un peu, ouais. Oui, c'est vraiment assez incroyable. Angie, qu'elle s'appelle. Angie, exactement. Fort, ouais. Et, Angie. Et toi, t'organisais aussi des tournois de temps en temps, face à moi, t'en as pas fait. Ouais, on a organisé pas mal de tournois. Bah là, il y a un mois et demi à peu près de tournois Mario Tennis, parce qu'en fait, nous, on a une scène française qui est plutôt pas mal développée. Il y a beaucoup de bons joueurs en France. Donc voilà, mais après c'est un jeu qui est abandonné. Il y a pas de mise à jour sur le jeu depuis des années. Concrètement, il y a peu de joueurs. Si tu vas online, tu tombes souvent contre les mêmes et tout, donc c'est un peu difficile. Voilà. Mais c'est un excellent jeu de tennis, je trouve. C'est un très bon jeu. En vrai, c'est vraiment un bon jeu. Il est bien compétitif et donc c'est cool. Alors, c'est un jeu pour le coup, et c'est pour ça qu'on va jouer en double. Quand tu joues à quelqu'un qui a ne serait-ce que 10 heures sur le jeu, tu te fais mais. Bah là, si vous voulez, on peut faire une. Genre, Rive, par exemple, qui jouerait contre Emmerich, je pense que tu mets pas un point Emmerich. Ouais. Mais vraiment, c'est genre. Ah ouais. Ouais, ouais. Même pas sur un. Moi, je raconte cette anecdote tout le temps. Sur la table mais... Ça me rappelle quelque chose. Non, bref. Ouais, c'est vrai. Ouf. Ça me rappelle le panel de tout à l'heure. Mais tu vois, pour l'anecdote, ça je le raconte à chaque fois, mais j'ai hébergé le frère de Rivenzi chez moi en 2018 à Berlin à l'époque. Et genre, comme ça, hop là. Il voulait découvrir le jeu et il me dit ouais, viens, on joue et tout. Et en fait, on a laissé la console allumée sur les mêmes résultats pendant tout le long du mois où je l'ai hébergé. Et tu vois, un soir sur deux, il me dit ouais, vas-y, viens, on joue et tout. Et en gros, il y avait écrit au score, il y avait 512-0 de match. Pas de points ou quoi, hein, de match 512-0. Il est arrivé à prendre aucun match. En fait, c'est pas possible. Tu sais, quand il y a une différence de niveau trop élevée, un peu comme Smash. Comme un peu dans la vraie vie. 512 si tu joues vraiment le gars qui est très très lourd au tennis, tu vas rien lui mettre. Oui, bah c'est ça. Bah, ouais, non, mais ça montre à quel point c'est technique, quoi. Mais oui, et son frère faisait tous les. Enfin, ouais, un soir sur deux, il me faisait. On se fait quand même quelques games et tout. Et en fait, au bout d'une heure, il faisait non, vas-y, stop, c'est bon. Manque de persévérance. C'est qui, joueur 1 ? C'est... Non, moi, je n'en ai 3, aucune là. Idée. Je suis 3. Faut que j'appuie sur quoi ? C'est toi, genre. Je te prends la manette du coup. Avec grand plaisir. Hop là. Comment hop, tu là. Vois joueur ah, 1, ouais, là, on fait en équipe. On est ensemble, mec. Boum. Joueur... Ah, on peut choisir. Joueur 1, joueur 2. Donc, moi je suis joueur 1, toi t'es moi, joueur 2. Toi t'es joueur 3. C'est qui le meilleur ? Ou sinon c'est J1, J4. Je suis joueur 4, je crois. Toi t'es joueur 4. Moi je pense. Bah ouais, go, je me mets avec go. Tu mets avec Pompon ? Moi je me mets avec Pia. Toi t'es J4. Vous avez déjà joué ? T'es J4. Désolé, mec. T'es J combien toi ? T'es J2. Ah oui, là. On est ensemble. Let's go. On est ensemble, mec. Let's go. Je vais prendre Luma, je pense, pour ce genre de gameplay un peu sale. Juste un perso de ouf. Tu voudras tester après Mélissa aussi ? Je vais regarder déjà. Tu feras tester. Tu me contentais déjà de regarder, c'est très cool. C'est très sympa, je suis très content. Je vais vous observer. C'est qui Pauline dans l'univers Je comprends. Mais je sais même plus qui je joue. C'est qui Pauline dans ce tuyau ? Ah, oui, il y a des ultis, il y a des trucs particuliers. Ah, je sais. Ouais, il y a de l'énergie que tu charges au fur et à mesure de la partie. Après, est-ce qu'on va utiliser beaucoup l'énergie ? C'est une bonne question. Ouais, c'est alors, si vous voulez tout savoir, un petit, très rapidement en termes de touches. Ouais. Il y a Atao dans le chat, mon frère, qui dit j'ai gagné une fois quand même. Non. Waouh. Le droit de réponse. Réponse de Ponce, non. 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 Il a peut-être pris un jeu une fois. Ah, carrément. Mais... Il a gagné un point une fois. Non, non, des points, ça arrivait. Une game sur 10, il prenait un petit point. C'est dur. Il a dit un une jeu. Game... Oui, voilà, un jeu. Il me semble qu'il avait pris 512 parties. Oui, merci, heureusement. C'est encore plus inquiétant. J'étais en mode, je regardais pas l'écran. je rigole. On est chaud ? Vous avez attends, juste les touches. Les touches, quand même, rapidement. Alors, les touches rapidement. Alors, A, c'est des balles liftées. B, c'est des balles coupées. Y, c'est des balles à plat. X, joystick vers le haut, c'est des lobes. X, joystick vers le bas, des amortis. C'est des amortis. Ouais. Voilà. Ok. C'est assez simple finalement. C'est chiant. C'est ok en vrai. C'est juste un jeu de tennis. En même temps, tu peux tout lifter, t'as le droit de tout choper. Bah, ouais. Et faire à plat. Ouais, c'est ça. Non, parce que si tu liftes une balle qui arrive liftée, tu peux te prendre un stun par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il faut répondre la bonne coupe. Parce que
Ah oui, d'accord. C'est pour ça que tu parlais de réflexe aussi à chaque fois. Attends, genre, si tu m'envoies un lift, faut que je te renvoie un lift. Un coup, non. Plutôt un coupé. Plutôt coupé. On est d'accord, tu fais l'inverse. Ouais, plutôt coupé. Et aussi, avec le joystick droit, vous avez des dashs. Donc vous pouvez dasher à gauche ou à droite selon pour apporter des, pour rattraper des balles, mais ça consomme de l'énergie. Donc si vous en avez pas, un système d'énergie. Très bien. Ah, ça a l'air trop cool en vrai. Ouais, en vrai, le jeu est fou. Hein. Vraiment, le jeu est fou. C'est juste qu'il n'est pas Todd, joué. C'était toi, Emery, je crois. Non, Todd, c'est. Moi, je suis Todd. Ok, c'est à moi de me servir. Sinon, on est à droite. Let's go en fait. Pff, mec, t'es juste un monstre. Hop là. Tu vas? Ok, ouais, c'est bon. Va devant, je vais derrière. Mets-toi au filet, je vais derrière. Pas de problème, c'est vraiment ça tout ce que j'ai vécu tout à l'heure. Comme d'hab. Là, du coup, là, j'ai fait un B, donc c'est un. Moi, je suis Luma, la petite étoile. Emric, c'est Yoshi. Un coup rouge. Et en fait, j'ai chargé mon coup. Si tu anticipes, tu peux charger. Tu récupères, tu vas direct devant. Ouais, c'est ça. Va direct devant. Oui. Va devant. Mais mec, t'es derrière toi, tu sais, je te casse. J'ai vu. Vas-y, tu vas tomber ou pas. Moi, je vais peut-être aller devant. Je sais pas si tu vois, mais j'ai quand même mis un coup. Ok. C'est vrai. Oh non, mec, mais c'est devant, double X qui fait le dash, j'ai pas ça sur tête va devant. Tu vois ce que c'est ou pas? Oui. Attention. Ah, c'est l'enfer, je savais pas. Ok. Vas-y, va devant. C'est très dommage. Va devant. OMG. Yes. Ouais, en fait, il faut bien quand t'es sur l'étoile, prends le temps d'aller sur l'étoile et t'as bien vu et ça va le faire. Ok, ça marche. Ouf, ouais, t'es dessus. Bien. Où ça joue là? Ah, dommage. Oh là 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 là, d'accord. Tu peux utiliser ça, ça va permettre de dasher. Okay. Va devant, hein. Comment je dash. Ça permet de dasher. Ouais, mais en gros, là, j'ai juste fait X pour la lever. Tu vas devant, bien, tu récupères ça et tu vas devant. Non, bien sûr. Enfin, sauf si tu veux jouer derrière en vrai. Non, mais regarde, déjà, je fais un truc de fou. Voilà. Oh là là, mais incroyable. C'est pas ouf. Non, mais moi, non plus. Il y avait une ouverture en même temps à gauche. Il y avait l'ouverture. Ouais, il y avait de l'ouverture. Ok. Oui, t'es bien, super. Oh, bien. Oui, t'es dessus. Emric. Et tu vois, c'est très bien joué. C'est très bien joué. Ah, mais j'aurais dû en laisser une ou deux. Non, il y aura des meilleurs exceptionnels. Tu viens de nous faire par contre. Ok. Tu veux que je joue un peu plus vite? Balle de jeu. Avance. Tu vois, hop, j'ai dashé. Ah, ouais, d'accord. Amorti. Tu vois, je dash. Tu l'as. Bien sûr. Bien joué. Ça va. GG. Tu l'as. Oui. Oh oui! Oh non! Là, non, t'es monstrueux! Voilà! Il a eu, putain, il est fort. Oh le. Moi, je trouvais que j'avais bien joué. Ouais, t'avais bien joué, mais il était grave bien joué, mais ça sent tellement le nul à côté de moi. Il est infâme ce type. Là, let's go. Regarde, hop, oui! Oh oui! Ah oui! Mais Emric! Non, mais t'inquiète, c'est bon. C'est bon, je comprends le concept du film. Je comprends le concept. C'est mon territoire. On est bien. Ok, je fais ça. No pressure. Let's go! Tu vas pas au fil? Si, j'y vais, t'inquiète. Mais en fait, j'étais juste en admiration devant ton point. Je te remercie. Tu vois là, les deux. Ouais, j'avoue, qu'est-ce qu'il fout là? Les deux, ils partent. Aucune communication dans la règle. Oui, c'est vrai qu'il y avait pas de com. Il y avait ok, on garde nos côtés sinon. On oui, fait ça. On va essayer de garder les côtés. Reste à droite. Ah, mais je regardais le mauvais bonhomme. Ah, ouais, du coup, toi, t'es le petit personnage avec un champignon, ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Exactement. Mais bon, c'est. Je suis le petit beau. Oh, mais Emric, t'es monstrueux. Reste dans les 15 années de jeu de tennis. Ouais, on va faire ça. 6-7 ans à peu près. OMG, mais il est. Mais t'es trop fort. Il est fort, il se débrouille. Je regardais Emric. Tap. Eh ben, me regarde pas. Il est super sacré. Mec, il faut. Non, mais on est ensemble tout à l'heure. Ralentis le temps pour Trivia en vrai. Non, je check pas. Ralentis le temps pour Trivia en vrai. Tu sais, quand elle est à côté et que. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je m'avance, tu veux dire. Tu peux ralentir le temps pour elle, tu vois. Mec, t'es juste un monstre. T'es insane. Je comprends pas. Ah, y'a le Giro, putain. Oui. Oh, t'es chaud. Non. Je l'ai raté, pardon. Ah, j'ai choqué. T'es chaud, je vois le jeu 7 des matchs. C'est moi, comment ça, jeu 7 des matchs? Je sais pas, ça va. Ah, c'est deux jeux gagnants là. Mais c'est pas vrai. Enfin, ça va quoi. j'ai raté la balle. Vous voulez en faire une? Ouais, on s'en refait une. Tu veux jouer ou pas? Oh non. Non, ça va. Ok. Ça ira. Tu veux qu'on mette Pong sur le téléphone? On met Pong sur le téléphone. On mettra Tennis Clash juste après. Bon, on fait J1 Giga. Ouais, on était bien, C'est la revanche. J'ai été médiocre. Oh non. J'ai été médiocre. Mais non, t'as pas été médiocre. J'ai été clairement médiocre. T'as été débutante. C'est un niveau débutante, t'as jamais joué au jeu. C'est vrai. Tu vois, il faut accepter d'être débutant à un moment donné quoi. Oui, c'est oui. Je prends le petit champignon rose du coup. Ok, sensiblement le même personnage. Et pourquoi est-ce que... Ah oui, non, ok. Au hasard, t'as bord de mer. Boum.
Ah ouais, exprès pour avoir de la brise et tout. La Bretagne. Stade Bretagne. Ah, j'aime beaucoup. Non, parce qu'en fait, t'as des stades dans le jeu qui sont vraiment genre improbables avec des monstres à côté et tout. Et oui. Les stades bord de mer, c'est les stades les plus classiques, représentatifs d'un jeu de tennis, quoi. D'accord, ok. Mmh. Est-ce que, genre, il y a des éléments extérieurs qui viennent perturber le match? Sur certains stades, oui, mais pas sur ceux-là. T'as la surface qui peut changer. La surface change quand même. Le fait d'être sur terre battue, ça peut un peu influencer certains, mais c'est, ça change à très haut niveau. Tu vas pas devant Aussi, pardon. T'inquiète. Ouais, c'est bien. Bien, bon, regarde cette balle. Boum. Oui. Ouf. J'ai fait n'importe. Pardon. GG. Ouais, t'as été sublime. En fait, c'est juste sublime ce que tu nous proposes. L'amorti. Oh non, le petit amorti. Tellement dommage. Très même bien. Moi, je l'ai pas vu. Très bien. Ah, faut se remettre dans le. Par contre, le jeu était bien. Mood, hein. Le point était bien. Ah, le jeu, il chauffe quand même. Oh là là, c'est super ce qu'il vient de faire. Absolument incroyable. Quel beau retour. Très très grand ponce. Okay. Je sais pas pourquoi j'ai fait un amorti. Je monte, et là je suis là. Je suis devant. Oui, t'es dessus toujours. Oui, le violet, super. Je suis complètement à l'ouest. Je suis là, ils essaient de m'éviter. Oh oui, ouais, ça fait du jeu, ça. Tu sais quoi, j'ai jamais vu ça. Ça, c'est que du jeu, ça. Le ballon rebondit sur le gars. Sublime, regarde-moi ça. Énorme. Ah non, c'est le lait. Ah, oui, en fait, il y a eu un lait, je crois. Mais oui, c'est le lait. Oui. Non, mais c'est exactement. C'est que ça. C'est exactement. On est en train de se faire détruire. Le ouais, ok, c'est pas grave. Réussite en même temps. Non, enfin, ce que t'appelles la réussite, c'est quand même de la beauté, quoi. Non, oh, c'est bon. Oui. Encore. Hop. Oh, c'est toi qui l'as. Toujours. Hop. GG, tu l'as, en fait. Non, il l'a pas. Ah, attention, parce que tu peux faire taper par là. J'ai compris, mais trop tard. Ouais. Ah, il est un peu lent. On les fume. Dis le mec derrière. Faut que je lave mon rétro, je te vois pas. Il a 50. Let's go! 50 ans d'humour. Attends, regarde bien cette balle, regarde. Boum. Waouh! Oh oui! Boum! Oh! Tu l'as? Mais oui! Oh oui, tu le fais! Oh là là! Let's go! Incroyable! Emery qui lâche la main, tu fais oh! Il y a la balle devant lui qui passe. Oh! Tu vois encore rien? J'ai cru que c'était terminé! Incroyable! J'ai cru que c'était terminé, mec! Ça a remonté, j'y crois. Jamais terminé sur Mario Ten. Qui a régalé là. J'avoue, ça s'arrête jamais. Oh le slide. Oh. Et là c'était. Non. Non. Mais mon tueur. Ce n'est jamais terminé. Ce n'est jamais terminé. Comment vous faites pour attraper les balles qui sont si loin de vous? Bah avec un dash. Un dash. D'accord. Avec le joystick qui est droit. Tu la prends et t'avances, hein. Tu le sais, hein. Si tu le fais pas, Emeric, je vais péter un plomb. Ok, bien joué. Je le sais juste. Je le sais. Oui. Tu n'avances pas du coup au courant. Non. Je rattrape. Oh. Tu veux pas rattraper? Oui. On a l'avantage. On a l'avantage. Mais là on était bien là. Non. Mais tranquille, c'est moi qui. On a l'avantage. Allez. J'ai tenté d'innover, c'était. Mais c'était, et en vrai, je ne peux pas t'en vouloir. Oui. Oui. Mais merde. Mais merde. Tu t'es tu, bien joué. Oh non. Oh, Emeric. Emeric. Oui. À toi. Waouh. On prend le point. Mais... Et on prend le point. Emeric, on remonte. Comment il a fait ça? Bah avec Y. Non. En fait, quand t'es sur les étoiles, quand t'es sur les étoiles, tu peux faire un coup chargé tout de suite. Le mais l'étoile, c'était ma faute. C'est quoi parce le coup que chargé, je l'ai mal rempli. Alors, c'est Y. Y, ouais. Si t'as une étoile, tu te mets dedans. Petit Y. Je retourne devant. Bonjour. Viens. C'est pour toi. Oui, ce que j'ai fait. Ah. Mais en fait, t'as utilisé le joystick. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. T'as donné un coup de joystick. T'as dû donner un coup de joystick vers l'arrière. Je pense, ouais. Je suis navré. Bah non, c'était bien joué. C'était bien joué. En vrai. Ok, tu serres et tu avances de suite, mon pote, à la compote. GGG, avance. Ouais, j'essaye. Oui. Oh, dommage. Mais des fois, quand t'es trop proche du filet, des fois, c'est chaud. Ah ouais, bon, d'accord. Est-ce que tu peux te prendre des petits coups? Je me fais boulot, ça. Mais non, y'a rien. Tiens. C'est bien. Oui, t'es-tu encore? C'est juste parfait pour le moment. T'as appuyé deux fois sur ça. T'as peut-être appuyé deux fois sur X. Ça fait un dash. C'est Y, c'est ça. Ouais, c'est chiant. Ah ouais. Faut pas que si t'appuies deux fois sur Y, je me suis trompée. Ça peut te. Donne pas toutes les infos aussi. Je me suis trompée. Mais y'a pas de problème. Mec, t'es tellement partout en fait. Ok, je la ramène. Oh non. L'amorti là. Vas-y, reste de ce côté. Oh là là. Oh là. Paf. Oh, c'est vrai, ouais, non, voilà, le jeu blanc, le jeu blanc pour y passer un petit peu. Voilà, non, mais c'était leur jeu de service. C'était leur jeu de service, c'est normal. Là, ils nous ont eu. Ah, diantre, ils nous ont eu. Ils nous ont eu. Faut être coché. Je regardais pas. Bah voilà, c'est la technique. Du coup, ça c'est genre regarder. Du coup, faut se concentrer. Ah ouais, bah vas-y, je vais me concentrer. C'est un ratable maintenant.
Voilà, honte. C'est un rat. C'est un ratable, il a dit. Non, c'est trop. Ok, c'est en 7 points gagnants le jeu décisif. Hein. D'accord. Bah, pour l'instant, on est bien. Hein. Oui. Oui. Il a pas bougé, ça me fume. Oui. En vrai. Arrêtez voilà, de dire oui. GGG. Mais incroyable. Non, il est fort. Ouais, il est très fort. J'ai l'impression qu'il maîtrise le jeu. Partout. Oh, ça va vite. Ah là là. Tiens. Tu l'as. Oh, je le ramène de l'autre côté. Boum. Oh, je la ramène encore. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Pardon. Oh le jeu, je la ramène. Reste fort là-bas. Reste de ce côté. Ah. Reste de ce côté, fort reste là-bas. De ce côté. Ah. Oui. J'ai. Reste de ce dis-moi côté. Dis-moi ça. Oui. Ah non. Non. Ah, je ramène. Oh oui. Ah. Oui. J'ai. Oh, let's go. C'est pas grave, t'as tout donné, on a tout donné, mec, on peut pas s'en vouloir. Ah en fait, moi, j'ai de fond de bois. Tu sais, au niveau de la physique, je me dis que le point est terminé, c'est à trop de moments. Ah, mais non, mais vraiment. Dans le milieu, pas. On l'a appelé l'essuie-glace. Terminé, c'est jamais terminé. T'as des points qui durent 7 minutes avec les joueurs qui sont forts. 7 minutes quand même. Je suis pas dessus. GGG. C'est dessus, t'es dessus, Trivia. Oui, super. Je suis carrément dessus. Carrément dessus. Là, la balle passe, je suis désolé. La balle, elle passe là, en vrai. Le jeu est un peu bugué. 4 euros, vous n'êtes pas bien, non ? C'est un PDF, un point de vue qui a été marqué. On n'est pas bien, on n'est pas bien. Mais tranquille, tu l'as récupéré, tu, mon Tamric. Tu connais. Je connais pas de dessus. Boum. Boum. Oui, bien. Ça y est, ça commence. En vrai, tu sais quoi ? On monte un peu le level là. GGG. Voilà, oh, au milieu, voilà, ils sont écartés au milieu, mec. Ah, milieu. Ah, ouais, au milieu, là, au milieu. C'est la zone là. Où il faut qu'on arrive à se mettre d'accord pour savoir qui y va. Très bien. On peut faire des méga services, genre des ace et tout. Ouais, oui, oui. Oh, oui, tu peux en faire. Oh, mais oui. Elle a fait oh, un truc. Oh, le petit dash, très bien joué. Magnifique. J'ai pris mes petits petons de champignons là. Bien sûr. Okay, tu sers t'avant ça. Mais Trivia, le step up. Ah ouais, Trivia. À l'heure de jeu égale. Boum. GG, t'inquiète. Ah, t'inquiète. Je m'occupe, ne touche à rien. Je touche à rien. Ouais. Et là, tu vas y arriver, là, si on te pousse comme ça, là. C'est chirurgical, hein. Ah, c'est... putain, de vache. C'était dur, en vrai, c'était impossible. C'était dur d'aller chercher. Ok, on remonte. Mec, on n'a jamais été aussi... J'étais un peu gêné, parce que j'ai rien touché, mais j'étais dans le chemin. Non, mais en vrai, c'est... Je sais pas où aller, je reste à gauche. Reste à gauche. Je vais... Voilà. Oh là là, qu'il est chaud, lui aussi. J'ai force. Amorti là-bas. Oui. Je n'y suis pas. J'ai. C'est fou. J'ai. Là-bas. Avec t'es partout où je re... Il va l'avoir. Non. Bien joué. Reste à gauche. Là-bas. Inattendu. Oh non. Inattendu. Non. C'était inattendu, mec. Je ne m'attendais pas à ça. Désolé. Tu t'avances, hein. Tu la prends, t'avances. Je fais un énorme lob, mec. Non, mais arrête pas de lob. Oh non. Oui. Est-ce qu'on serait pas back in the business? C'est pas grave, on reste dedans. C'est le mental. Si on a réussi à en mettre 5 points, on en met 2 là. Ok. Hop là, voilà, petit lob. J'ai... Oui. Ah. C'est un retour. C'est juste un énorme retour ce qui se passe. Bah, je spam, mais ça a pas marché. Je suis navré. Yes. Tu veux dasher? Dommage. Mec, c'est fou ce balle de match. Quoi? Match pour non, c'est en 7 points gagnants, balle de match. Ouais, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ok, je les fume. Je te refocus. Regardez bien ce coup de fou. Ah chier. GGG, c'est un ratable d'énergie. Oh la honte. Oh la faute. Mais il y a le giro. Oh si, le giro. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Il n'y a pas de problème. Non, il y a un CDF. Tu récupères ta balle. C'est un CDM, un coup de merde. Let's go. Vas-y, elle est amortie, il faut y aller fort. Je la croise de fou. Oui, oh, c'est pas fini. J'ai. C'est à toi, tape, ça va sur les toiles et frappe fort. Bien joué. Oh là là, t'es chaud, mec. Après, c'est 2 points gagnants, c'est pas fini. Mec, je sais très bien, on est là. Balle d'up. Je vais sans doute mettre un énorme ace là. Wow, l'ace, regarde. Immonde service. C'est pas sympa du tout. Boum. Dans l'intervalle, ils l'ont pas. C'est gagné. Oui, pas vraiment. Reste à gauche. J'en peux plus. C'est dommage, ils sont très forts. Pardon. T'as été énorme. C'est quoi? T'es le meilleur joueur de l'histoire, mec. Tu as été incroyable. C'est pas grave. Toi et moi, on est comme ça, mec. Bravo, bien joué. Bravo, les gars.
Non, en vrai, vous voyez, le jeu, il y a des sensas, c'était marrant. C'est sympa. En quelques, ouais. T'as vu, en quelques temps, tu crées de la sensas. C'est assez marrant. Ouais. Très bien joué, très bien, très bien joué. Très bien joué, moi, checker l'adversaire. Toi, pas ouf, toi. Nul. Très bien joué. Ah là là, mais c'était cool, on voulait tester aussi le jeu de tennis, on en profite, tu vois. C'était trop bien, j'ai trop aimé. Vraiment non, mais il est vraiment ce jeu est fou, c'est tellement triste qu'il n'y ait pas de joueurs parce que du coup ça donne pas envie de jouer, tu sais, quand tu tombes toujours contre les mêmes. Ouais, et tu sais, comme le genre de jeu où il y a peu de joueurs, il reste que les joueurs qui tryhardent, qui passent beaucoup de temps. Ouais, du coup, en fait, toi, tu te fais éclater, tu repars. Ouais, c'est oui, en pleurant. En pleurant. Je vous propose qu'on aille se tester sur nos connaissances tennistiques juste après. On y va. Et c'est là où Trivia va être très très fort. Bien sûr. C'est là où on l'attend toutes et tous un jour. Bien sûr. On va se retrouver bien sûr pour la suite de notre émission. Bien sûr, je vous le rappelle, Roland Garros E-Series by BNP Paribas, c'est l'occasion eh bien, de jouer au tennis, de tester notre culture, évidemment, tennis. Et aussi, eh bien, tout à l'heure, on aura les finales XP School des Roland Garros E-Series by BNP Paribas et aussi les finales Women in Games pour tenter eh bien, au parti de remporter justement des places et de se qualifier pour le tournoi final qui aura lieu à Roland-Garros le 21 mai prochain. Je vais rejoindre évidemment mes camarades en plateau. Bien sûr, ils sont là. Bien sûr, évidemment. On est là. Après cette défaite, malheureusement, terrible. Mais bon, on s'est bien amusé. Je pense que c'est l'important. Tout à fait. Vous êtes amusé? Tout à fait, je m'appuie toujours avec vous, Rivenzi. Êtes-vous diverti? Moi, j'ai passé un excellent moment. Ouais, c'est vrai. Pareil, j'ai découvert Ponce, le e-sportif. Le e-sportif professionnel. Mais incroyable, ouais, trop fort. Je ne savais pas que c'était si technique. De métier. Ah ouais, si. Mais truc de fou. Et encore, il y a un gouffre abyssal entre notre niveau de jeu et les gens forts. Ouais, c'est ça. Oui, c'est le niveau des top joueurs sur Mario Tennis est vraiment insane. Donc, pour la suite de notre émission, on va continuer sur le ludique, mais cette fois-ci, bien sûr, on va tester nos connaissances. Tennis et jeux vidéo. Vous allez le voir, on aura le côté gauche du plateau, enfin gauche pour les spectateurs évidemment, vous allez faire équipe. C'est du 2-2. Okay. Comme ça, vous allez essayer d'équilibrer chacun vos connaissances tennis. Ouais. Vous verrez aussi dans le quiz, restez avec nous, puisque vous aurez la chance de remporter, eh bien, grâce à nos partenaires, peut-être des places pour aller du côté de Roland-Garros. Mais non, trop bien. Essayez. Donc peut-être que vous serez invité. Mais vous verrez, vous pourrez jouer dans le chat tout à l'heure. Vous verrez, on a préparé plusieurs mini-jeux, des quiz à réponse, questions à réponses multiples. J'ai aussi préparé un petit face swap, donc j'ai mélangé le visage d'un streamer avec celui d'un ou d'une tennisman. On aura aussi des énumérations, vous verrez. Donc il va falloir être très bon. Est-ce que vous êtes prêts? Bouillantissime. Ouais, vous êtes. Je te fais la chose. Ah ouais, j'ai pas une très bonne mémoire. Donc, c'est vrai. Autant j'aime le tennis, mais. Okay. Je suis exactement pareil. Eh ben, c'est vrai. Bon. Ouais. Moi, je retiens absolument pas les prénoms des gens. Eh ben, ouais. Super. Eh ben, ça va être exceptionnel. Allez, mais il y aura zéro réponse. Allez, quand même. Si, Zinedine. Non, mais après, il y a des questions où c'est pas facile. Non. Jean-Luc Reichmann. Vous verrez après, il y a aussi de la déduction. Il n'y a pas que de la connaissance tennistique pure. Donc, les gens aussi chez vous, évidemment, pouvez jouer. Première question. Bien sûr. Une question, 4 réponses proposées, une seule qui est valide. Attendez. Les premiers qui crient. Non, là, pour le coup, c'est vraiment la proposition. C'est vous dites ah moi je pense que c'est plutôt la A et puis mais vous donnez on votre peut avoir la même. Ah vous pouvez avoir la même, tout à fait. D'accord. Après il faut quand même que quelqu'un gagne. C'est pas rapidité là, c'est. Ah c'est ça. Okay. C'est exactement. Ouvert, c'est tout à fait. Ça va le faire. Okay. Alors on joue en équipe. On est tous les deux. Vous pouvez bluffer, etc. Enfin bref. Vous pouvez. Alors première question. Pourquoi est-ce que la balle de tennis est jaune? Moi je sais. Première proposition. À la demande d'arbitres internationaux pour mieux voir la balle. Réponse B, pour uniformiser les balles d'un tournoi à l'autre depuis 1983. Pour les téléspectateurs puissent mieux voir la balle sur les nouvelles TV couleurs en 1970 ou à la demande du sponsor de l'époque, Paul Ricard. Je suis d'accord. C'est jaune comme le bout de mes yeux, comme je suis défoncé. C'est juste moi, j'aime les abeilles en fait. Non mais par contre, c'est compliqué parce que tout semble plausible. Je suis d'accord avec toi. Ce qui est sûr, c'est que c'est par rapport sur le terrain. Mais... Faites c'est ma sûr. Position. C'est sûr. Oui. Oui, c'est pas Paul Ricard. Alors, je suis quand même le commanditaire du jeu, mais c'est plus pour amuser les gens qu'on a mis cette proposition. Okay. C'est vrai que ce n'est pas la D. Moi, j'étais à deux doigts de voter ça, mais ce n'est pas ça. En vrai, ce serait jouable. Hein. Mais je ne sais pas si c'est pour les spectateurs. En fait, on vous entend et nous, on a déjà donné notre réponse. Ah ouais, vous avez déjà donné ? Oui, ils ont déjà donné. Oui. Moi, pour moi, c'est soit B, soit C. Parce qu'en gros, TV couleur, c'est quand même assez réel. Alors, soit... Ou pour uniformiser les balles. Soit A, ça c'est. À toi, c'est A ou C ? Ouais. Il va falloir se mettre d'accord.
mettre autant de temps pour répondre à une question. Nous, on a la réponse. Ils ont, eux, ils sont très sûrs. Eux, ils sont très sûrs. Moi, j'ai entériné leur réponse. On dit C. Vous dites C ? Eh bien, non. Vous avez dit pareil que l'équipe Trivia, okay. Trivia Poney. C'était A. Et sachez que c'est la bonne réponse, effectivement. C'est pour la télé, tout à fait. Ils ont décidé, effectivement, à partir des années 70, de se dire, bon, c'est vrai qu'on voit mieux la balle avec les couleurs en jaune. Donc, on va passer la balle en jaune. Et vous étiez beaucoup à l'avant. Et elle était blanche. Elle était blanche avant, exactement. Tout à fait. Ouais. Okay. Ouais. Il faut savoir que l'œil, en fait, quoi. La couleur, donc, effectivement, pas ouf. Le mieux. Pas dingue, non. C'est le rouge. D'accord. Donc, c'est pour ça que, par exemple, les boules de hand sont en rouge. Et pour ça que la balle est rouge aussi. Du coup, tu vois, ils auraient pu mettre une balle rouge, par exemple. Parce qu'en vrai, c'est ce que tu vois le mieux. Ouais, rouge sur terre battue, c'est chiant. Et du coup, je pense que c'est pour ça. Oui. Il faudra avoir la réponse complète. Deuxième question. Combien de temps a duré la carrière la plus courte d'un vainqueur de Grand Chelem ? Quelques mois ? 6 mois ? 1 an ? Ou 2 ans ? C'est difficile. Un vainqueur de Grand Chelem. Un vainqueur de Grand Chelem. Après la victoire du Grand Chelem. Tout à fait. Combien, en fait, En fait, il y a quelqu'un qui a gagné un Grand Chelem. Combien de temps a duré sa carrière en carrière au global en tout, ouais. Quelques semaines, 6 mois, un an, 2 ans. Pour moi, c'est pas. Pardon. On pose la question. Enfin, ça doit être ça. Ouais. Donc 2 ans, non. As-tu gagné un truc ? C'était pas vraiment sa carrière. En vrai, je dirais quelques semaines. Oui, moi aussi, mais c'est quoi quelques semaines ? Quelques semaines, ça peut être vraiment 6 mois, en fait. Quelques semaines. Genre, le mec, il est arrivé, il a inventé le tennis, il a gagné son premier match, c'est le premier grand chelem. C'est le sien. Après, et c'est le sien, la blessure, oui, c'est ça. Les trois échecs. Ouais, c'est des gens. Allez, il va falloir une réponse, ouais. S'il vous plaît. Non, mais vous pouvez me la donner. La A. La clutch, il a gagné un truc. Chapeau. Je sais pas. Vous mettez à l'hiver chaud. Prends le risque. Il faut une proposition. On prend le risque ou pas ? On est là pour le jeu. Allez, on est là pour le jeu. On va dire A. Là, ah aussi, je venais à chaque fois les mêmes réponses. Les gars sont fois. Arrivés. Tu vois, mec a un petit niveau en tennis. Il s'est inscrit sur un Wimbledon à l'époque, tu vois. Boum, il arrive. Il gagne. Il sort tout le monde. Il est en ok, je sais pas ce qui se passe. Tu vois, il était tout seul. En plus, le mec. Quelle année tu penses que ça serait passé ? Au début, vraiment au début. Non, je pense que c'est 77. Moi, je pense qu'on est dans les années 60. 50 même. 50. Ah ouais, le mec, il a inventé le grand chelem. Le mec, je suis boulanger. C'est super flippant. Parce que c'est exactement l'anecdote que tu m'as donnée là. Non. C'est la réponse à ce que je te dis. La carrière sportive de l'anglais Frank Haddo est sans aucun doute la plus courte de l'histoire du tennis. En 1878, il profite de ses vacances pour s'inscrire au tournoi de Wimbledon. Non. On s'arrête de Wimbledon. Personne ne le connaît. Il travaille à Ceylan. Il joue très rarement au sport de raquette. Ah, mais c'est à ce point-là. Et en fait, il arrive en finale. Et en gros, il invente le lob. Au tennis. En 1878. Personne n'a eu l'idée. Et donc, il invente le lob. Et en fait, il bat le champion de l'édition précédente. Et il gagne Wimbledon. Et il décide, c'est bon, je gagne. 1878. Il ne gagne plus derrière. 1878. 18, incroyable. Ouais, c'est incroyable. Incroyable. Il réapparaîtra seulement en 1926 à Wimbledon, invité par les organisateurs pour les 50 ans du tournoi. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est entre guillemets, tu vois. Ce mec s'appelle comment, attends ? Il s'appelle Frank Haddo. Il est électricien. C'est une légende, lui. C'est Franck. Ouais. Il faut alors, l'invité, ça va être chaud. On va essayer de voir, mais 1978. on n'a pas d'infos encore. Troisième question. Pour l'instant, vous êtes à 2 points partout. En quelle année est sorti le tout premier jeu de tennis, Fortwo, le jeu sur oscilloscope, souvent considéré comme le premier jeu vidéo de l'histoire ? 1951, 1958, 1961 ou 1968 ? Et là, je fais un tour sur moi. Ok. Parce que je sens la pression monter évidemment sur le plateau. En gros, il a... C'est sûr, c'est pas 68. Fois. Ça me semble un peu tard. Ouais. Enfin, c'est sûr. Non, rien n'est sûr, mais je dirais une réponse B. Je pense qu'il arrive. Bah, déjà. Mais je t'ai dit pas du tout en fonction de la. Sur la question aussi, du en fonction de ce que Riven peut écrire. On m'a dit déjà vu sur lundi culture de Ponce. On me dit que ça a déjà été vu sur un. Je me doute. Maître des fleurs, cette histoire. Mince. Il va me falloir une réponse, s'il vous plaît. 58. Et vous me donnez en même temps la réponse. Ok. 3, tu dis quoi, 2, B. 1, vas-y. 58. 58, et vous me dites quoi ? B aussi. B. 58. Ah, vous faites tout le temps les mêmes réponses. En fait, on fait partie de la même équipe ou quoi ? C'est fou. Et vous me donnez 58, et sachez que c'est. La bonne réponse encore. Merci. Oh là vous êtes là. Très chaud. Incroyable. Putain, vous êtes très chaud. Hein. Ça ne se lâche pas. Incroyable. Très très bien. 58 sur oscilloscope, on en parlait très bien. Bien. Non mais c'est normal. Puis l'oscilloscope, d'ailleurs, tu sais que c'est dans 54. Donc à partir de là, voilà, c'est facile quoi. Unité de quand c'est arrivé l'oscilloscope. Quatrième question. À quoi devait d'ailleurs initialement servir Tennis Fortwo ? À simuler les trajectoires d'une balle de fusil ou d'un missile ?
calculer ses trajectoires. Je pense que c'est à mon avis, c'est ça. J'ai pas encore calculé. À mon avis, moi, je dis c'est calculer les traces. Moi, je pense. Moi aussi, je pense. Mais en vrai, je m'y connais un peu. Quoi qu'il arrive, Apollo 11, simuler informatiquement une poussée d'Archimède, calculer les forces de balles de Kerbeuf. En plus, la vanne était énorme. En fait, tout le monde le sait, mec. En fait, tout le monde le sait, ça. C'est hyper connu pour le coup. C'est hyper connu. Je propose qu'on nullifie la. Qu'on nullifie. Sachant que c'est la question ici simple. Moi, perso, moi, je m'y connais en espace. Je savais que c'était Apollo 11. Sachant qu'en plus, B n'est pas la bonne réponse. Mais ça va vous induire en erreur. Ouais, c'est vrai. C'est A la bonne réponse. C'est simuler les trajectoires d'une balle de fusil ou d'un missile. Mais je ne vais pas vous induire en erreur. Moi, je l'avais par contre. Donc, ah, mais c'est trop tard. Du coup. Enfin, est-ce qu'on peut mettre un point parce que Trivia vient de dire qu'elle l'avait. Ouais. Mais non, mais ils ont pas arrêté de. On va pas commencer, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Okay. S'il vous plaît. Question. Combien, et je vous dis bien combien, de jeux de tennis ont été créés dans l'histoire? 16. Environ 100, environ 200, environ 300, environ 400. Et là, je refais un tour sur mon siège. Bon, voilà, c'est... Là, c'est juste. Attends. Dans le monde entier. Dans le, et tu prends in, compte l'intégralité worldwide. Worldwide. Okay. Certains sont en train d'ouvrir Steam, etc. Ils sont en train de calculer. Ouais. Ils comptent. En vrai, donc, il y avait celui-là. Moi, j'en connais 3 déjà, en vrai. Parce que ça compte les jeux mobiles. Ah, ça compte tout. On englobe tout. Parce que... C'est Rivenzy. Non, la réponse n'est pas Rivenzy. Je pense que le premier, il était 58. Je mettrais... Ouais, le plus. Le max. Il me faut une réponse, s'il vous plaît. 3, 2, 1... La D. 200. La D. Nous, la B. La B. Ah. Et sachez que la bonne réponse n'est ni la B ni la D. Il s'agit de la C, environ 300. Mais vous restez pour l'instant au coude à coude. À coude. Tout à fait. On reste évidemment, ça reste très serré. Prochaine question. Combien de jeux Roland-Garros ont-ils existé avec le nom Roland-Garros? 16. 4. 5. Non, ce n'est pas 16 Roland-Garros. Combien de jeux vidéo Roland-Garros ont existé? 4, 5, 6 ou 7? Bon, je te fais confiance. 4, 5, 6 ou 7? C'est pas la moindre idée. C'est vraiment, ça va être du hasard. Là, pour le coup, c'est... Voilà, ouais. Donc on joue au padel et on ne sait pas combien on a eu de jeux Roland-Garros. Pour ah ouais? Alors, déjà, pas trop de rapport entre Roland-Garros et padel, à part à partir de cette année. C'est vrai, c'est vrai. On en reparlera parce qu'il y aura, on le rappelle pendant que nos équipes réfléchissent, il y aura pour la première fois un tournoi de padel, un grand chelem à Roland-Garros. Donc un très très gros tournoi de padel donc, qui va s'organiser. Voilà. Est-ce que tu y seras d'ailleurs, Mélissa? Non. Bah alors c'est que les hommes. Ça sera un tournoi pour les hommes. Ah, il y aura une exhibition femme par contre. D'accord, ok. Ah, pourquoi une exhibition femme quand même. Je ne sais pas. Il faudra demander ça évidemment à l'organisation. Mais plus tard. Mais en tout cas le tournoi officiel, c'est parce que les femmes encore, c'est pas encore officiel sur ce circuit-là. Ah oui, d'accord. Donc officiellement, ce sera un tournoi homme. Très bien. Ce sera bientôt du coup. Mais bon, ce sera bientôt. Bien sûr. La prochaine fois, incessamment sous peu. Mais voilà, il y a un tournoi en tout cas de padel qui va se lancer à Roland et c'est plutôt cool. Ouais, c'est une première qui en ouvre à d'autres. Ouais. Il me faut vos réponses, s'il vous plaît, pour cette question sur les jeux vidéo Roland Garros. On parle bien de l'intégralité des jeux où il y a Roland Garros. Hein? C'est les jeux Roland Garros. Tout à fait. C'est les jeux avec le nom Roland Garros dedans. Ok. 7. Combien est-ce que vous dites? Nous, on dit 4. 4. Ouais. La bonne réponse. Quelqu'un a la bonne réponse. Ah. Oh là. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Enfin, non. Est-ce qu'on peut laisser en parler? Pourquoi tu en parles? Non, en gros, pourquoi? Tu vois, en gros, moi, je trouve que déjà, 4 jeux Roland-Garros, c'est déjà pas mal, dans le sens où, je sais pas vous, mais j'ai pas entendu parler des milliards de fois de jeux Roland-Garros dans ma vie, tu vois. Mais non, ça, c'est vrai. En fait, pour moi, il y a un jeu Roland-Garros sur Game Boy. Il y a un jeu Roland-Garros de 2005 auquel on a joué. Il y a un autre jeu Roland-Garros. Ok, t'es chaud. Sûr. Bon, bah, c'est 7 du coup. Bien joué. C'est ça? Et la bonne réponse est effectivement 7. Oh là là! Roland-Garros 97, 98, 2000. Roland-Garros 2001, 2002, 2003 et Tennis World Tour Garros édition. Bien joué. Très bien joué. Bravo. Il fait quasiment un sans faute, mais parce qu'il te connaît trop bien. Il est très fort. Me dit, c'est Rivenzy qui a écrit ça. Ce sera 7. Mais quoi? Alors déjà non, mais bravo. C'est pas toi qui as tout écrit? Pas tout écrit, non. Okay. Pas tout. Mais du coup, c'est ton meilleur pote à la régie, celui qui a écrit ça? Bah, c'est le meilleur pote des... Ouais, c'est lourd. C'est Emric lui-même. C'est ma mère. prochaine question là-dessus, on retourne un peu plus sur du sport. En quelle année a été inventé le padel? 1929, 1949, 1969 ou 1989? Oui, mais j'ai... Alors, vous avez donné votre réponse après, parce que sinon, ils vont attendre... Moi, je sais pas, donc... Ouais, j'aurais dit ça. Moi, je pense que c'est
Il y a de la pression. En vrai, 60, 80, très récent. Padel, c'est des pâtes alsaciennes. Non. Pas non. C'est des spätzle, les balles. Des pâtes alsaciennes. Vous y étiez presque, messieurs, dames. Spätzle. Les spätzle. Ou spätzle. 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 C'est des pâtes allemandes, les spätzle, non ? Je suis pas sûr. Il me semble. 69. Mais c'est aussi en, beaucoup en. Spätzle. Spätzle, ils en ont aussi en Alsace, il me semble. Hein. C'est possible. Les Alsaciens dans le chat nous le diront bien sûr. Puis en plus, à l'époque, ils faisaient encore. C'est garde. Ils faisaient des murs en. Il me faut une réponse, s'il vous plaît. Je vais commencer d'abord par l'équipe Trivia. Eric. 69. Ouais, là c'est. 1969. Oh, mais bon, ils vont pas bien. C'est trop ça. Du côté de la team, Mélissa, qu'est-ce qu'on dit ? 69. Oh, bon, oui, non, mais bon. Voilà, on donne les réponses et voilà. Et sachez que c'est une excellente réponse. Eh ben oui, bien sûr. Exactement. Vous avez raison. Très, très bonne réponse. On bravo. Le savait. Ouais, bien joué. Bravo, bravo. Il y a d'ailleurs, énormément de culture. J'ai l'impression qu'en fait. C'est un bouillon de culture. Mais voilà, Rivenzi, t'as juste rassemblé. Des êtres d'intelligence supérieure sur tout ce qui est tennis, quoi, en fait. Tout à fait. Mais j'essaye. Parce que je sais que vous êtes au-dessus de la moyenne. Je savais pas qu'on était, enfin tous les quatre qu'on faisait. En gros, sur mes plateaux, je refuse une personne en dessous de 180 de QI. Ah, je mais sur le tennis, en l'occurrence. Oui, sur le tennis. Le reste, moi, je suis un flambéré. Ah, mais bien sûr. Ah non, mais bien sûr, bien sûr. Évidemment. Prochaine question. On reste dans l'univers du padel. De quel pays est originaire le padel ? Est-ce qu'on est plutôt sur de l'Espagne, du Mexique, de l'Australie ou du Canada ? Il me faudra vos réponses en simultané, oui, s'il vous plaît. Ça c'est bon. Ça c'est sûr. Déjà nous on l'a. C'est sûr. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. J'ai envie de te dire que j'ai la quatrième meilleure joueuse de France à ma gauche, qui en est plutôt sûre effectivement. C'est la meilleure joueuse de France. Ok, la meilleure. Oui, Rivenzi, il a décidé. Mais personne. En fait, voilà, personne ne peut nous contredire. C'est... Qui nous contredira ici voilà. Personne. C'est vrai. Bon, c'est vrai. C'est la meilleure. Disons que vu que c'est la seule joueuse qu'il a vue de France, pour lui, c'est. Bah, mon frère, le meilleur gardien de but de France. Ah oui, je comprends. Là, on a le meilleur rugbyman. De France. Voilà. Seul. C'est vrai. Il me faut. Allez, vos réponses, s'il vous plaît. Le meilleur joueur de Marc. 3. Tennis. 2, je te dis. Réponse, s'il vous plaît. Et c'est une bonne réponse pour l'instant. Bravo. Tout à fait. Le Mexique pour les deux. Effectivement, bravo. Le Mexique. Bravo. C'est le Mexicain Enrique Corcuera qui est à l'origine du padel, vivant à Acapulco. Il n'avait pas assez d'espace dans sa maison pour avoir un court de tennis et a construit un court de 20 mètres sur 10 mètres, encadré de murs hauts de 3 et 4 mètres. Et là est né le padel. Alors, je peux même préciser qu'il l'a fait, parce qu'il n'avait pas assez de place et du coup, il l'a fait contre le mur de sa maison. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ces fameux murs qu'adore. J'adore les murs. J'ai un fan de murs. Il nous reste deux questions, toujours un point d'avance. Il est porteur celui-là. Je l'aime celui-là, c'est mon préféré. T'as fait les enfants à terre. Papa, t'as pris contre le mur. Il reste deux questions, toujours un point. Donc peut-être que c'est le moment de clutcher aussi de votre côté. C'est vrai que si on prend le point. Pourquoi les palas, le nom des raquettes de padel, sont-elles trouées ? Pour apporter de l'aérodynamisme, pour alléger la pala, voir au travers, ou laisser de l'eau s'écouler en cas de pluie. Mexique, hein, on le rappelle. Non mais c'est juste que s'il y a pas... Toi, tu sais ? Oui, le dire très fort. S'il y a pas de trou, il y a des résidences au vent. Oui, tu peux pas t'imperver. C'est de l'aérodynamisme. Léger, on s'en fout. Même s'il est très léger. Laissez l'eau s'écouler. Moi, voir au travers, en vrai, moi tout à l'heure... Moi, c'est le que je trouvais, tu vois. Non, apparemment, la question n'est pas très bien posée. Ouais. Écoutez, ce sont les règles. On fait avec. Je ne vous permettrai pas de les discuter. Oui, parce que en soi, ça permet de voir. Enfin, la réponse est tout à fait viable, vrai, quoi. Ouais, voilà, voir au travers. Parce que moi, tout à l'heure, je m'en suis servi pour voir aussi, à travers. Et la réponse D aussi, du coup. Exactement. Est-ce que tu peux faire ça ? Après, oui, mais c'est pas la raison. Non, c'est pas la raison initiale. Donc finalement, la question est bien posée. Bravo, Riven. Non, parce que la question est très bien posée. D'accord. Bon, enfin, nous, on a une réponse. Très bien. Donnez-moi votre réponse. La A. La A. Quelle est votre réponse ? La A, ouais. La A ? Bien sûr. Très bien. Eh bien, sachez que nous avons une meilleure joueuse de padel de France qui est avec nous et qui s'est trompée sur cette question puisque c'est alléger la pala. Oui, mais voilà. Elle me disait, je suis témoin de ça, elle me disait, en fait, le truc, c'est que c'est pour alléger la pala dans le sens où ça va donner de l'aérodynamisme et qu'il y a d'autres moyens d'alléger une raquette que de mettre des trous. Et elle a raison. Et du coup, j'étais en mode, ah, c'est vrai. Wow, qu'est-ce qu'on dit en régie ? Est-ce qu'on nullifie ? Allez, c'est trois points pour je non, c'est vrai, en plus, c'est ça, c'est une réponse 200 IQ en vrai. Bah ouais. Elle a totalement raison. Qu'est-ce qu'on fait en régie, effectivement ? Non, mais je, on rigole. C'est pas grave. C'est ça dépend. Il y a quoi à gagner en fait ? Enfin, en vrai, ça me dit. Il y a quand même une voiture à gagner. À l'époque, en fait, ils faisaient sûrement ça avec des plans
planche de bois, quoi. Le truc, il devait être méga lourd, alors que maintenant, bon. En régie, tout léger. On me dit qu'on va nullifier cette question parce qu'elle était un peu. Ok. Parce qu'elle est nulle. Parce qu'elle est nulle. Enfin, elle est mal posée, effectivement. Je suis en train de ressentir ce que ressentent les gens le lundi quand ils me demandent de nullifier une question. Eh oui. C'est assez jouissif. Ouais, on nullifie. Voilà, on annule. Ça, c'est nul. Voilà. La question est mal posée. On nullifie. La question est mal posée. Enfin, le jeu est moyen, mec. Waouh, enfin, tu peux, ouais. C'est dur quand même de poser. C'est un peu agressif. Ok. Prochaine et dernière question. Quel joueur? Ok. J'ai perdu la question, c'est dedans. Bah on l'a. Qui a été champion du monde de padel en 2006? Gaël Monfils, Zinedine Zidane, Raphaël Nadal ou Samuel Etienne? C'est Gaël. Bah, j'avoue que si tu me réponds que c'est Samuel Etienne, je suis sur le boule. Tu vois. Ça pourrait être, est-ce que ça pourrait être Zinedine Zidane? Bah ouais, non, en 2006, il se foutait un coup de coude. Surtout qu'on en a parlé tout à l'heure. Ouais, mais du coup, il est expulsé. Là, on ne sait pas ce qu'il fait. C'est vrai, on ne sait pas ce qu'il fait. Pendant trois mois, on ne sait ça pas. Ça se trouve, il se trouve, bat. C'est le mec qui a eu la plus petite carrière de paddle au monde. J'ai eu très, très peur sur le début de la phrase. Et c'est une excellente réponse. Il s'agit effectivement, en 1878, un Britannique s'est inscrit au grand chef de paddle de Wimbledon. Tout à fait, exactement. Non, mais en vrai, tu sais tout ou pas? La question est mal posée. Parce qu'il y en a deux, en fait. Oui. Ah oui, moi, je pense, non? On en parlait tout à l'heure. Bah ouais, l'histoire, elle est connue. Ah oui, pour tous les amateurs. Quoi? Comme nous. Ah oui, oui. T'es sérieux? Ouais, c'est Zinedine, c'est... Non, mais c'est vrai. Il me faut une réponse, s'il vous plaît. Votre réponse à chacun et chacune dans 3, c'est ça, 2, 1. Gaël. La B, Samuel Etienne. Ouais, Samuel, la B, c'est même pas Samuel Etienne. C'est fou ce qu'il a dit. C'est elle qui m'a dit ça. T'as dit quoi? T'as dit Samuel Etienne? Et effectivement, en 1878, Samuel Etienne s'est inscrit par erreur. Mais du coup, non, c'est pas ça. Mais je sais pas. En 2006. Après son élimination prématurée au tournoi de Las Vegas, Gaël Monfils est aussi devenu par hasard champion du monde de padel. Resté aux États-Unis pour s'entraîner avant le tournoi d'Indian Wells, il s'initie à ce sport. Les organisateurs du championnat du monde qui se déroule en même temps que ce tournoi de Las Vegas lui proposent une wild card pour disputer la compétition. Monfils bat alors le premier tour Scott Friedman, le fédéral du padel, et remporte ensuite l'épreuve. Excusez-moi, je regarde. On a dit Samuel Etienne. Alors, non, mais on a une explication. On peut parler. Alors, regarde, Mélissa, il lui fait ah ouais. Explication donnée. Alors, en gros, je me retourne vers Mélissa et elle me dit la D. Je lui fais la D, c'est Samuel Etienne. Elle me dit oui. Je fais mais comment tu sais? Et elle me dit tu m'as dit. Mais parce que je vois pas comment en 2006, quand avec tous les champions, comment un des autres aurait pu être champion du monde. Voilà. C'est pour ça. Ouais. Mais ce qui me fume encore plus, c'est que Ponce les suit. Non, mais c'est vrai que c'est très étonnant. Je te l'accorde. Je fais confiance. Effectivement, le fait que Samuel Etienne soit champion de paddle était sûrement plus crédible que l'un des trois. Mais pourquoi pas? Samuel Etienne est champion de paddle, mais l'autre truc sur la flotte. Pas le paddle. Ça, oui. En 2006 en plus. En 2006, donc ça a porté à confusion. Je t'avoue que pour notre sport, de se dire bon, que Gaël, mon fils, champion du monde de paddle en 2006, je me dis bon. Après, le paddle a tellement évolué. Je préfère dire que c'est un Samuel Etienne. Moi, c'est l'inverse. Je trouve que si Samuel Etienne est champion du monde de paddle, c'est dommage. Non, mais maintenant, tu peux lui dire, parce que Mélissa, c'est probablement pas qui est Samuel Etienne, du coup. Ah non, pas du tout. Ah, d'accord. Non, mais c'est ça. Ah, mais d'accord. En fait, Samuel Etienne, c'est le présentateur de télé. C'est le présentateur de questions pour un champion. Ah, merde. Ah, mais j'aurais dû te le dire. Ah, oui. Ah, ouais, bien sûr. C'est pour ça que tu m'as dit, j'étais en mode. Il est aussi haltérophile, mais ça, c'est le reste du temps. Mais il est aussi, évidemment, il est aussi présentateur télé. Pardon. En fait, c'est une personne qui, en gros, il est présentateur de questions pour un champion. Et pourquoi on en parle aussi? C'est parce qu'il a une chaîne Twitch et il fait des lives tous les matins où il fait des reportages. Ok, vas-y, let's go. Ok. Et c'est pour ça que il est dans les propositions, c'est parce qu'on en parle assez régulièrement sur Twitch. D'accord. On va pouvoir enchaîner, je pense, sur la prochaine. Mais j'aurais dû te le dire, je suis désolé. Oui, c'est pas grave. Le premier point de cette manche va donc à l'équipe Trivia. Et bravo. Emeric, bravo. Bravo, bravo. J'ai gagné un truc aujourd'hui. On enchaîne assez vite sur la deuxième épreuve. Et là, on va passer la régie au face swap directement. Le face swap, qu'est-ce que c'est? Je suis équipé d'une célèbre application pour mélanger vos têtes avec celles de vos têtes et celles de streamers avec des tennismen ou tenniswomen. Il va falloir me dire qui se trouve dans cette... Il faut dire les deux. Un point. Exactement. Après, si vous me criez un nom et qu'en fait, vous ne trouvez qu'un nom sur deux, c'est nul. Dommage pour vous, mais les autres auront... Il me faut les deux. Il me faut les deux. Et si vraiment vous galérez, celui qui m'aura donné un des deux en premier remportera le point. On est parti. Première image du face swap, tennis. Bien sûr. Okay.
C'est exceptionnel. Mais qui est-il? J'arrive pas. On dirait. En fait, la coupe. En fait, j'ai l'impression que c'est Fabrice Eboué derrière. Alors que c'est. Vous savoir que ce jeu est un test et on a testé. On voit. C'est bien. Incroyable. Parce que qui. Quelqu'un là dans le chat, en tout cas, Ratax Insane. Bien joué. Est-ce que tu l'as toi ou pas? Je ne connais pas les yeux, joueur, non. Les yeux de qui ça? Attendez, ça c'est Rivenzy. Vous pouvez remettre l'image sur une voix? Non. Là, on n'a pas l'image, les gars. C'est... On a plus l'image. Ils arrivent. Ok, d'accord. Mais l'image est exceptionnelle. Moi, j'ai l'impression. Je pense que c'est un streamer, un tennisman et Fabrice Eboué. En vrai, je pense. Je suis chaud. En vrai, c'est romain de Fessiné. Moi, je vois Kev Adams, mais. Mais non, c'est pas. C'est un streamer. C'est un streamer. Je pense que c'est les cheveux d'un tennisman. Ah, est-ce que déjà, vous avez peut-être le tennisman? Oui, Gaël Monfils. Ah, bah oui. Voilà, Gaël Monfils. Mon fils, oui. Voilà. Il me faut le deuxième. Attends, mais qui. Qui est cette personne? Ah là, par contre, je peux pas t'aider, hein, pour le streamer. Attends, mais c'est. Des grands yeux comme ça. Je vois, je découpe pas. Je... Il va falloir une réponse, sinon je vais devoir nullifier. C'est forcément un streamer francophone. On a un peu de temps. Est-ce que c'est un streamer francophone? Oui. Mais c'est toi? En fait, moi, il y a les yeux où on dirait toi, mais. C'est une excellente réponse. Putain, okay. C'était moi et Gaël, mon fils. Effectivement, c'était la bonne réponse. Et mais toi, c'est vous, pas Gaël, mon fils. Tout à fait. C'est excellent mélange. C'était moi et Gaël, mon fils. Tout à fait, bravo. Et Fabrice Eboué. Premier point pour la team Trivia. Et parce que moi, on se régale. Je reconnaissais tes yeux, mais pas trop le reste, tu vois. Bah ouais, mais c'est, bah après, ça mélange, quoi. C'est ça aussi. C'est pas simple. Prochaine, Gaël Monrive, bien sûr, qui est le premier joueur de tennis. Deuxième. Personnalité. Étoile? Non. Non, c'est lunatique. Antoine Daniel? Et? Et Djokovic. Attends, c'est Antoine Daniel? Mais quoi? Mais c'est les lunettes d'Antoine, ça, non? Toi, tu reconnais le tennisman ou pas? Ok. C'est pas Djo. C'est qui le... Attends, est-ce que c'est la coupe de quelqu'un dans le tennisman? Pas tout à fait. Mais c'est les mêmes couleurs de cheveux. Le streamer. Mais je sais pas. Pour moi, c'est Antoine Daniel. Non, mais il a dit non. Mais c'est pas. Non, c'est j'ai pas dit non pour Antoine Daniel. Attends, je vais pas. Attends, il a pas dit non. Enfin, je suis pas Joe. Après, oui, c'est un mélange, quoi. C'est forcément un tennisman francophone ou pas? Non, non, bah, c'est un tennisman. Non. Non, c'est pas un tennisman francophone, pas du tout. Ah, bah oui, c'est Joko et Antoine Daniel, c'est validé. Non. C'est ce qu'on a dit, genre, il y a deux minutes. Oui, mais il t'a pas dit non. T'as pas validé. Oui, bah alors si tu l'avais validé comme ça, je trouve ça scandaleux. Quoi. Après, je dis pas pour lequel c'est non, attention. Oui, bien sûr. Excusez-moi, mais c'est un truc Uniqlo qui a l'air de dater un peu. Ouais. C'est pas un joueur de. Voilà. Ah, mais j'ai. Mais c'est alors, pas. C'est pas, c'est pas. Ah, tu penses encore que le. Non, mais pour moi, le streamer, c'est forcément Antoine Daniel. Ah, moi, je pense. On est forcément sur. Allez, il faut une réponse, s'il vous plaît, si vous l'avez pas. Le tennisman, par contre, t'as le tennisman ou pas? Pour moi, c'est. T'as le tennisman, toi? C'est Djoko. Allez, 3, 2, 1. Proposition de chaque côté, une dernière propale. Djoko, j'ai... Mais il a dit non. JDG. Non, ce n'est pas ça. Une dernière proposition. C'est en gros, c'est Richard Gasquet. Non, ce n'est pas Richard Gasquet. Si. La réponse, c'était... Federer et Antoine Daniel. C'est Federer et Antoine Daniel. Aïe, 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 aïe. Mais c'était extrêmement dur, par contre. Je suis resté bloqué. C'est chaud. C'est hyper dur. Parce qu'en fait, c'est pas mélangé. C'est mélangé en mode, c'est une moyenne des deux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas genre, il y a les yeux de machin, il y a le nez de machin. C'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est hyper dur. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Ça, c'est combien? Ça, c'est 8 heures de boulot. C'est 8 heures de taf pour ça. Prochaine. J'ai pas eu Roger. Question. Prochaine image. C'est tellement bien celle-là. T'as la tennisman? Ils l'ont déjà dans le chat, c'est très fort. C'est Osaka et Ultia. Oui, c'est une excellente réponse. C'est Naomi Osaka et Ultia, bien sûr. Bravo. Ah ouais, Osaka. Bien sûr. Bravo. Ah ouais, il marche trop bien. C'est une vraie personne en fait. Elle existe. Elle est sur le plateau. Oh, bravo. Allez. Bien joué. Bah, après, là, vous l'avez trouvé. Très bien joué. Vois, celui-là. Bien joué. Prochaine image dans ce face swap. Djoko et Étoile. Non. Ah, c'est Djoko, c'est sûr. C'est sûr, c'est Djoko. C'est sûr, c'est Djoko. Voilà, la bouche, je suis d'accord avec toi. Il y en a qui l'ont dans le chat. Non, elle est trop stylée celle-là. Djoko Norman. Mais on dirait, ça, là on dirait vraiment une vraie personne. En vrai, aidez-vous des cheveux, de la coupe de cheveux notamment. Ah, ok, c'est Djoko Domingo. Oui, c'est une excellente réponse. Djoko et Domingo. C'est Djoko et Domingo, tout à fait.
Et oui, ah, mais c'est Domingo quand même. Ah ouais, mais bon, c'était pas simple de trouver une photo bien de face, etc. Voilà, on a fait ce qu'on a. La coupe de cheveux, c'est la première. Ça fait 2 à 1 pour l'instant, vous faites mener, ils sont en train de revenir. Ils sont très très forts. Allez. Ils sont en train de revenir, bravo. Prochaine image. Poulpe Nadal. Oh. C'est pas ouais. Non, c'est pas. Bah alors du coup, c'est Ponce Nadal. Oui, Ponce Nadal. C'est une bonne réponse, c'est effectivement. C'est Ponce. Il est immense. Il est immense. C'est pour lui. C'est pour qu'il n'existe pas. Et il est immense. Oh, Ponce. Oh, le pauvre. Le Ponce Raphaël Nadal. Le Ponce Nadal. Gros bicep. Hein. Gros bicep. Le Ponce Nadal. C'était pas ma partie du perso, mais dommage. Ouais. Okay. Est-ce qu'il nous en reste encore un, je crois? Oh, il est atroce, le Ponce Nadal. Alors celui-là. T'as le tennisman. Ce n'est pas un tennisman. Ah oui. C'est un sportif français. Ah. Kamel Griezmann. Okay. Hein? Oh, Kameto Griezmann. Non. Oh. Ah, what? Ok. Sportif. T'as le sportif. C'est clairement un acteur, non. Ça. C'est un acteur. C'est un sportif. C'est un sportif. C'est un sportif qui n'est plus en activité aujourd'hui. Ils l'ont dans le chat. Ah mais c'est Kamel Zizou. Oui, c'est Kamel et Zizou, bien sûr. Non. En tout cas, merci beaucoup Kamel, mais... je voulais te remercier. C'est le fils spirituel de Kameto et de Zinedine Zidane. Ouais, il est dur. Il est BG de fou. Il est très très dur. Il est très très dur. Merci beaucoup Kamel. Il est mieux que les deux séparés quoi. OK. OK, 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 OK. On l'a pas tu. OK. Dernière image. Face swap. C'est la dernière. OK, on peut ouais. Oh, c'est exceptionnel, je le sais. C'est génial. C'est Juice et Yannick Noah. C'est... Non. Ah, si je me rappelle qui c'est énorme. Je me rappelle qui c'est. Mais c'est... Je me rappelle c'est qui pas... c'est. Maintenant. C'est un sportif ou c'est un tennisman? Attends, là. Quelqu'un là dans le chat. C'est un tennisman? C'est un tennisman qui n'est plus en activité. Ah, c'est Jiraya Yannick Noah. Oui, c'est ça. Oh là là, c'est Jiraya. Exact, elle est trop bien. C'est Jiraya Yannick Noah. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Tout à fait. Elle est incroyable. C'est tout à fait. C'est Jiraya existe, hein. Et Yannick Noah, le fils spirituel, voilà, qui aime faire l'attraction en jouant au tennis. C'est on l'adore, on l'embrasse. Des bains de tous. Vraiment. Là, il nous regarde, bien sûr. Voilà, en tout cas, vous prenez le point du coup de cette manche. Ça fait un partout. Incroyable. Bravo. Bravo. Jiraya. C'était trop bien, mec. C'était hyper ouais, bien. Ouais. C'est vraiment drôle, ouais. Ouais, beaucoup, parfait. Des fois, c'est parfait. Très dur. Vous recollez au score. Elle est dure, hein. Ça, je sais qu'elle est dure. Elle est dure, elle est dure. Sachez que le prochain jeu, va y avoir des places à gagner pour Roland. Ah. C'est un okay. Qui suis-je. Ouf. Je vous dirai dans le chat quelle question vous pourrez gagner. Alors, en gros, ce sera des places pour venir... c'est pour le 21 ou c'est pour plus tard Il me semble que celle-ci... C'est grâce à Renault. C'est les places qui nous sont offertes par Renault pour venir eh bien justement à Roland-Garros. Ouais, c'est ça. C'est pour le 21 mai. Vous pourrez venir et vous pouvez participer. Je vous dirai sur quelle question du qui suis-je. Je vais vous en faire une première pour la chauffe ici autour du plateau. Et la prochaine, vous pourrez jouer chez vous. Et le premier qui trouve pourra partir à Roland, gagnera 2 places. Vous êtes prêts? Le qui suis-je, c'est très simple. Je vous découvre le curriculum vitae d'un joueur ou d'une joueuse de tennis. Il faut être capable de me dire qui se cache derrière ce curriculum vitae, tout simplement. Okay. C'est le premier. C'est très dur. J'ai pas besoin de spammer, merci Renaud, hein, pour le coup. Que tout le monde reste calme. Que tout le monde reste calme. Pour, alors, c'est celui-là. Joueur de tennis né en 1982. Il a été entraîné par Jimmy Connors en 2006 et 2008. Professionnel de 2000 à 2012. Il a remporté 32 titres en simple sur le circuit ATP, dont l'US Open. Andy Roddick. C'est une excellente réponse. Wow. Oh là là, bravo. Andy Roddick. Bravo, très très bien joué. Il dispute très par la joué. Suite 4 autres finales de tournoi de Grand Chelem, mais perd à chaque fois face à Roger Federer. Il a détenu pendant 7 ans le service le plus rapide du tennis professionnel et il a une mise en jeu à 249 km/h. C'est Andy Roddick. Bravo, 249 km/h. Tout à fait. Ouais, énorme. Le prochain, dans les yeux, ça fait mal. Non le prochain, messieurs, dames, il va falloir me trouver dans le chat. Hein. Premier qui trouve, para Roland. Ok. Oh. Wow. Premier qui trouve dans le chat, tout le monde refresh la page et tout, il y a des gens qui sont en retard. Ouais, refresh la page maintenant. Attendez un peu, pendant ça, on peut discuter de... D'Andy Roddick, tes souvenirs avec Andy Roddick, par exemple. Bah moi, c'est très simple, la première fois que je l'ai découvert, je m'en rappelle encore, c'était quoi, 2003, j'allume la télé. Ouais. Et puis là, je vois, boum, droit. C'est qui celui-là? C'est Roddick. T'avais également une anecdote, je crois, quand t'es allé faire tes courses à un moment donné en vacances et tu tombes sur Andy Roddick. Exact. Okay. La modération, sachez que la réponse est dans le Discord modération, comme ça vous pouvez savoir qui l'a dit en premier. Okay. On est prêt? Ouais. Sportive française, née en 1975,
entraîné dès mes 12 ans par Harry Hopman, puis par mon papa. Marie-Pierre. Bourresmo. C'est Marie Pierce. C'est une excellente réponse. C'est Marie Pierce. On avait le droit de répondre parce que c'est moi vrai, je pensais ça. Que. Ah oui, bien sûr, vous avez le droit de répondre. Ah oui, vous avez le droit de répondre. Je l'avais direct. Évidemment, ouais. C'est une excellente réponse. Bien joué. Et je crois qu'il y en a qui ont été très. Je crois que c'est Vic Mitch. Mais en tout cas, sachez que si vous avez été le premier, la modération récupère votre pseudo et vous partez avec. Wow. Oh là là, bravo. Vous serez contacté par la modération. Incroyable. Va y en avoir. Mais sauf que évidemment on vous régale parce qu'il n'y avait pas que deux places à gagner. Non. Il y a encore deux autres places à gagner. Donc si vous êtes raté, c'est trop. Vous pouvez le faire. Je vous envoie encore une fois la modération. Je vous envoie la réponse dans notre Discord. Donc la modération qui ne joue pas du coup. La modération qui ne joue pas, bien sûr, évidemment. La modération qui part à Roland. On est prêt. C'est parti. Joueur de tennis, ayant disputé 9 finales sur le circuit ATP en 2013. Dont celle de Roland-Garros. J'ai remporté les tournois d'Auckland et de Buenos Aires. Remarquable défenseur, mon endurance et mon tempérament accrocheur me valent le surnom de Pou, Toréador, Mobilette. David Ferrer. C'est une excellente réponse. David Ferrer. Bravo. Tu pars à Roland. Parce que moi, je ne vais pas te dire. Et tu pars à Roland, du coup, très bien, je vais dire ça. Mais je crois qu'elle a été parmi les premières, en tout cas. Bravo. Elle est vraiment trop forte, hein. Elle est très forte. Mélissa me regarde du genre tu penses que c'est ça et moi je sais pas de quoi tu parles. En fait, dis-moi ce nom. Sachez en tout cas que le 21 mai vous pourrez venir à Roland, ceux qui l'ont remporté vous serez contactés et qu'en plus le 21 mai eh bien nous serons là également à Roland-Garros. Vous pourrez venir nous rencontrer pendant le tournage de la deuxième émission, etc. Donc vous pourrez venir discuter avec nous. Donc voilà, si vous êtes dispo, bien sûr, on vous contactera. Et vous pourrez encore gagner dans l'émission des places pour venir à Roland. Ce sera un tirage au sort, donc il n'y a pas besoin d'être super forcément calé tennis, vous verrez. Donc n'hésitez pas. Je regarde juste si du côté de la modération, tout est bon. Ils me répondent, hop, tac, et on est OK pour ça. En tout cas, merci beaucoup à Renaud qui permet ça aussi. Il nous régale, bien sûr. Ok, ils sont en sueur dans la modération parce que vous avez spammé, mais tout est ok. Normalement, c'est bon. C'est good. Il nous reste une dernière petite question. Pour l'instant, il y a combien au score, s'il vous plaît, en régie? Il me semble qu'il y a... Il y a 2-1, je crois. Il y a 2-1. Ils en ont donné 2. Ils en ont donné 2. Ouais. La première, t'as dit qu'elle comptait genre pour du beurre. Si, elle comptait. Andy Roddick, ça comptait. Ok. Et dernière, celle-là, elle est juste pour nous en plateau. La dernière, elle est juste pour nous en plateau. Tennisman français. Je suis issu d'une famille de sportifs et d'un père ancien handballeur professionnel et d'un frère basketteur. Je m'illustre dès le circuit junior en remportant notamment l'US Open en 2003. Chez les seniors, je cumule à ce jour pas moins de 18 titres en simple, 4 titres en double, plus une médaille d'argent au JO de Londres en 2012 et la Coupe Davis en 2017. Ce qui fait... Une mauvaise réponse. Grosjean. Mauvaise réponse, vous ne pouvez pas répondre pour l'instant, vous avez encore du temps. Ce qui fait de moi le deuxième meilleur français de l'ère Open. Après 18 années de carrière et notamment un top 5 mondial en 2012, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière cette année. Après Roland-Garros, vous pouvez revenir. Joe Wilfried Tsonga. C'est une excellente réponse. Joe Wilfried Tsonga. Allez Joe Will. Et c'est une excellente réponse. Joe Wilfried Tsonga. Ça fait gagner. Et ça fait deux partout, mais voilà, bien emmerdé, puisque vous êtes à deux partout. Aïe. Est-ce que c'est grave? Eh bien écoutez, pour se départager, Shifumi, ce sera une énumération. Okay. Et l'énumération, c'est simple. Je vais vous poser une question. Et vous allez devoir me donner le plus de réponses possible à cette question de manière alternative. Et la première équipe qui n'a plus de réponse, vous perdez le point. Ok. Oh là là. Oh, on peut parler entre nous. Oh là là. Vous pouvez parler entre nous. Ça va aller vite, quoi, mais. On doit aller vite dans les réponses. Ouais. Bien sûr, oui, il faut aller vite. Alors, je prépare mon petit truc et je suis tout de suite à vous. Oh, je me doute de ce que va être la question. Je suis pas bien. Oui, moi aussi. Pourquoi vous vous doutez de quoi? Ta question? Ouais, moi je. Ah ouais, vous savez la question? Je pense. Bah, vous avez pu la préparer? Non. Il me faut, s'il vous plaît. Ouais, bah oui. Ça parle tennis, ok. On est d'accord. Ça parle tennis. Ok. Bah, je pense. C'est quoi? Les vainqueurs de Roland Garros. Une excellente. On a gagné, on s'en fout. Il me faut, s'il vous plaît, et je commence par eux. Il me faut les gagnants de Roland Garros. Oh là là. Et on fait filles, hommes et femmes. Ah, hommes et femmes. Hommes et femmes. Wow. Ok. Raphaël Nadal. Roger Federer. Roger Federer, bien sûr. Non, je te fais attends, fondre. Attends. Oui, c'est ça. Attends. En fait, moi j'en ai, mais bon. Bah vas-y, ça. Je vais simplement dire Yannick Noah. Yannick Noah, bien sûr. Bravo. Dernier Français à avoir gagné Roland Garros. C'est vrai. C'est lui. C'est lui-même. Marie Pierce. Marie Pierce, elle a gagné, ouais.
Marie Pierce. Mmh. Elle a gagné, on l'a vu avec la coupe tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Marie Pierce a gagné. Marie Pierce, tout à fait, elle a gagné. Oui, oui. En 2000, Marie Pierce, tout à fait, elle gagne Roland Garros. On va dire Djokovic. Djokovic, tout à fait, dernier vainqueur de Roland Garros en 2021. Tout à fait. Je crois qu'il gagne. Oui, je... Stan Wawrinka. Quand il va checker à chaque fois, ça fait peur. Il me semble qu'il a 2015, gagné. Stan Wawrinka. Oui, voilà. Sûr, voilà. Il avait un short improbable et tout. Il est même son short, je crois, exposé au truc. Serena Williams. Serena Williams. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ouais, en 2015, la même année que Stan Wawrinka, d'ailleurs. Oui. Justine Hénin. Ouais. Bonne réponse, Justine Hénin, tout à fait. Aussi. C'est sûr. À vous. Bah, bien sûr. Nous, on en a d'autres. Hein. Il est fatigant. Il est si fatigant. Il a gagné la ah, genre, on ne dit pas. Agassi. Il a gagné la... On en a plein. Si, c'est t'es bon. Sûr j'en ai plein. Oui. Agassi. Agassi, me semble que... Tout à fait, André Agassi. Ouais. 1999. Tout à fait. Let's go. Monica Seles. Ça, c'est toi qui dis. C'est un peu plus technique. C'est toi, qui dis, parce que j'en avais deux. Oh, t'étais... Ah ouais, t'es sûr ? Ouais, ouais. Monica Seles, une excellente réponse. 90, 91, 92 pour Monica. Voilà, voilà, oui. Voilà, ça me fait peur. Mais c'est une grande championne, donc c'est... Ouais, t'avais raison. Ouais. Oui. Américaine, Monica Seles, bien sûr. Trois fois de suite. Américaine ? Monica Seles, ouais. Bien sûr. Bien sûr. Les anciens... J'en connais un en régie qui est en train de bouillir, qui a toutes les réponses, bien sûr. Emric, on le salue. Ah oui. Il me faut une réponse. Connors. Hein? Connors. Connors. Je ne vois pas de Connors. Aïe. Jimmy's not. Nous, après, on en a encore trois. Hein. On est dans une génération relou où ça fait 15 ans que c'est les mêmes. Donc, on a oui, plus c'est vrai, c'est Jimmy vrai. Connors. Malheureusement, je ne vois pas de Jimmy Connors. Ah, malheureusement. Est-ce que si tu veux, on valide avec une bonne réponse. Vas-y, vous pouvez valider avec une bonne réponse. Guga. Gustavo Kuerten. Le cœur sur le central. Ouais. C'est mon. Gustavo Kuerten. Est-ce que vous avez l'année? Bien sûr, 98. Alors, pas 98, mais 97, ah, okay. Oh. 2000 et 2001, Gustavo Kuerten, tout à fait. Donc, c'est le une excellente c'est le... réponse. C'est le et donc, le quiz va à la team. Trivia. Bravo. Et Emric, je sais pas si ça vous a plu, ce petit quiz aussi. Carrément, de fou, ouais, c'est très bien. Quiz, très petit rigolo. Quiz pour tester voilà, culture. Après, il va aussi parfois juste trouver les visages. Bon, est-ce que c'était la c'est vrai que c'était très bien. C'était bravo, hein, Rivenzi. Eh bah, combien d'heures de travail encore, ça, tu peux le préciser? Incalculable, beaucoup, hein. incalculable, bien sûr. Et on remercie l'équipe de prod aussi d'avoir préparé les questions. Évidemment, une fois, évidemment, ces réjouissances passées, on a joué, on a participé, mais maintenant, on va passer eh bien, à pourquoi est-ce qu'on est là aussi aujourd'hui. C'est évidemment les qualifications des Roland-Garros e-series. On vous le disait, le 21 mai, vous pourrez venir nous voir, mais eux doivent venir nous voir s'ils veulent espérer. En tout cas, ils doivent se qualifier aujourd'hui pour ces Roland-Garros e-series by BNP Paribas. Alors, il y a des qualifications, on le disait, qui vont d'ailleurs, qui permettent à 8 participants d'aller justement au final. Donc, ils se dérouleront le 21 mai à Roland-Garros, en physique, donc sur le jeu Tennis Clash. Le but, c'est que, eh bien, là, on va avoir les deux premiers qualifiés. Ensuite, tout à l'heure, nous aurons avec XP School. Ensuite, on aura avec Women in Games deux autres joueuses qualifiées. Et ensuite, il y a deux qualifications open. Tout le monde peut y participer. Alors, il y en a eu une première la semaine dernière. Et il y en a une deuxième qui va s'ouvrir là dans 15 minutes maintenant sur le jeu Tennis Clash. Vous pouvez y participer si vous le voulez d'ailleurs. Et donc, n'hésitez pas à vous télécharger l'application et vous pouvez tenter évidemment votre chance. Nous, on va passer donc aux premières qualifs XP School. Et on va commenter ça avec Pompon d'ailleurs. Let's go. Donc on va commenter ça. Première qualification. Donc il y aura deux finales pour bien deux qualifiés bien sûr. Match 1 qui opposera Benji à Apollo et le deuxième entre Basila et Fit Thunder. Vous verrez c'est un BO3. Chaque match se joue en 10 points avec 2 points d'écart. Et le gagnant de ce match, de chaque match, ira à Roland le 21 mai prochain. Voilà. Incroyable. Ça t'es favori Rivenzi bien sûr. J'ai pas de mes favoris pour le coup, j'avoue, mais on verra un petit peu. Moi j'ai eu l'occasion de tester Tennis Clash un petit peu et j'avoue, j'ai bien kiffé. Il y a des bonnes petites sensations, le jeu est beau. En plus, il y a des cosmétiques Roland qui ont été implémentés dans le jeu. Il y a le cours central qui a été mis justement dedans. Donc voilà, il y a quand même pas mal de petites features en plus qui sont rajoutées. Donc voilà, sympa. Très long. Donc voilà, vous pouvez avoir une petite tenue Roland, jouer sur le cours central. Ça rigole, non, mais je confirme, tout à l'heure on était en voiture pour venir ici, il y jouait. Donc voilà, c'est pas du mytho quoi. C'est pas du mytho, je l'ai testé, effectivement. Est-ce qu'on est bon? Je pense que vous pouvez, le temps que les finales se passent, je pense que vous pourrez nous... Allez.
30 secondes, parfait, on va pouvoir y aller. Si vous voulez, vous allez vous restaurer en attendant. Vous remettre un peu de nos belles émotions. Il y a de la quiche Lorraine au bar, donc n'hésitez pas à vous régaler, bien c'est sûr. Il y a de la quiche Lorraine. Ah ouais. Non, je crois pas. Ah, okay. Ah mince. Non, il n'y a pas de quiche Lorraine. Oh, la déception. Bah, je fais une quiche Lorraine, je reviens. C'est ça. Merci beaucoup. Oui, c'est un jeu mobile, tout à fait. Alors, évidemment, jeu mobile, les gens sont en mode, etc. En vrai, le jeu est cool. Moi, pour l'avoir testé, j'ai trouvé vraiment bien. Évidemment, c'est un jeu mobile, donc il y a une partie. Voilà, évidemment, tu peux acheter des trucs, etc., bien sûr, mais c'est un jeu mobile, quoi. Donc voilà. Tout à fait. Mais il est gratuit, vous pouvez le tester, mais moi, j'ai plutôt kiffé le jeu, en vrai, il y a des bonnes sensations et tout, le jeu est plutôt beau, donc... Là, les joueurs qu'on va voir, du coup, en finale, c'est des joueurs qui ont participé à de la qualification jusqu'à arriver en finale. Exactement, en gros, eux, c'était des qualifications en partenariat avec XP School, justement, okay. donc avec ces écoles, justement, qui t'aident un peu à rentrer dans le milieu du gaming, mais plus largement de l'événementiel lié aux jeux vidéo, etc. Et donc, pour le coup, oui, ils ont eu cette qualification. Et donc, eux, ils seront deux à se qualifier au final grâce à XP School. Ensuite, on aura Women in Games aussi, donc, qui est cette association qui œuvre pour la mixité dans l'e-sport. Tout à fait. Et ensuite, on aura les deux qualifs open, une qui s'est déjà passée et une qui va ouvrir dans 15 minutes. Et donc, voilà, le jeu s'appelle Tennis Clash, messieurs, dames. Parce qu'il y a du tennis. Il y a du clash. C'est ce que les gens se clashent en jouant au tennis. Clash. Bien sûr. Tennis d'un côté. Et le clash de l'autre. Clash de l'autre. Le clash est juste exactement. Là. Le clash est là, un peu excentré. Tennis. Clash. Toi, le clash est très loin pour toi quand même. Exactement. Le clash est très très loin. Mais en gros, voilà. Il faut savoir aussi que les qualifiés que vous verrez aujourd'hui. Je crois que les gens ont compris pour le clash, mec. Je pense. Excuse-moi. Je t'écoute. Je peux y aller ? Tennis. Super. Ils l'ont eu la première fois. Ok. Super, on est bien sûr. Tennis Clash, donc. Ce qui est intéressant pour Tennis Clash aussi, c'est que ceux qui se qualifieront par XP School et Women in Games auront une semaine, c'est ça, d'entraînement, 2 jours d'entraînement, pardon, du côté de chez MCES, bien sûr. Mais non. Si, c'est vrai. Ouais, bootcamp chez MCES. Mais quoi? Non, c'est vrai. Ouais, je te jure. Genre là, les personnes qui gagnent vont après aller en bootcamp. Ouais, c'est ça. Chez MCES. Ils vont bootcamp, tout à fait. Il y a un moment et tout pour les coacher. Non, ça c'est faux. Mais ça, je pense que c'est ça, c'est faux. Mais ah, il y aura mais d'accord. Pas... Ah, mais c'est vraiment assez réel. Bootcamp chez MCES. Ouais, c'est ça. Ça me régale un bootcamp. Ah, ça va bootcamper sévère. Combien de temps le bootcamp? 2 jours. Ah ouais. Ouais, mais c'est cool, hein. Mais ouais, c'est trop cool. Et en fait, après, il monte sur son pari et hop, tournoi. Roland Garros. Ouais, c'est ça. Roland Garros. La vie de rêve. C'est ça, tu vas à Roland. Mais tu seras à Roland, toi aussi, le 20 mai. J'y serai le 21 mai, la journée des enfants. Aussi à Roland Garros le 21 mai. Et ben, je serai là 100% à Roland Garros le 20. C'est quel jour, 21 mai d'ailleurs? C'est un samedi. Samedi, ok. Faut que ce jour de pause, on t'a le temps. Exactement. On est là, un coup de fil, un appel, on est là. Oui, tout à fait. On est d'un côté et cloche de l'autre. De l'autre, tout à fait. Donc, pour se préparer justement à cette grande finale, bien sûr. C'est des joueurs de quelle nationalité, Benji et Apollo, le premier match? Alors, les deux, alors, ils sont tous français pour le coup. Ah, c'est que tous français. Ah ouais, mais pour l'Open, ça peut être des étrangers. Ok, d'accord. Parce que si, comme c'est ouvert à tous, ça peut être des étrangers. Lors de la dernière édition des Roland Garros e-Series, alors c'était sur un autre jeu, mais il y avait un Anglais, il y avait un Italien, il y avait un Brésilien aussi qui était venu. Et comment ils apprennent l'existence de ce tournoi si tu vois, s'ils regardent pas les vidéos? Tu vas sur le jeu, tu tapes, en fait t'as un onglet tournoi, et en fait t'as le genre, tu peux pas le rater, t'as un énorme onglet Roland Garros. Oui, parce que vu que c'est soutenu par le jeu, c'est mis en avant. Exactement, jeu, c'est ça. Ouais, et t'as des cosmétiques liés au jeu, etc. En fait, c'est un peu la Coupe du Monde de ce jeu en question. C'est l'un des plus gros tournois. Ça, c'est... Mais en fait, il y a des tournois régulièrement organisés sur le jeu, mais là, pour le coup, avec un associé à un tournoi du Grand Chelem, est-ce que c'est une première? Je crois que ça doit être une première quand on a du Grand Chelem s'associe sur avec Tennis Clash, à mon avis. C'est la première fois. Donc oui, là, pour le coup, à mon avis, c'est effectivement un TDF, un tournoi de fou. C'est un TDF, c'est très bien vu de ta part. Un tournoi de fou. Est-ce qu'on va pouvoir y aller pour peut-être cette première? Très ok, très bien. Les joueurs vont pouvoir lancer la game. Je rappelle, c'est un 10 points gagnant, 2 points d'écart. BO3. BO3. Donc, c'est très pratique pour bosser en plateau, ça. Vraiment. Ouais, c'est un petit pas d'ici. Et justement, on est parti sur le premier match. C'est direct, bien sûr. Alors, qui nous avons Benji en bleu, Apollo en orange. Apollo est en haut, Benji est en bas. Service, Benji. Oh, la vitesse. Oh, par contre. Attends, parce que moi, j'ai testé le jeu aussi tout à l'heure. C'était pas aussi rapide. Ah, non, oh, la dingue. Oh, what the fuck. Faute. Ça va si vite. Ok, mais pour le moment, Apollo qui... Alors évidemment, pour ceux qui se posent la question, c'est évidemment full tactile. Hein. C'est, voilà, tu choisis la trajectoire avec ton WAD
Et c'est à toi après de gérer tes coups. Par contre, la puissance. Non, mais attends, mais quoi ? En tout cas, pour le moment, 2-1, c'est un match extrêmement serré. En vrai, pour avoir joué, je vous dis, il tire extrêmement fort. Mais ça, c'est lié aussi au cordage, parce que tu peux acheter des cordages, évidemment, dans le jeu. Ça fait partie du système économique, bien sûr, d'un jeu mobile gratuit. Et donc, ça, c'est ça qui fait que. Ben, il tape aussi extrêmement fort. Mais c'est des Nadal à chaque frappe, en fait. Il y a deux Nadal dans chaque bras. Là, un Nadal dans chaque bras. Bon, ça, la faute. Ça fait faute. Ici, la faute. 3-2. 3-2, c'est serré. C'est serré. Est-ce que tu penses qu'ils sont déjà rencontrés sur le ladder ? Est-ce qu'ils se connaissent, tu penses ? Non. Je pense qu'au moins, ils ont dû s'entraîner ensemble. S'ils viennent de la même école, tu vois, s'ils ont fait XP School, à mon avis, ils doivent se connaître. Ils ont dû s'entraîner, s'échauffer, etc. Ils se connaissent un petit peu. Bien sûr, les joueurs. Oh, c'était un service au milieu sur le T. Et le foul 4-3, Apollo, pour l'instant, qui reprend l'avantage. Ouais, l'avantage sur ce match, hein, qui est pour le moment très serré entre les deux joueurs d'origine française finalement. Oh, la frappe. Oh, le coulon. Oh, ça tient. Et 4-4. Ça fait 4-4, si c'est un match extrêmement serré. Mais attends, parce que là, vu que c'est à 2 points gagnants, si ça continue comme ça, là, dans 2 heures, on y est toujours. Tu vois ? Oui, mais après, je pense qu'il y a aussi à un moment donné quelqu'un qui va faire une erreur. C'est bien fait. Ah, le contre-pied aurait été plus intelligent. Le contre-pied. Je vais pas donner des conseils forcément, mais 4-5. Mais genre, tu sais que c'est là, là, ça va tellement vite. Ouais, ça va vraiment vite. Ils font des services super précis. Moi j'ai essayé, joué tout à l'heure. La moitié de mes services étaient dehors, je vais être honnête. Ah ouais ? Ouais. Oh, quand même. Ouais. Mais tu vois, la balle s'arrête. Je crois que c'est un pouvoir de pouvoir faire arrêter la balle avant de la toucher, non ? Parce que moi, j'y arrivais. Parce qu'il y a une sorte de mini stop à moitié. Ouais, c'est ça. Pour caler ton coup. Tu vois, lui, il a pas de stop, alors que l'autre, oui. Boum. Regarde, stop. Pas lui. Après, il déclenche des petits percs, etc., pour avoir plus de précision. Et là, boum, coulon. Ah, si. Ouf ! Il lui a mis un coup droit. Wow. Il est venu fermer le service. Critique, faute, trop fort, 7-6. 7-6, bien sûr. Balle de match ? Attends, c'est en 8 ? Oh non. Ah, c'est en 8 ? Ah, c'est en 8. Bah, il y a eu balle de match. Là, bah, c'est balle de match. Alors, on suit évidemment les règles fixées par les joueurs, bien sûr. 6-7, faute. Et faute, c'est la. Et c'est le premier match. 8-6. 8-6 pour. 8-6 pour Apollo. Pour Apollo. C'est Apollo donc, qui récupère. Ça va très vite. Hein, quand au même, pied du vois. Mur, le Benji ici. C'est un BO3, on le rappelle. Si Apollo gagne son prochain match, alors. Mais non, il va où ? À Roland-Garros. À Roland-Garros le 21 mai prochain. Non, c'est Roland-Garros d'un côté. By BNP Paribas. Mais vous aussi, vous pouvez tester. Clash. Évidemment, il y a une notion où pour être très fort, il faut aussi mettre un petit peu de sous. C'est les jeux mobiles sont comme ça. Mais le truc, c'est que vous pouvez au moins vous inscrire et tester un petit peu, être dans les qualifieurs, voir les niveaux, essayer d'augmenter. Il y a des tournois régulièrement aussi sur Tennis Clash. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à tester et à kiffer au-delà. Évidemment, du tournoi actuel, c'est évidemment de découvrir aussi le jeu. Bien on me dit dans l'oreillette, j'ai pas d'oreillette, mais j'arrive un petit peu à capter un petit peu les règles du jeu, finalement, étant fan de jeux vidéo. Hein, apparemment, cela se joue en 7. Et là, vu qu'il y avait 2 points gagnants, ça s'est joué en 8. Tu vois ce que je veux dire ? Il y avait 6-6. Voilà. Tu penses ? Je pense. J'en suis même certain. J'en suis même absolument persuadé. Je mets ma... Bah oui, en général, un jeu court se joue en 7, oui. C'est ça. Je vois pas pourquoi. En 7, c'est le tennis d'un côté. Et le clash de l'autre. Et le clash de l'autre, effectivement. Bien sûr. Le tennis d'un côté. Sachez que, je le rappelle, lors de la première qualif quand même, qu'il y a eu en Open, il y a eu 118 000 joueurs qui se sont inscrits. Donc, ce soir, ça va être un peu pareil. Et c'est pour ça que c'est un tournoi international. Et là, c'est évidemment la deuxième rencontre entre Benji et Apollo. Apollo Benji qui... Ouf. Ça se met de l'énorme patate. Là, tu vois, ils ont aussi un petit peu de barre d'endurance qui peut se vider au fur et à mesure de l'échange. Et du coup, ce qui fait que si tu la vides, eh ben, tu te retrouves un petit peu dans la sauce, bien sûr. En faute. Oh, dommage, elle était sur la... Dans la sauce, un partout. Benji au pied du mur, ce qui va pouvoir aller à Roland-Garros le 21 mai. C'est la question qu'on se pose. Et ça joue vite, en tout cas. Sachant qu'en plus, le ralenti officiel, ici. La VAR, le challenge qui avait été demandé, bien sûr. C'est faux, le challenge est automatique. Oh, le service était tellement croisé. Mais il croise tout le temps, j'ai l'impression. Il joue jamais au milieu. Ah, des fois, il y a des... Ouh. Ah ouais ? De partout, Apollo qui est venu autoritaire renvoyer cette balle. Faute. Un peu fort, là. C'est tennis clash, tout à fait. C'est tennis clash. Le tennis d'un côté, le clash de l'autre. Exactement. Oh, ça va... Ouf. Il aurait pu un peu plus croiser pour aller chercher loin. Mais t'as vu, les joueurs bougent pas beaucoup. En fait, il y a... Et surtout, ils montent très très peu au filet. Aussi. Ils montent pas. Du tout. En fait, ils s'envoient des patates d'un bout à l'autre du terrain. C'est exactement c'est ça. C'est vraiment. C'est
Oh, si, il a tenté de monter. Oh. Il nous a entendu. Oui, c'est oh, vrai. Faute. Oh, c'était limite. Apollo qui met 4-3, toujours. Après, la méta du jeu est peut-être pas poussée à son maximum. Le jeu étant assez récent, non? Ah si, non, le jeu existe plus longtemps. Il y a 1 million de joueurs déjà. Tu vois, en vrai, le jeu est... ah ouais si, il était bien poncé, quoi, pour le coup. Ok, ok. Si. Le jeu a pas mal de joueurs, je t'avoue. Oui, je sais qu'il a beaucoup de joueurs, mais je pensais pas qu'il était... entre guillemets vieux ou qui datait, tu vois, dans le sens où la méta, je sais pas si elle est poussée à son paroxysme. Ah, après, je pense qu'à ce niveau-là, en tout cas. Après, ça va être intéressant parce que eux, ils viennent d'une qualif fermée. Bah, en fait, c'est ça. Et quand tu auras les joueurs qui viennent de l'open, ça va être autre chose. Ça va être intéressant aussi parce que je pense qu'ils joueront différemment, tu vois. Ça va être vraiment autre chose, ouais. Et là, il a pas eu besoin de croiser beaucoup pour terminer. Et là, c'est terminé déjà. Et c'est terminé. C'est 7. Et c'est Benji. Pour Benji. Et il remonte. Et je fais un tour sur ma chaise parce que c'est un. MDF, un match de fou. C'est un MDF, effectivement, et non pas un maître des fleurs. Maître des fleurs, qui est un jeu, évidemment, à retrouver sur ta chaîne tous les lundis de midi à 17h. Effectivement, le maître des fleurs, qui sera le maître des fleurs? Oh, Benji, dans le chat, il dit je stresse. Non, sérieux? Mais non. Benji, est-ce que tu mets... On est d'accord que tu ne montes jamais au filet, Benji? Tu peux venir sur Discord, Benji? Benji, s'il te plaît, pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Je stresse. Bah, en vrai, Benji, t'as réussi à remonter. Tu come back, là. Hein, tu come back, mec. Donc, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant. Hein. Les deux premiers qualifiés. Non, la métafilée est le over. Excuse-nous, Benji. Ah ouais, c'est venir en vrai. Mais nous, on n'a pas de Discord. On peut pas. Par contre, c'est marrant que Benji. Et tu seras avec nous le 21 mai, bien sûr, si tu te qualifies et si tu gagnes ce match, Benji. Tout se joue maintenant. Sur ce match. Tout se joue sur ce match. Le stress d'un côté, Benji de l'autre. Benji, stress. Le stress, Benji. Bien sûr. Tout à fait. Tout à fait, mais no stress Benji, décontraction totale. Bah nous après on est des joueurs d'e-sport, moi pour le coup j'ai travaillé avec des sportifs de haut niveau pour gérer mon stress en compétition. Et... Ah bon? Ah oui, avec Adrien. Avec Antoine Brizard notamment, oui, effectivement, j'ai travaillé de nombreuses heures à ce niveau-là, donc effectivement C'est vrai. Je m'y connais pas mal, donc si tu as besoin de quelques conseils le 21 mai prochain, évidemment je suis à ta disposition. On est reparti et c'est le match décisif entre Benji et Apollo. Tout à fait, Apollo en haut, Benji en bas si vous voulez suivre. À quelques points de la victoire de la qualification. Il est en train de fatiguer, il n'avait plus rien là, c'était compliqué de revenir. Benji qui marque son premier point. Ouais, c'est effectivement son premier point qui a été mis ici, ça le met Gucci, hein, comme on dit bien sûr. Ça le met Gucci bien sûr. Ça le met Gucci. Oh, le lob, on n'en voit pas beaucoup hein. Première fois que je vois ça. Peut-être que c'est un misplay de la part d'Apollo, un peu sous pression. Apollo vient d'inventer le lob sur Tennis Clash. Comme en 1878, quand Ado a créé à Wimbledon le lob. Effectivement. 2-0 pour Benji, il stressait, mais en tout cas, il aimait ses balles. Pour le moment, Benji qui prend un petit peu l'avantage, mais rien n'est terminé. Tout se jouera jusqu'à la dernière seconde, Rivenzi, dans c'est cette... C'est une PDV, comme dirait Antoine. Une patate de Benji, bien sûr. Une patate de Benji, tout ça fait. Qu'est-ce qui me fait marrer à chaque fois, dit ça. 3-0. 3-0 pour l'instant, c'est Benji est très très bien. Oh 4-0 Benji. Est-ce que Benji parlait du stress? Est-ce que c'est pas son adversaire qui est en train de complètement fondre sous ce stress? Oh non! Non, Benji! Il a tiré trop. Enfin, Benji, non. Benji. Soyons impartial. Benji. Apollo, allez Apollo. Hein, allez Apollo aussi, bien sûr. Oh la faute! Non, elle était bonne. Elle a vraiment mordu la ligne. Oh, l'énorme coup droit. Oh, Benji qui mène 5-1 dans cette rencontre. À deux points de la qualification. À deux points de la qualification, bien sûr. On vous le rappelle, la finale de ce Tennis Clash qui aura lieu. Faute. Faute. 5-2. 5-2, bien sûr. Service, Benji. Faute pour Apollo. Oh, du mur. Non, faute là, attention. Ouais. C'était un mauvais moment. Oh, les trois balles de match. Il est en train de l'envoyer. C'est énorme. C'est maintenant qu'il joue sa qualification. Il a plongé la gaffe. Il l'a fait. Il est qualifié, Benji. Il ira le 21 mai à Roland Garros. Il est là. Il est qualifié au bout de ce MDF, ce match de fou. Benji se qualifie après le comeback de dingue. Comeback de dingue, effectivement. On rappelle qu'il avait quand même perdu son premier match. Mais c'était GG Benji dans le chat. DGG pour Benji, bien sûr. DGG pour Benji. Apollo qui n'a pas démérité, hein, qui nous a montré comment il était. Pas ouf pour le... Non, je rigole. c'était... Non, c'était énorme. Pour le coup, en plus, c'est dommage parce qu'il remporte le premier match. Et je crois la peur de gagner, quoi. Je crois qu'il a peur de gagner finalement. Il a plus pensé tennis, il a trop pensé clash à mon avis. Et je crois qu'à un moment donné, ça fait mal. Ça coûte cher ce genre de situation. Évidemment, pour l'instant en tout cas, ouais, on prépare le deuxième match parce qu'il va y avoir évidemment une deuxième finale. En tout cas, bravo à Benji qui se qualifie et qu'on retrouvera nous le 21 mai prochain. Ça va être intéressant de discuter avec lui du jeu, comment est-ce qu'il a appréhendé le jeu, s'il y jouait avant justement les Roland-Garros E-Series, by BNP Paribas bien sûr. Comment est-ce que ça s'est articulé son entraînement et là, on va passer, et je vous le dis, la deuxième finale pour se qualifier. Un billet
toujours pour entre Basila et Feet Under. Toujours le rappel en 7 deux. Donc deux joueurs français aussi issus de la XP School. Tout à fait, de la XP School, exactement. XP School, et ensuite, on aura le match Women in Games, ce sera plus tard. Avant, on aura toute la partie liée au paddle aussi, parce qu'on avait Mélissa qui est avec nous, quatrième joueuse française de paddle, qui a participé à de nombreux tournois. On a testé le paddle ce matin, enfin notamment Emric et Trivia ont testé le paddle ce matin. Ouais. Donc ils vont nous revenir un peu sur l'expérience. En vrai, j'ai hâte de voir les images. Ben ouais, tu verras, en vrai, on s'est bien marré. On a fait aussi, donc ils ont joué chacun avec un joueur pro. Donc Trivia était avec Yann, 12e joueur français de paddle. Et Emric était avec du coup justement Mélissa. Et ensuite, on a fait un match à 3 contre 2. Moi, je me suis rajouté avec Little Big White et Emric face aux deux professionnels. Vous êtes fait. L'objectif, c'était de mettre un point. Ah, ok, d'accord, ok. Et ok, on verra tout à l'heure. Bien sûr. On verra tout à l'heure. Ouais, mais juste comme ça, ça s'est bien passé ou pas? Juste pour nous dire. Ah, moi, je kiffe le paddle, mec. C'est vraiment trop bien. C'est vrai? Genre, t'en avais déjà fait, toi? Oui, j'en avais déjà fait une fois. Bah, avec Max, Ildan et Zulu, je crois, avait fait aussi. On avait déjà testé une fois. C'est vrai. Mais en off, tu vois, on avait testé. J'avais trop aimé. Et en fait, il y en a un juste à côté de là où on habite, au final. Et du coup, voudrais qu'on se mette petit à petit au paddle tous les deux. Ben, en vrai, mec, ça joue en 2 contre 2. Du coup, il faut qu'on trouve, Des amis, quoi. Des amis. Ça va être chaud parce que moi, j'ai passé ma vie à en chercher et pour le moment, c'est chaud, quoi. C'est le plus compliqué. Le matchmaking n'est pas ouf pour les amis. En vrai. Non, le matchmaking est très mal fait dans la vie. Je trouve jamais personne en vrai. Bah, pareil, moi non plus, je trouve jamais personne en matchmaking. Donc, ce qui fait qu'on essaiera de trouver des potes. Mais en tout cas, d'ici là. Au pire, on y va tous les deux. Et genre, on dit qui veut jouer. Jouer avec nous. On peut demander, tout à fait. Là où je suis allé. Ah, le club c'était le club Les Pyramides qui est un 91 9-1 Les Pyramides Cortés. Non, c'était pas ça exactement. Mais tu verras en tout cas le du coup, moi j'ai kiffé, je pense que j'ai essayé d'en refaire. OK. Moi je veux bien essayer aussi. Ouais, on verra. En tout cas, on me dit que la deuxième finale est lancée évidemment entre Feet Under et Basila. Tout à fait, Basila Basila en haut et Feet Under en bas, si vous voulez bien suivre nos deux joueurs, avec déjà 1-0 pour Feet Under, qui a une petite photo de profil d'un personnage que je ne connais pas, Rivenzi. Si ta connaissance en jeu vidéo peut nous éclairer et nous rassurer sur l'existence de cette Malheureusement, mes connaissances malheureusement s'arrêtent là. Ok, ouais. Si la régie peut zoomer. Non, je regarde. Sur vraiment le la profil pic. En tout cas, il y a 1-2 pour l'instant, on le rappelle. C'est du BO3, il faut remporter 2 matchs. Faute. La faute. Mais j'ai l'impression que ça joue moins vite que nos deux joueurs précédents. Ça tape moins fort, tu penses? Ouais, peut-être qu'ils sont sur d'autres stats, hein, en vrai. Sur d'autres. Après, il doit y avoir aussi des cordages qui permettent d'avoir plus ou moins de l'effet. Oula, des cordages qui permettent d'être plus ou moins puissants. Du coup, peut-être qu'ils ont changé. Mais là, ils viennent quand même de mettre une patate. Une PDF, une patate de forain. Ouais. Ouais, ouais. Et ça fait 5. Un Basila pour l'instant qui est en train de marquer son territoire. Oh le ace! Oh, les 5 balles de match! Allô, ici Thomas Pesquet, je viens de trouver la balle de Basila. Elle était dans l'ISS, bien sûr. Oh non, 7-1, c'est gagné pour Basila. Ok, bon, Basila qui est en train de prouver quand même à Feet Under. Alors, il est Basila, pas... si tu nous entends, si tu es sur live, Basila, on est un peu en avance sur le runner. Si tu pouvais faire durer un tout petit peu le match, ça nous arrangerait parce qu'on est très. C'est vrai, on est en avance ou pas? Hein? On est en avance ou pas? Non, je sais. Non, on est dans les temps. En régie, on est dans les temps ou on est comment là? On est pas mal, on est pas mal. On est bien, on est propre. Bon, Basila qui a montré à Feet Under qu'il a envie d'aller à Roland-Garros le 21 mai hein, pour cette finale. Je crois qu'il n'est pas venu là pour rigoler, il n'est pas là pour s'amuser. Le jeu vidéo, ça ne l'amuse pas. Le jeu vidéo, c'est simplement de la compétition. C'est un métier, c'est un métier. C'est un métier, c'est un taf, compétition, e-sport. Il n'a jamais vu ça pour le plaisir. Mais mec, il a toujours été payé pour ça. Du coup, il a été payé pour ça. Il faut savoir qu'il a été payé. En gros, il a commencé le jeu vidéo avec. On parle de Basila, hein, le joueur qui a gagné la première game. Tout à fait. Il a commencé le jeu vidéo sur Pokémon Or Argent à l'époque. Et il était payé par la région PACA pour représenter la région PACA dans des matchs de stratégie Pokémon. Ouais, tout à fait. Et il a commencé justement à pulvériser petit à petit, à droite à gauche, les différentes personnes qu'il rencontrait sur Pokémon via Cable Link, hein, on le rappelle à l'époque. Et puis petit à petit, il a évolué. Puis aujourd'hui, il est justement sur Tennis Clash pour venir montrer au monde qu'il est le meilleur joueur de Tennis Clash, en tout cas de France. On reprend le match. Bien sûr, après cette magnifique histoire qui nous aura été racontée par Père Ponce et Feet Under qui ne veut pas se laisser faire et qui est en train de montrer les muscles aussi, qui marque ce premier point. Oh, Basila qui a tenté autre chose, mais Feet Under, du coup, qui fait le break d'entrée. Ouais. Ouais, ouais, c'est compliqué. Basila qui revient avec une grosse pression parce que là, il nous a montré un niveau de jeu qui est monstrueux. Et derrière, bah, est-ce qu'il va pouvoir valider que c'est le meilleur joueur de cette confrontation? Il revient 3-0. Feet Under pour l'instant qui décide de mettre tout le monde d'accord et qui va pas se laisser faire. 1-3. Allez, 1-3. 1-3, service ici.
Boum. Boum. Et là, il remet le coup droit. Boum. Oh, putain, revers, une main, bien sûr, à la gasquet. Oh, attends, Basilac a décidé de mettre toute sa force, là, par contre. Oula. Attends, le boum. On a les trois, un boum. Ok. Oh, il n'a pas bougé. Ouh, il n'a pas bougé. Basilac qui revient back in business 3-2 après avoir été mené 3-0. Ouais. Oh là 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 là. Il revient 3 par 3-3. En deux balles. Hein. En deux balles et. Oh là. C'est un aigle. Oh, il revient. Oh, le retour de Basilac. Oh, Basilac. Oh, il l'a allumé sur le retour. Il a mis tous ses points dans le revers. Incroyable. Ah bah, pas que le revers, apparemment. Incroyable. Et là, il retape. Oh, c'est la métaphore ou quoi? Mais je crois que c'est vraiment tout le monde, mais 5-3, Basila, il vient de mettre 5 points consécutifs, Basila. Il est au-dessus. En fait, il avait l'écran éteint, il n'avait pas capté. En fait, il a juste fait durer le match comme on lui avait demandé. C'est vrai. Non mais attends, imagine, il a vraiment fait ça. En mode, vas-y, je lui laisse 3 points. Attends, on va voir. Non, c'est bon. C'est Scat, le filet qui est venu sauver Fit Thunder. Et Fit Thunder qui est dos au mur dans cette rencontre. Basila qui est très bien. Oh, la faute de Basila, 6-5, ça revient. Toujours balle de match, on le rappelle pour Basila. Attention, peut-être la peur de gagner. Il monte au filet, la grosse patate. Oh, c'est faute. Et Fit Thunder qui fait faute. Et qui laisse Basila s'imposer 2-0. Qualification donc de Basila et de Benji pour XP School du côté de Roland Garros. Pour les Roland Garros E-Series by BNP Paribas. Ils seront donc les deux représentants de la XP School. On le rappelle, il y a 5000 euros à gagner. Pour le prize money, c'est 5000 euros. 3500 pour le premier, le reste pour le deuxième. Et ensuite, ils ont évidemment tout ce qui journée à Roland-Garros, etc. Oh, ça fait une belle journée. Voilà, ils font aussi une belle journée. Donc voilà, évidemment, le prix aussi est intéressant. Donc très, très, très bien joué. Du côté de Basila et de Benji, on aura donc les dernières qualifiées Women in Games tout à l'heure. Bravo à elles, bravo à eux. Et on verra ensuite pour Women in Games tout à l'heure. Voilà. Tout à fait. Bravo aux qualifiés. Bravo aux qualifiés. Le jeu exceptionnel. Le jeu, en tout cas, il faudra que je vois le jeu aussi. Enfin, j'ai hâte de discuter avec des top joueurs pour voir comment est-ce qu'ils ont appréhendé le côté, tu vois, la méta du jeu, taper fort. Donc, ça va être. Franchement, je suis curieux de voir quelle est la méta, quel est leur filet, etc. Vous pouvez revenir en plateau, évidemment, quand vous voulez. Évidemment, Mélissa, Trivia et Emric, évidemment. Après cette première session, bien, victoire, qualification. Qualification. C'était très cool. C'était sympa, hein? Qualification, joué, très agressif. Bravo, oui. C'est très agressif. Fort, mec, je suis. T'es fatigué. Fatigué de regarder ça. Mais je suis tellement, c'est puissant. Ça j'ai des jambes en chocolat, si je peux me permettre. Ah, j'ai donc, tout ramolli. Tout à fait, tout ramolli. Exactement. Bravo, on reviendra sur tennis et le clash de l'autre côté plus tard. On va, avant toute chose, on va continuer, puisque on va continuer notre émission. On le disait depuis le début, on va parler évidemment de padel. Le padel, donc, c'est un sport, on le disait justement, on le sait maintenant, qui vient du Mexique, très populaire en Espagne, qui se joue sur un terrain avec du plexi, une cage, on va dire, un grillage et du plexi autour. Il y a 245 000 joueurs en France, 90 pays, on va dire, qui ont des cours de padel. Il y a 60 000 pistes de paddle dans le monde. Okay. Et il y a 1065 pistes de paddle et le champion du monde est Gaël Monfils, bien sûr. En 2006. On dit pas un cours de paddle et... On dit les deux, non? Quand on dit une piste. Parce qu'on dit la pista en espagnol. Et donc, c'est vrai qu'on en parlait ce matin. Parce que on dit pista de tennis aussi. Donc en fait, pista, c'est terrain. Donc, tout à fait. Okay. Et donc ce matin, on a eu l'occasion d'aller tester sur la piste. On était au club des pyramides, justement, ouais. Donc pour tester. Le club était assez. Le club était assez. Le club était assez. Vous voyez Disneyland? C'est le Disneyland du tennis. Exactement. Et du padel. En fait, ils ont une dizaine de cours, même une vingtaine de cours de tennis. Ils ont 28 cours de tennis. Okay, 23. Okay. Et ils ont 3-4 cours de padel. 7 cours de padel. 2 semi-couverts. C'est ça. Et une piscine extérieure. Et une piscine intérieure. Voilà, la salle de muscu, fitness, squash, on a vu le squash. Donc on a vraiment eu le temps de juste jouer au paddle par contre. Si je peux me permettre, pour aller prendre ma douche, j'ai marché 200 mètres. C'est vraiment la vestiaire, incroyable. Enfin bon, bref, le strict minimum. Voilà. Rien de bien. Si vous voulez ouvrir un club de paddle, c'est le minimum. C'est la piscine, le spa. Sachant que c'est 10 hectares, donc bon, évidemment. Donc ce matin, on s'y est essayé. Vous vous y êtes essayé, on va pouvoir envoyer les images. Il y a eu un match entre
Yann Trivia, donc Yann, je le disais, 14e joueur de... 12e 12e joueur de padel. C'est fou de faire ça. Et donc Mélissa et Emric. Regardez, oh là public. Là, ils sont beaux. Regardez ce public de fou. Évidemment. Ah, c'est vous avez vraiment du public par contre. Ah oui, il y avait des petits gars du club qui étaient là. Ça m'a mis la pression. Tous les petits jeunes du club qui étaient au c'est courant. Et, Attends, mais juste comme ça, Trivia, t'es en chaussons là? Ah non, c'est des baskets. Ok, pardon, j'ai cru que c'était des chaussons. Ah ouais, donc là, on peut passer directement, avancer un tout petit peu dans la vidéo pour vous regarder l'échauffement. Là, on s'est chauffé. Ah, c'était l'échauffement, justement. Là, il y a eu, bien sûr, il fallait faire le toss. Moi, j'étais l'arbitre filet, donc j'étais occupé. T'étais l'arbitre bronzette, apparemment. Bon, ouais, il faisait beau, j'en ai profité. C'est pas facile. On voit juste la tête de Rive qui bouge. C'est ça. Donc ouais, c'était le choix de M comme Marianne qui finalement n'a pas été le bon. Donc du coup déjà, le padel ça se joue forcément en doublette. En double, ouais. Est-ce que quand tu es sur le circuit, est-ce que tu as une doublette un peu attitrée ou est-ce que tu fais aux fonctions de... Alors c'est mieux d'avoir son partenaire. Ok. Pour avoir des automatismes, mais ça peut beaucoup changer. Parce que ça peut dépendre de disponibilité. Ouais, et parce que les compétitions, quand tu participes aux compétitions, tu les fais toi en solo et après tes partenaires changent en fonction ou c'est quand même à deux? Non, c'est à la deux compétition quoi, du début à la fin. Et après, ton classement il va être individuel. D'accord. En fait, à chaque fois. D'accord. Selon, selon ton résultat. Ok. Est-ce qu'il y a des joueurs à droite et des joueurs à gauche? Ouais, il y a des spécialités de joueurs d'accord. de droite parce et joueurs de pas gauche. La même, hein. Non. C'est pour ça que je t'ai dit au début. Nous, d'entrée de jeu, on a parlé de stratégie. Mais toi à droite, comme ça, je cours. Et moi, je préfère être à droite, comme ça, je suis moins sur mon revers. Tu vois? Ouais, en fait, le joueur de gauche, automatiquement, vu qu'on est beaucoup à la volée, donc beaucoup de proches du filet quand on est au padel, celui de gauche va beaucoup se matcher. Jouer. Ah va beaucoup se matcher puisqu'on a beaucoup de lobes pour aller lober les adversaires pour gagner le filet. Et donc celui qui va être à gauche va prendre beaucoup sur la volée de coup droit ou sur le smash et prendre plus de place. Donc c'est plus facile, quoi. De la place. Ça, c'est vous premier revers. Aïe, un peu mou, bien sûr. Ça m'appelle un revers mou du genou, bien sûr. Mais quand vous tapez, ça a l'air solide, ça a l'air dur, ça a l'air lourd. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais c'est en vrai. Il y a vrai, du carbone dans la raquette, c'est pour ça. Oui. Donc en fait, c'est léger. Oui. C'est le bruit qui est. Oui, c'est le bruit. Ouais, okay. Le bruit a l'air beaucoup plus. Après, c'est quand même dans les 360 grammes. Donc c'est plus lourd en soi, c'est plus lourd qu'une raquette de tennis. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. C'est marrant. Ah ouais. Okay. Et après le truc c'est qu'elle est plus compacte, donc en gros elle a moins tendance, enfin tu vois l'équilibre. T'as moins de levier, quoi. Donc du coup la sensation est plus légère. Ouais c'est ça. Que la raquette de tennis. Mais c'est en général 100 grammes dans les 100 grammes de plus qu'une raquette de tennis quand même. Ah, en fait, on est d'accord, tu peux pas, tu dois forcément toucher avant le terrain, avant de toucher le plexi. Toujours un rebond avant une paroi. Ouais, je vois. Exactement. Ouais. Et après, ça peut rebondir combien de fois? Juste une seule fois? Bah, une fois que tu as le rebond dans le terrain, ça peut rebondir sur autant que tu veux sur une paroi. Ouais. Donc, vite, retourner, machin, tout. Et après, tu dois le rattraper tout de suite après une paroi. D'accord. Pas laisser rebondir tu peux une pas nouvelle laisser, fois. Voilà. Okay. Nouvelle fois dessus. Oh, bien joué. Voilà. Oh là là, mais il est si gros fort. Gros croisé de Yann. Incroyable. Donc, vient de passer 12e, 13e, 11e. Il est top meilleur 10, joueur top français 10. De top 10, il est top 10. Il est top 10 joueur après français. Après ce coup-là, top 10. Est-ce qu'il y a des compétitions mixtes dans les duos? Alors, oui, il y a des compétitions mixtes. En France, spécialement, on en a. Donc, on va avoir des mixtes. À l'international, on n'en a pas. Ah oui. Il y a pas, okay. Non, on décide de pas mélanger. Mais en France, il y a des compétitions en mixte. Okay. Est-ce qu'il y a genre un tournoi, genre de championnat de France? Oui. Pour déterminer qui est au-delà du classement race, je sais pas comment on dit, qui est le champion. Ouais. Oui, on a des championnats donc régionaux, enfin départementaux régionaux et les championnats de France à chaque fois tous les ans. Sympa. Et alors, t'as fait quoi? Meilleur résultat, vice-championne. Oh, quand même. Ah, quand même. Et ouais, on en ouais. a. Bon, un peu en colère parce que tu termines sur une défaite. Mais... Bah, on a quand même. Alors, on a une joueuse, la numéro 1 française, Alix Colombo, qui est la meilleure et depuis assez longtemps maintenant, ah, oui, quelques années, okay. qui gagnait tous les ans avec son ex-partenaire Jessica Vigné avant et qui maintenant joue avec la deuxième française, ah. qui est deuxième en termes de classement mondial okay. aussi, son top 20 et top 30 mondial, donc c'est quand même pas mal. Okay. Et du coup, elles sont ensemble là sur le circuit, donc dur à battre. Ouais. Est-ce que quand la place s'est libérée avec la numéro 1, tout le monde a fait? T'as essayé ou pas? Je suis dispo. si jamais. Je joue aussi. Ouais, j'ai le temps là, je suis dispo pour jouer avec toi. Ta partenaire est classée combien Bah alors en France, un partenaire est classé 8e.
8e, ouais. Ok, donc pas ouf quoi. La question qui fâche, bien sûr. Est-ce qu'il y a un pays, est-ce que par exemple au Mexique c'est plus développé? Mais ben non, justement. Ah ouais? Pas, non, c'est, okay. pas le, c'est sûrement pas le pays le plus développé. C'est en développement, c'est plutôt pas mal, mais malgré le fait que c'était inventé là-bas, ça a vite été exporté en Espagne, et c'est en Espagne où c'est ah, okay. plus développé. La nation du paddle, c'est l'Espagne. Ouais, ouais. Espagne, c'est, ils ont des centres d'entraînement de fous. Ils ont plus de licenciés, plus de joueurs de paddle que de tennis en Espagne. C'est juste derrière ah, le ouais. Sérieux? Et pourtant, ils ont des gens comme Nadal et tout, tu vois, en portée tendance. C'est juste derrière le football en Espagne. Ah ouais, c'est fou. Ah ouais. Je pensais pas que c'est le deuxième sport. What? Attends, mais même le hand et tout, même le basket. Ouais. Même le basket. Attends, c'est derrière le foot. Ah ouais, non, mais c'est fou. Enfin, juste derrière le foot, quoi. Ouais. Wow. C'est complètement fou. Moi, j'habitais à Madrid et là-bas, c'était fou. Les gens, ils jouent tous. Ils jouent tous, ils connaissent tous. Ici, on te dit à chaque fois sur quel lac. Oui, fou. Cet échange est incroyable. Cet échange est dingue. Cet échange est incroyable. Ouais, il est pas si fou. Oh là là. Il est pas si fou. En fait, il dès qu'il y a des échanges longs, à chaque fois, je perdais le point. En fait. C'est fou. Je te sentais un peu paniqué. Mais c'est ce que je te disais, c'est ta spécialité. C'est incroyable. Et est-ce que du coup, dans le top 20 mondial, il y a quasiment que des Espagnols? Oh oui, alors chez les hommes, on a beaucoup. Les Argentins prennent beaucoup de place. Ok, d'accord. Ah. Okay. Chez les hommes, pardon. Et les Espagnols, maintenant, commencent à être au niveau des Argentins. Là, par exemple, l'année dernière, ils ont gagné le championnat du monde, les Espagnols. Ça faisait un peu plus d'une quinzaine d'années qu'ils n'avaient pas gagné. Ah ouais, ah ouais. Parce okay. que les Argentins gagnaient à chaque fois. Et chez les femmes, c'est beaucoup plus espagnol. Parce que aussi, il y a un peu moins d'argent. Donc, les Argentines ne viennent pas forcément... Oui, c'est plus difficile de s'y mettre. Voilà, ouais, exactement. Ouais. Ne viennent pas forcément en Europe. Ouais, oh là là. Tu peux mettre de l'effet quand même avec les palas quand même. Belle, ah ouais, non, mais là, c'était... Non, là, parce que comme il n'y a pas de cordage, on dirait que je ne peux pas mettre d'effet, mais en fait, je peux mettre des effets quand même. Là, l'amorti, il était incroyable. Incroyable, cet amorti. Du coup, j'ai de la raquette dans la main, là. Et c'est quoi le meilleur coup au... Parce que tu vois, autant on se dirait qu'au tennis, le meilleur coup, c'est un bon smash, tu vois, genre impossible à aller chercher. Quand on vous voit jouer, on voit faire quelques smashs. Ah ouais, il y a les murs. En fait, quoi. Tu faisais beaucoup plus un smash, enfin, tu tapais pas si fort que ça pour essayer de sortir de la balle du court, quoi. Bah, en fait, on en parlait tout à l'heure, on fait au paddle, on fait beaucoup ce qu'on appelle un smash qui s'appelle bandera ou vibra. Donc on les appelle que en termes espagnols parce que c'est espagnol. Et c'est un smash qu'on va aller chercher un peu plus sur le côté, un peu un mix de smash au-dessus de la tête et une volée de coup droit qu'on va aller chercher sur le côté. Parce que comme j'ai dit, c'est des échanges assez longs et on a beaucoup de lobes. Et donc on ne peut pas finir le point sur tous les smashs parce que sinon elle a trop de rebonds. Comme l'objectif c'est de laisser ses adversaires au fond, on va utiliser ce smash là pour avoir une balle qui va être plus basse et plus longue. Ah, okay. Garder les adversaires au fond et que toi tu aies le temps. Ouais. Et que toi, tu aies le temps de revenir à la volée. Ah, c'est ça. Et par contre, quand tu as un smash plus facile, là, tu peux accélérer et la frapper au-dessus. Et pour faire en sorte qu'elle sorte du court idéalement, quoi. Exactement. Ok. Exactement. Sache qu'on a essayé de faire sortir la balle du court plusieurs fois, ça n'a jamais fonctionné. Tu directement, vous y avez réussi. Si, oui, on a essayé de. Oui, directement. Tu n'as pas réussi à faire rebondir, quoi, effectivement. Parce que là, c'est quoi la matière du terrain, là? C'est de la moquette. C'est de la moquette. Enfin, un gazon synthétique. Tout petit, tout fin. Ouais, voilà. Ah ouais, d'accord. Okay. Un peu de sable. Est-ce que c'est la sable. Même chose que les terrains de tennis en gazon synthétique ou c'est c'est un peu plus épais. D'accord. Un peu plus épais. Et après, on a différentes surfaces. On va avoir celles qui vont avoir plus de sable et un peu plus petite. Et celle où la moquette va être un peu plus longue et un peu moins de sable. Et là, c'est plus lent. Du coup, ça gêne le rebond, c'est ça? Bah, du coup, c'est plus lent, en fait, et ça glisse moins. Et au niveau de toi, t'as fait du tennis, du coup, Trivia. Ouais. C'est quoi les différences que t'as senties, tu vois? Les murs, hein. Quoi, les murs? Non, les murs. Non, mais les murs, bon. Dans les coups, tu vois, ou même dans le mur, vraiment, ça change. Oh. Dans les souvenirs que t'avais du tennis, est-ce que c'était très différent ou est-ce que t'as vite repris tes repères? En vrai, j'ai trouvé ça plus facile de reprendre sur le padel parce que je me suis dit ça va être une... Quand je reprends le tennis, même après 2 mois, j'ai l'impression que la raquette est lourde, que c'est difficile. Ouais. Là, j'ai vraiment préféré reprendre sur le padel parce que j'ai trouvé ça plus facile et plus fun. Après, en termes de technique, il y a plein de choses différentes. Enfin, par exemple, sur du tennis, tu vas faire beaucoup de coups liftés, alors que là, c'est vraiment un mélange de coups de squash et de coups de tennis. T'as beaucoup coupé. C'est très à plat. C'est très à plat. On peut pas, il y a pas de cordage, donc tu peux pas utiliser de lit. Ouais. Donc en fait, c'est très à plat, quasiment en permanence. Il y a quand même une texture avec du volume. Ouais. C'est quand même nervuré un peu.
Oui, pour pouvoir. Oui. Ce qui permet effectivement de pouvoir mettre de l'effet, même sur la volée, de pouvoir mettre de l'effet, un peu slicer la balle. On peut avancer un peu dans le match aussi, parce que là je crois qu'on est toujours au premier set. Ouais, premier set qui sera remporté du coup par l'équipe de Trivia et de Yann. Donc et on dit, s'arrête là, on peut passer à la prochaine partie de l'émission. Parce qu'il y a eu un scénario. Le deuxième set a été particulièrement sympa pour le spectacle. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un deuxième set extrêmement accroché, effectivement. On va pouvoir regarder ça. Et après, on regardera surtout notre 2 contre 3. Qui a été incroyable. Mais deuxième set, du coup, le deuxième set, tout à fait. Je me pose une question là. Il s'appelle Yann, le 12e. C'est ouais, Yann. Hein. Yann l'envoie souvent en l'air. Est-ce que c'est juste parce que concrètement c'est un niveau de jeu qui est médiocre étant donné les débutants qu'il y avait, ou est-ce que c'est non, ça se fait souvent d'envoyer des balles en l'air, parce que j'ai l'impression que c'est cadeau, non, balles en l'air. Alors les balles en l'air, si tu les fais bien, donc les lobes, et si tu les fais bien assez haut, assez long, c'est difficile à jouer. Ah ouais? Non, c'est horrible à jouer. Ouais, ils peuvent te le dire. C'est horrible. Parce qu'en fait, t'arrives contre le mur. Il a fait que ça. Yann, il te met des balles. Ouais. Alors, j'ai pas vécu les balles de Mélissa, mais les balles de Yann, il te les met à 10 cm du mur. T'as pas la place de mettre ta raquette. Je sais pas quoi faire, quoi. Et en fait, la balle, elle tombe à plat. Donc, tu sais, elle a pas le mouvement de rebond où tu peux utiliser. Ouais, c'est ça. Elle est collée à la paroi. Genre, on va dire que le meilleur coup, par exemple, du paddle, est-ce que ce serait pas de l'envoyer dans le coin, en bas, tu vois, entre le plexi et le terrain, dans le coin? Parce que du coup, ça rebondit pas coin, vraiment. Le coin là-bas. Ouais. Le coin du fond. Mm-hmm. Est-ce que ce serait pas le pire coup? Bah, du coup, la balle, si, c'est parce qu'elle s'arrête, donc et puis ça longe la vide, donc forcément, c'est difficile. Après, il faut le maîtriser. Oui. Non, mais je veux dire, même les meilleurs. Ah bah bien sûr. Ça reste parce que même si tu fais long, t'as un risque du coup de toucher la vide en premier et de faire faute. Oui, bien sûr. Il faut une décision chirurgicale. En fait, c'était dur parce qu'après, nous, quand on était débutants, on n'avait pas non plus ce réflexe de se tourner vers la vitre et de taper dans la vitre, parce que tu peux faire ça si la balle rebondit. Et c'est côté dos, tu peux te retourner et taper la balle dans la vitre pour qu'elle reparte en l'air et qu'elle retouche de l'autre côté. Ah ouais. Ah, tu peux tirer la vitre pour que ça touche le terrain adverse. Oui, c'est ça, c'est insane. Ah ouais, ça c'est un peu comme au squash. Ouais. Mais donc, faut avoir le réflexe. Et c'est pas très intuitif de frapper une balle. Vraiment, t'envoies mais tout ce que t'as, si tu veux. C'est vraiment pas facile. Oui, à la montée filet. The wall. Oh oui. C'est comme sur un... Ah, c'est vrai qu'Emery qui joue un peu comme dans Mario Tennis. C'est ça. Sur le terrain de paddle, c'était tout devant. Il est devant. Droite-gauche. Devant, mec. En même temps, ça donne, ça alors que normalement, c'est pas trop comme ça. Ouais, c'est plutôt chacun à côté. En fait, quoi. Ce qui est trop bien, c'est que, tu vois, Mélissa, t'es pas de m'expliquer. On monte ensemble, on recule ensemble. Il y a pas... Et moi, j'étais persuadé, un peu comme le double du tennis, où tu démarres en décroché. Là, en fait, tu dois vraiment être solidaire sur le truc. Le côté double et équipe est ultra important. Yann qui s'est tiré les cheveux parce qu'à chaque fois il me disait tu m'as abandonné. En fait, pendant l'échange, je l'entendais, il était devant, il me fait tu m'as abandonné. Mais oui, d'accord, ok. Non, oui, regarde là par exemple, il est devant alors qu'il devrait être comme toi derrière. Non, parce que là c'est stratégique, ça s'appelle la pampa celle-là. C'est pas la pampa. Tu fais n'importe quoi, c'est la pampa. C'est la pampa. Lob, mais là du coup il est un peu court et du coup ça met un bon. Il y a eu des échanges en fait, je m'en rendais pas compte. Bien en sûr, jouant. Y a eu ah des si, 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 ça a joué. Hein, ça a joué hein. Mais c'est surtout eux en fait qui ont échangé. Mais même pas vrai, t'étais volé, t'as réussi à récupérer la balle et tout. Là il est gentil parce qu'il la récupère, parce que normalement ça touche la. Ah oui, la mise. Ah oui, c'était celui-là. Il y en a un autre encore. Ah non, mais celui-là il est incroyable parce qu'il y a un échange de ouf et tu me l'envoies dans les tribunes, celui-là il est incroyable. En fait, c'est pas toujours évident. Quand l'échange est long, c'est pas évident parce qu'on perd aussi la lucidité, on est fatigué, donc on sait plus trop quoi faire. Ça fait pomper le cœur. Et puis il faut garder la lucidité jusqu'au bout. On a beaucoup de changements de rythme en fait dans le paddle. Et on change beaucoup finalement, comme on dit, vu qu'on est toujours avec son partenaire, on change beaucoup attaque-défense pendant tout le point. Donc ça change beaucoup les rythmes. Et c'est pas comme au tennis où des fois on peut être allé 1, 2, 3 coups, j'attaque et ça peut être fini. Là ça change tout le temps attaque-défense. Tu peux avoir la main et puis finalement ça tourne. Donc tu dois te recalmer, tu dois retrouver des zones tranquilles. Il y a beaucoup de changements de rythme quoi. Ouais. Tout le temps en fait. Et moi pour le coup qui n'ai pas trop joué au jeu de raquette, on trouve rapidement du plaisir dans le paddle aussi. Clairement. C'est-à-dire que moi j'aime bien le badminton, le tennis, je suis vraiment nul au tennis. Ah, si tu as un tennis. Dis pas ça, arrive, attends, t'es incroyable, t'es quand même 15-5, ça va. en vrai, le tennis, je suis pas très fort quoi, pour le coup. Alors, quoique, si une fois il y a Arnaud Dipassois qui m'a dit non, mais attends, t'as déjà joué au tennis, c'est pas possible. Waouh. C'est vrai que j'ai trouvé que le paddle, t'étais à l'aise même avec les murs. Direct, t'es rentré, tu faisais rebondir avec les murs, t'étais plus à l'aise. Laissez passer. En vrai, j'avais beaucoup de haine en moi. Le problème, c'est que juste, on va voir. Je pense qu'on va voir juste après, mais juste, Rive, tu vas rigoler, Ponce.
C'est juste une brute. On va passer au troisième set de ce match-là, à la fin du troisième set. Donc vers la fin de la vidéo, pour qu'on puisse voir le dénouement justement de cette rencontre. Il y avait un, premier set. C'était serré, ouais. Au trivia, ensuite il y a eu un set partout. Donc vous êtes remonté et la dernière, le dernier set, ça jouait en points. Donc c'était 10 points gagnants. Ouais, c'était 10 points gagnants. C'était serré parce qu'on était à 9-7. Même à la fin, on fait 9-9. Le dernier set, il se joue à 9-9, 11-9. Ah oui, oui, c'est pas le deuxième. Non, 19, sur un point décisif. Ah ouais, ouais, sur point décisif. En vrai, le point est stylé. On a mis 2 points. En plus, le point est stylé. 11-9. Non, le point est stylé, ouais. Ah, il sera dans nos mémoires. Ah, il sera dans nos mémoires. Ah, mais oui, non, mais si, la balle de match, elle est incroyable. Bah oui, non, mais oui. C'était la balle de match. Il faudrait qu'on l'ait en régie, elle est incroyable parce que juste avant, Mélissa, elle me dit. Il faut que tu fasses ça. Ok, il faut que tu joues comme ça, que tu fasses ça. Il va pas le voir venir. Petit regard à droite, bim bam boum. Ok. Genre une feinte quoi. Et tout se passe. Regardez les images. Elle me dit exactement. Ça me régale. La balle de match. Ça c'est balle de match. Là on est en balle de match. Balle de match. Tu vois le petit élève qui est comme ça qui apprend. Je lui explique ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut qu'il retourne. Mais ça c'est le numéro 9 au rugby qui écoute, il est prêt là, il est en mode. Mais j'ai bien fait de prendre mon temps. C'est clean. Attends, en vrai c'est trop clean. Service trivia. Oh, moi, j'ai été trop gentil. Je sers faiblement. Et là. Oh là 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 là. Et là, il fait le coup parfait. Et il gagne le coin. Et il gagne le match sur un coup parfait. Exceptionnel. J'avoue, on dirait vraiment que tu vas l'envoyer à gauche, tu la mets à droite. Mais ouais, c'est fou, hein. Il fait un vrai coup, mais genre comme ça. Hein. Mec, et tu vois, quand si tu parles du coup parfait dans le coin, il le fait. Ouais, j'avoue, c'est. Mais en fait, franchement. Elle te conditionne trop bien. Déjà, tu sens la winneuse, tu vois. Genre, vraiment, elle veut gagner. Tu voulais pas perdre. À un moment donné, elle m'a quand même dit, tu sais, je lui demande, c'est où l'endroit vraiment pour viser et tout. Elle me dit, alors, vise les pieds ou les yeux. Les yeux. Il faut tuer son adversaire. Il faut fracasser son adversaire. Genre, tu m'as trop bien expliqué. Elle te met en confiance et puis elle te donne de la confiance. Et en vrai, le panel, tu vois, après, on voulait même plus s'arrêter. Au début, tu vois, là, t'es un peu branque. Mais après, t'y arrives de mieux en mieux. Ouais, c'est un vrai petit plaisir. Et après, on a du coup fait un match. Parce que moi, je me dis, je vais jouer un petit peu. Du coup, on a fait un match en 3 contre 2. Donc, nous trois, donc les trois débutants. Ça devait être drôle. Face aux deux pros. Et bon, après, on commençait, en fait, le but c'est qu'on commençait à 9-0. Et nous on avait 9 points d'avance et eux ils devaient nous mettre 10 points pour gagner en gros. Oh. Et nous on avait une suite d'un point pour gagner. Au début de 2 points. À ton avis, que s'est-il passé sur l'endroit? Est-ce qu'on a réussi à marquer un point? Moi je pense que ouais, vous en avez. Ok, très bien. Ok, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais ce que tu prends en nous. Voilà, première balle. Donc ça c'est Rivendi directement. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie dans les murs direct. Direct. Mais okay. Ça c'était stratégique. Après je venais juste de rentrer sur le terrain. Tu peux marquer ton territoire. Mais là voilà, on a senti qu'on était un peu plus en difficulté, c'est allé un peu plus vite le match en fait. Bah, en face ça répond pas de la même manière quoi. Ah, c'est sûr que face, ça couvre sacrément bien le terrain surtout. Oui. Non, mais t'es content en mode let's go. Et tu vois, des fois, il faut. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut beaucoup de lucidité sur est-ce que je laisse passer la balle, je laisse rebondir et derrière je la relance ou est-ce que je la prends bêtement, tu vois. Ça a pas l'air. C'est des réflexes à beaucoup, beaucoup travailler. Ouais. C'est vraiment pas évident. Et à n'importe quel niveau, hein. C'est-à-dire même à notre niveau, à une certaine. Quand la vitesse augmente, tu dois aussi prendre la décision hyper rapidement de savoir si c'est passé ou pas. De fou. Regarde l'équipe des branques au fond. Ça parle stratégie, ça ose parler stratégie. L'insolence de cette équipe. Non mais d'accord, ils tournent. C'est vraiment l'équipe. Ils ont vu que 2 points de suite de perdu, ça y est, ça se réunit, ça parle tactique. Voilà, mais c'est important. Bon, ils ont changé de côté. Je sais pas si t'as vu. Mais... On a testé, on s'est dit peut-être que ce serait mieux. Tu vois, moi, genre là, je l'aurais prise quoi. Insupportable. Mais là, tu vois, en fait, le lob est vraiment haut. Oh, ouais, elle est trop chiante la balle. Ah, la balle, le lob, c'est insupportable. Yann, il nous a envoyé tellement de lob. Ah là là. Je m'énerve, ça y est, là c'est l'équipe se commence à se dissoudre. Attention, pense peut-être que le prochain point va être important. C'est sûr, c'est celui-là? D'après ce que j'ai compté. Quel point? Okay. Le point qui arrive là, attention, Ponce, peut-être que là tu risques d'être impressionné. Ça va être immonde. Il y a Yann derrière là, il est en train de finir. Let's go! Ouais, je te jure. Bam. Je crois que c'est celui d'après en fait. Oui! Et là. Oh là là. Le mur. Mais mec, mais il est monstrueux. C'est quoi, vrai? Oh, elle était belle ta balle. Ouais, pas mal, elle avait une bonne longueur. Elles sont chiantes ces balles. Regardez là. Oui.
Pas du tout. Aïe. C'est le point d'après. C'est dur. Ok, là on a bon, quand même. Là tu rends compte que c'est dur. Mais dur. Là c'est dur. Bon, on les a mis en difficulté. Là vous prenez confiance. Là on sent que vous êtes mieux là. Let's go, bien joué. On perd. Bien sûr, on est super dans deux points. Dans deux points, tu. Non, en vrai. Dans deux points, c'est. Bon. Là en vrai, on prend confiance. Non. Fin de la confiance. La confiance a duré littéralement 10 secondes. Il a juste envoyé. Mais sur le. Un énorme tomard. Il a juste eu beaucoup trop de colère en fait. Et là, voilà, super. Là, super. Voilà. Attends, on est à combien là du coup dans... Là, on est loin. Là, on est à 8-8. Là, on est à 8-8, on est à 8-7. Oui. Non, mais le prochain vois, point va t'étonner. Et Riv, il envoie deux points de merde en fait. Non, mais ça va. Et c'est mais... pas ta faute. Et je suis là, tu t'entends, hein, je suis sur le plateau. C'est pas ta faute, mec. Je fais chier dessus. Mais c'est vrai que là, c'est deux points de merde. Le mec, il a joué une heure avant. À sa décharge, voilà. À sa décharge, vous aviez joué un petit peu avant. Ah ouais, moi j'étais pas chaud, je suis à deux doigts du claquage. Je le sens, ça tire un peu. Tu vois, je fais gaffe, quoi. T'étais agressif quand même. Hein. Ouais. J'essaye en fait de la sortir. Moi j'ai été trop gentil. En fait. Moi aussi, mais en même temps, sans tour. Envie, hein. Là, je veux tenter un truc. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oui. C'est pas, super si mal, pas si mal. Super. Tu vois, t'as su te remobiliser. Tu vois, c'est mental. Je pense en train de briser à ce moment-là. Il était pas simple. Non, absolument pas. C'est quoi les bandes noires sur les vitres? C'était... Ah oui, oui. Ah, mais c'est des sponsors. Oui, c'est des sponsors, voilà, évidemment. C'est parce qu'on met tout le temps des petites bandes noires, c'est des grandes chaussettes. Il y a toujours des chaussettes. Ça s'appelle la cale, là. En fait, ouais. C'est une sorte de grande chaussette. La cale. En fait, c'est espagnol et ça veut dire que si tu tapes sur la bande noire, tu perds un point. Bref. Ouais, enfin, c'est les règles. La règle chelou. C'est plutôt les règles en Catalogne. Voilà. C'est là. On joue à la Barcelonaise, c'est pour ça. Bon, par contre, faut bien comprendre qu'officiellement, il n'y a jamais 3 contre 2, hein, que les gens, les gens le sachent. Ne vous croyez pas que ça n'arrive pas. Ce n'est pas quelque chose d'officiel. Non, mais on aurait pu être 5. Ouais, ça aurait pas fait la. Officiellement, il n'y a pas 3 nuls contre 2 forts, normalement. Normalement, c'est plutôt équilibré. Et là, je me suis dit, là, c'est trop dommage. Là, parce que là, il y a pas de smash à faire de fou, là. Mais là, c'est le tournant du match. Ouais. Parce que honnêtement, c'était un smash facile, celui-ci. Non, mais t'as vu l'extension du type. Et là, il nous recolle au score, du coup, on est en mode, on se remobilise. Mm. On arrête de faire de la merde. Bah, je pense que là, du coup, ouais, je pense qu'il doit y avoir 9-9, ça va être mal le match. Là, on est en train de se remobiliser un peu tous. On arrête de faire des CDM, des coups de merde. Et on. Mais là, tu sens l'équipe quand même, le regard de tueur. Ouais. Là, tu sens qu'on est focus. Et là, Ponce. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous êtes dit, par contre. Parce qu'il y a eu quand même pas mal d'échanges. Ouais. Vas-y, t'en plus, on va se boire une bière, à quelle heure? Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ce soir, Marseille qui joue. Enfin, tu vois, on est. Toi, c'est Feyenoord. Mais d'ailleurs, imagine, tu smashes en frappant très très fort. C'est ce que je voulais faire. Hyper serré. Pour faire sortir la balle. Et tu fais sortir la balle, t'as gagné. On a essayé, mais regarde, il a essayé, mais ça a fait le grillage derrière. Que ça, depuis tout à l'heure. Mais c'est pas possible du coup. Alors, si, mais avec de la force que je n'avais pas. Ah, regarde, il essaye. Ouais, il a essayé encore. Ouais. Ah, il essaye, mais on n'arrive pas. En fait, il fallait mettre plus de poignées, tu vois. Voilà, en fait, tu peux la sortir par toutes les parois. Donc, tu peux la et là, on a perdu, derrière, ça y est. On a terminé. Donc, c'est par 4. Parce que c'est, on appelle ça un par 4 parce que la hauteur au fond c'est 4 mètres. Ah d'accord, ok. Donc ça c'est par 4. Ok. Qui est impossible à rattraper parce que c'est de l'autre côté. Et tu peux la sortir par 3, c'est-à-dire que. Ouais, sur les côtés. Et voilà, les nuls, on a perdu. Mais là, tu peux sortir. Alors qu'on avait 9 points d'avance, on se fait battre, on n'en est pas un seul. Et non, attends, parce que là, c'est pas terminé. C'est-à-dire que c'est déjà pas l'humiliation assez de perdre 10 points d'affilée. Et là, on nous explique que quand on met pas un point en padel. Ah, on doit filer tout nu. C'est Fanny sous le filet. C'est Fanny sous le filet. Aïe. Et là, ça, c'est la tradition du padel. Une équipe. Voilà, et donc du coup, elle en passe sous le filet. Et là, quand même, la gestuelle, regarde-moi ça. Quel homme. Et là je tourne. Oh et là je tourne. Et il y a rien qui l'arrête. Et là je tourne. Et là je continue à tourner bien sûr. On sent le gainage quand même. Hein. Ça bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Oh oui, il y avait de la rotation. Faut vraiment faire comme ça. Bah après tu roules comme tu veux, mais. Après, tu roules comme tu veux. Après, ça c'était là, ça c'était leur choix. La roulade. La roulade. Et donc on a perdu. Voilà, donc on a perdu, on n'a pas mis un point. Il faut savoir qu'on a retenté notre chance. Voilà. On a perdu, on n'a pas mis un point. On n'a jamais mis un seul point. Donc ça veut dire qu'on a pris 20. En gros, on a pris 20-0. Bah, mais parce que tu nous as manqué, en vrai. Et pourtant, vraiment, avec Yann, on s'est même dit, quand on est arrivé au deuxième match, on s'est dit, allez, à 9-8, on essaie de leur donner un point. Et donc, pour vous donner un point, on s'est dit, on va vous faire des smashs hyper faciles. Oh, ça fait encore plus de la peine. Des smashs hyper faciles. Oh, fallait pas dire, oh là. Oh, c'est grave. Mais ça n'a pas marché. En fait, vous êtes
trop nul en fait. Non mais mec, juste non, au deuxième match, je pense que Reeve, il avait trop de colère en lui, il y a un truc qui s'est mal passé. Il a juste envoyé des énormes menaces dans le mur. Mais juste voilà, c'est sa manière d'extérioriser cette colère. J'ai beaucoup tapé dans le mur. Okay. En tout cas, voilà, sachez que si, alors j'espère que leur niveau de padel vous a plu. En tout cas, mais sachez que, on en profite pour parler du padel pour vous dire que du coup à Roland Garros, il y aura un tournoi qui va être organisé, tournoi masculin, une exhibition aussi chez les femmes. Il y aura 56 équipes avec 8 têtes de série aussi qui y seront. Ce sera diffusé d'ailleurs sur Bein Sports si jamais ça vous intéresse. C'est lourd. Et il y a la modique somme de 525 000 euros à gagner. Ouais. Truc de fou. Donc je vais m'inscrire, moi, je pense que je vais y aller. Ah, mais ça va être. T'as pas mis un point, donc. Ça va être incroyable. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu sais, toi qui du coup suis. Comment est-ce que ça a été accueilli dans le milieu du padel de savoir qu'il y a Roland qui arrivait? Est-ce que je vous disais en mode, c'est un truc de ouf. Ah, c'est incroyable. Parce que beaucoup d'entre vous sont des anciens tennisman, en fait, aussi. Ouais. Tennis-woman. Oui, bah, tous quasiment en France. Il y en a très peu qui ont commencé par le padel. Donc on connaît tous Roland Garros. Enfin, même dans le padel, en Espagne, moi je connais les Espagnols. Quand ils ont su que ça allait être à Roland, c'était juste dingue. Ah ouais? Ah oui, c'est juste incroyable. Il va y avoir un terrain de paddle sur le central, sur le Châtrier. Quoi. C'est ouf. Donc ça va être fou et avec ça va être un niveau de dingue. On va avoir les meilleurs. La deuxième humiliation, ça va pas du tout. Hein. Donc Rivenzi a fait ça sur les 20 cours du complexe évidemment. Ouais, c'est ça, on a fait ça après sur les 20 cours parce qu'on a perdu deux fois. Mais non, mais du coup donc, c'est un truc de fou quoi. Oui, il va y avoir les meilleurs joueurs du monde. Il va y avoir les meilleurs joueurs du monde, donc le niveau sera juste incroyable. Moi, j'invite tous les gens à y aller. On a essayé du 11 au 17 juillet. Exactement, tout à fait. Du 11 au 17 juillet. Et ça va être fou et le niveau international est juste dingue. J'invite les gens à regarder sur YouTube. On parlait, les points sont impressionnants. C'est-à-dire que les points, c'est quand on parle d'un sport, on s'amuse. Alors c'est pourquoi pour ça les gens, tu les invites sur YouTube alors qu'ils ont vu déjà des points impressionnants là il y a 15 secondes. Ils ont vu les plus beaux points qui pouvaient être faits quoi. Enfin, je veux dire, voilà, non, c'est vrai que les highlights sur du padel, c'est un truc. Ouais, non, c'est fou parce que les mecs sortent du terrain et tout. Oui, oui, c'est ce que tu me disais. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on a le droit de, donc on parlait des smash, tu peux faire un smash, sortir du terrain, remettre la balle dans le terrain et puis eux peuvent la remettre. Continuer le point. Il y a des points où les. Comment où ça sort du terrain? Bah en gros, tu sais, par les portes. Ils gros, sortent par les portes. Oui, tu peux sortir par les portes. En fait, t'as le droit de sortir par la porte. Si tu fais fort et que la balle sorte, tu peux sortir du terrain. Il sort du terrain, il la remet en lob. Oui. Et toi, tu te prends le mur. Ça me fume. C'est juste ça, quoi. Je m'en vais. C'est quand même le concept. Tu peux alors attention, tu peux la remettre en lob. Et tu peux la remettre dans la porte de tes adversaires. Par la porte de tes adversaires. Non, trop chaud. Sachant que des fois, tu la remets dans la porte, tu peux la mettre dans le filet directement. Donc, tu peux gagner le point directement en la mettant dans le filet de tes adversaires. Ils peuvent essayer de la rattraper après qu'elle ait rebondi, après le filet. Ce qui arrive de temps What en temps. The fuck. La dingue. Et donc, voilà le visuel pour le major. Premier padel major. Ouais. Donc, ouais, en fait, le 11 ce sera l'un des grands chelems. C'est la nouveauté. C'est un des grands chelems du padel. Ah. Le premier a eu lieu à Doha il y a quelques temps. OK. Et celui-là, ce sera le deuxième. Est-ce que c'est, ça va être récurrent? On ne sait pas encore pour le coup. Oui, oui, oui. Le troisième, du coup, sera à Rome. Okay. Enfin, le deuxième sera à Rome en mai. Le troisième sera à Roland. Trop bien. Et donc, ça va être. C'est stylé. On espère, s'il y a des tournois, s'il y a des Français quand même là, on espère te voir évidemment y participer. Toi, tu avais fait le tournoi à Doha? Non, pareil, il n'y avait pas. Ah, il n'y avait pas encore ton. Ah oui, sur le du coup, ils n'ont pas encore. Mais bon, on espère que ça arrivera quand même très vite pour le coup. Mais en plus, c'est diffusé, donc n'hésitez pas à aller regarder. Si vous découvrez le paddle, évidemment, au-delà de notre petite initiation très sympa, n'hésitez pas à aller checker des highlights de paddle parce que c'est vraiment vrai que là, en plus, c'est hyper cool à regarder. Ça va être diffusé sur Bein. Il y a l'autre circuit qui est diffusé sur Canal+. Donc le World Padel Tour. Donc du coup maintenant c'est voilà, on a un peu de visibilité. Ça monte doucement. Ouais, et on commence à faire la différence entre le padel sur l'eau un petit peu et le padel avec raquette. Ouais, les gens commencent à comprendre un petit peu. En tout cas, c'était trop intéressant. Merci beaucoup Mélissa d'être venue nous merci en parler. À vous. Puis nous on a passé, je pense, un trop bon moment justement au padel. Et ça s'arrêtait plus. Elle s'arrêtait plus. Et merci beaucoup à Yann aussi qui a été super coach, qui a expliqué plein de trucs aussi à Trivia. C'était vraiment le son classement 12e. Meilleur, il a failli numéro 1 français. Numéro 1 français, let's go. Le numéro 1 français, il est avec nous. Il est avec nous, bien sûr. On a parlé de paddle, on va reparler de tennis clash, bien sûr, dans quelques instants. Tu restes avec moi cette fois-ci, Trivia, parce qu'on va commenter les finales de Women in Games. Je vous laisse, vous aussi, aller vous restaurer. Prenez du plaisir. Voilà, exactement. Alors, est-ce qu'on aura une ou deux finales? Oui, tout à fait, ouais, vous inquiétez pas. Est-ce qu'on aura une ou deux finales Women in Games, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a été décidé au final? Une seule finale Women in Games. Et c'est l'occasion aussi d'accueillir Morgane Falaise, donc, qui fait partie de cette association de Women in Games. On va pouvoir en parler avec toi, justement, Trivia. Donc, il y a pour but de
promouvoir la mixité justement dans l'e-sport, dans les jeux vidéo justement. Donc ça va être l'occasion d'en parler avec elle parce que c'est un truc important. C'est un truc important. Alors compétition féminine. Ouais. Amener aussi des équipes dans des tournois parce qu'au final on pourrait dire que c'est cool la mixité dans le jeu vidéo parce que c'est possible en fait aussi. Bah clairement. Et on peut accueillir Morgane maintenant, qui, si elle est disponible, on peut venir vers Morgane qui est avec nous, bien sûr. Comment est-ce que ça va, Morgane ? Bonsoir. Ben, ça va super, et vous ? Bah, oui, ça va très bien. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler justement de Women in Games. Revenir un petit peu sur votre action. Qu'est-ce que vous mettez en place justement pour les femmes dans le milieu de l'e-sport ? Trivia, je te laisse peut-être poser une première question si tu en as une. Ben, non, mais c'est, je pense que t'as bien introduit la situation. Il faut savoir si elle peut présenter l'association. Parce que moi, je connais bien, enfin nous, j'imagine qu'on connaît. Oui, on connaît un petit peu, mais... Ça commence on à peut être... reprendre en quelques mots. Ouais. Bien sûr, exactement. Voilà. Eh ben, écoutez, merci encore pour l'invitation. Je suis vraiment super contente d'être là. Et donc, Women in Games, c'est très simple. C'est une association professionnelle, comme tu disais, Rivenzi, qui a pour objectif de développer la mixité dans les entreprises du jeu vidéo en France. Mm-hmm. Et donc, pour ça, on développe différents axes, notamment, par exemple, le développement professionnel des femmes de l'industrie. Donc, on les accompagne avec de la formation, avec des ateliers, du réseautage aussi. Également, on essaie de rendre les femmes qui sont déjà dans l'industrie plus visibles, parce qu'il y en a finalement, mais donc on a toute une liste d'expertes du jeu vidéo qu'on va pouvoir proposer pour des interviews, des plateaux, des conférences, des événements divers et variés, pour essayer là aussi d'avoir une mixité de représentation. Et puis on a aussi une grosse part de notre travail qui est de sensibiliser les entreprises du jeu vidéo à l'intérêt de la mixité. Et donc là aussi, il y a un volet formation. Et enfin, on communique auprès des jeunes femmes pour leur montrer les différents métiers qui existent dans le jeu vidéo et leur dire qu'elles ont tout à fait leur place ici. Et c'est quoi les premières rencontres ? Parce que ça va être super intéressant quand vous allez voir certaines... Parce que tu sais, le jeu vidéo, c'est un milieu qui est très masculin. Quels sont les premiers axes de discussion que vous avez souvent avec des jeunes femmes qui viennent te voir, vous voir justement pour entrer dans le jeu vidéo ? Est-ce que elles ont, comment dire, est-ce qu'elles arrivent à comprendre tout ce qu'elles peuvent faire ? Est-ce que parfois il y a aussi parfois de l'autocensure, se dire est-ce que je suis pas capable de le faire, on peut pas le faire, c'est pas la place des femmes, elles peuvent pas faire ça. Est-ce que tu vois beaucoup ça ? Est-ce que c'est le travail aussi de Women in Games de leur dire mais non, mais vous pouvez aussi le faire comme les mecs quoi ? Oui, complètement. En fait, tu as mis le doigt vraiment sur quelque chose, c'est-à-dire que quand tu détricotes un petit peu tout ça, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tant de femmes que ça dans l'industrie aujourd'hui ? Donc juste pour donner quelques chiffres, on a 22% de femmes dans les studios de jeux vidéo. Mais par exemple, si on s'intéresse aux métiers plus précisément, les métiers de technique et de design, on n'a plus que 6% de femmes. Et il n'y a rien, si tu veux, intrinsèquement qui justifie que les femmes ne s'intéressent pas à ce genre de métier, c'est juste que culturellement, on les oriente moins, on leur dit moins que c'est possible. Ça, oui. Et une fois qu'on a compris ça, bah effectivement, notre travail, nous, c'est d'aller c'est de nous rapprocher des établissements scolaires, c'est de nous rapprocher des jeunes femmes. Donc, par exemple, pendant la Paris Games Week, donc on est ravis que la PGW revienne cette année, c'est l'occasion pour nous d'être en contact direct avec des jeunes femmes qui, pour autant, sont une sur deux à... Il y a une femme sur deux, il y a un joueur sur deux qui est une joueuse, en fait. Ah ouais, c'est fou. Donc, la pratique du jeu vidéo, elle est hyper mixte, mais c'est juste le développement des jeux vidéo qui l'est beaucoup moins. Est-ce que vous discutez, parce que là je vois sur le spot aussi, est-ce que vous discutez des fois aussi avec des éditeurs sur la sexualisation de certains personnages, que parfois tu te dis, on comprend pas ou quoi, ça sert pas vraiment le propos du jeu ou quoi. Est-ce que ça vous arrive d'avoir ces rapports-là aussi avec des créateurs de jeux vidéo ? Alors pas du tout, parce qu'on estime que c'est pas notre rôle. Okay, on n'est pas là pour dire aux studios ou aux éditeurs c'est comme ça que vous devez faire des jeux. On pense que chacune doit rester à sa place. En revanche, l'objet du spot que vous voyez là, c'était de démontrer justement les biais qu'on pouvait avoir en ayant des équipes de développement qui sont en très grande majorité masculines. Le gender, parce que finalement, on se retrouve avec des animations qui sont là pour plaire uniquement à un public masculin et où les femmes sont dévalorisées. Ah, c'est intéressant. Oui, voilà. Je pense que. Oui. Alors, je suis désolée. Moi, quand il pleut, je ne me roule pas comme ça par terre. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le fasse. Ah ouais, c'est étrange. D'accord, ok. Tu te roules pas par terre comme ça aussi ? Non. Ok. Non, pas vraiment. Mais vous le faites très bien parce qu'on vous voit. Vous êtes
extrêmement présent, parce que je dis présent, il y a beaucoup d'hommes qui sont investis dans Women in Games, et c'est super cool, vous êtes hyper présents sur plein d'événements, même sur Twitch, vous participez à beaucoup de streams, notamment, bon, évidemment, sur les journées, la journée internationale des droits des femmes, etc. Vous faites toujours beaucoup de streams où vous faites des talks, vous invitez plein de gens de différentes industries, différents milieux, des hommes, des femmes qui viennent justement parler de la mixité, etc. Et c'est très, très intéressant. Oui, c'est ça. L'idée, c'est pas du tout d'exclure les hommes. Attention, hein. Par exemple, là, dans les prochains mois, on va lancer notre programme de mentoring, donc qui va permettre à des femmes membres de Women in Games d'être accompagnées par des profils seniors, hommes ou femmes, dans leur développement de carrière. Donc voilà, tout le monde a à apporter. Ouais, c'est ça. Ouais. Clairement, il faut promouvoir ça, il faut aller de l'avant, parce que même moi, je me disais, est-ce que c'est bien de promouvoir, par exemple, que les compétitions féminines, etc. Mais en fait, on se rend compte qu'il faut passer par là. En fait, t'as pas le choix aujourd'hui. On est obligé, même si on se dit, ah, ce serait cool de promouvoir la mixité. Et moi, je suis complètement d'accord pour ça. Et je pense que c'est un peu la forme finale de la chose. Imaginez des équipes pour revenir à l'e-sport, imaginez des équipes féminines dans des ligues, parce que c'est tout à fait le cas. Il y a rien qui l'en empêche. Mais actuellement, on sent que il faut pousser peut-être d'abord les circuits féminins pour que demain, bah, justement, elles puissent être dans les circuits mixtes. D'ailleurs, si une femme veut venir vous voir pour avoir des conseils, être accompagnée, comment est-ce qu'elle doit faire? Elle doit aller sur un site? Comment est-ce qu'elle fait? Alors, on a un site internet, effectivement, qui permet donc de devenir membre. Voilà, en deux clics, c'est fait. Et ensuite, vous avez notre serveur Discord qui, lui, est ouvert à toutes et tous et qui est extrêmement actif. Et c'est vraiment le hub où on communique beaucoup, bien sûr, auprès de nos membres. Mais nos membres sont aussi très actifs et actives entre eux et entre elles. Et voilà, partagent des bons plans, des offres d'emploi, des offres de stage, des offres de mission. On vous le met dans le chat aussi, si vous voulez. Super, merci. Voilà, il y a aussi des conseils, des retours sur des portfolios, sur des CV, sur des recherches pour des événements. Donc, c'est vraiment, je parlais tout à l'heure de réseautage, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent via notre Discord. Et on a des personnes qui viennent en disant, voilà, moi, j'ai telle problématique, j'ai telle question, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Donc, il y a des membres du conseil d'administration de l'asso qui sont présents également sur le serveur. Mais sinon, les membres entre eux... font le job aussi, donc c'est super, c'est vraiment une communauté très ouverte. Trop cool, trop intéressant, c'est vraiment, ouais, c'est chouette, c'est ça permet d'avoir un endroit où on sait qu'on peut discuter, venir échanger, se donner des conseils aussi et se poser aussi des problématiques, je pense, qui sont que nous en tant que mecs des fois on n'imagine pas, et complètement. Du coup qui permettent aussi de se dire ok, je suis pas toute seule, ça me permet aussi de confronter aussi mes expériences. Oui, et puis comme le disait Trivia tout à l'heure, effectivement on a aussi des hommes qui sont membres ou qui sont juste sur la Discord. Il y en a beaucoup, cool. Ouais, ça c'est important. Au sein de notre CA, on a un homme aussi. Let's go, c'est trop bien, c'est important. Voilà. Écoutez, le Discord aussi est mis, si vous voulez, dans le chat, si ça vous intéresse, homme ou femme d'ailleurs, eh bien, comme on le disait, n'hésitez pas à aller checker ça. Là, on va pouvoir suivre la qualification, justement, Women in Games, parce que vous êtes associé justement à cet événement Roland-Garros e-Series by BNP Paribas. Vous aurez deux qualifiés, nous on va regarder une des deux finales, donc ça c'est aussi important, c'est pouvoir avoir le 21 mai prochain pour ces grandes finales, eh bien, justement, des femmes qui sont représentées, Women in Games. C'est aussi, j'imagine, ça fait plaisir, et je pense que c'est plaisant aussi d'être reconnu par un organisme comme le Roland-Garros, c'est de pouvoir créer des discussions avec eux, et justement, c'est aussi le but de cette année, c'est de promouvoir aussi la mixité dans cette compétition. Ouais, complètement. Quand les équipes de Roland-Garros nous ont approchés, c'était vraiment super parce qu'on a senti qu'il y avait une vraie volonté d'engagement de leur part et que c'était sincère. C'était pas juste un faire-valoir que de développer un partenariat avec Women in Games. Donc, on était vraiment très motivés à travailler avec eux. Et voilà, c'était vraiment l'occasion de créer un environnement safe, un environnement confortable pour permettre à des femmes de jouer et d'être représentées avec deux places réservées pour la finale. Donc ça, c'était super, quoi. C'est très, très cool. Ça donne à tout le monde. Franchement, c'est trop bien. Bravo en tout cas à vous, parce qu'en vrai, c'est le travail aussi que vous avez fait depuis très longtemps, parce que moi, je suis dans le milieu depuis un petit moment, quelques années. C'est vrai que vous faites ça depuis longtemps, et je pense que du coup, vous êtes des acteurs à qui on a envie de s'adresser maintenant pour pouvoir promouvoir ce truc hyper évident, important, qu'est la mixité, bien sûr, dans le jeu vidéo, et de l'accompagner, parce que comme vous le disiez, un joueur sur deux est une femme, est une joueuse en réalité, donc c'est important de le dire. Donc merci beaucoup d'être venu, en tout cas, d'être venu discuter avec nous, Morgane, membre de Women in Games, on le rappelle, association qui partenariat avec les Roland-Garros e-Series cette année. Encore merci beaucoup, merci beaucoup, bonne journée et bon courage pour les participantes.
Merci beaucoup, à très bientôt. Bon bye bye, bye. À la prochaine. En tout cas, on va pouvoir passer à cette finale. Ouais. Alors, c'est quelle finale qu'on va voir? Est-ce que c'est Miam Anouane? On va le voir assez vite, on va passer du coup à la finale. On le rappelle, c'était super intéressant. Toutes les informations ont été mises dans le chat. Si jamais les réseaux Women in Games, n'hésitez pas à aller trouver sur Google, je pense que vous trouverez. Ouais, facilement. Vite, ils sont présents partout. Moi, ça fait depuis que je stream, en fait, que je les vois présents, de plus en plus présents sur plein d'événements. Mm. Que ce soit en physique ou même en stream, même sur ce genre d'événements, sur des compétitions e-sport, etc. Donc c'est cool. Ouais, c'est important, cool. Je pense, en vrai, ouais. Pour le coup. Et ce que j'en disais, oui, mixité, différentes compétitions féminines, moi je pense que c'est important de promouvoir les compétitions féminines pour à terme avoir, on espère, la mixité. Ça fait beaucoup de débats, en vrai. C'est un des débats les plus importants. Ça a toujours été un débat de savoir si on met les filles avec les gars. Moi je suis plutôt de ton avis. Je trouve que de toute manière, il faut y aller. Pas à pas, c'est, quoi, tu c'est vois. Step by step, mais pour avoir au final voilà la réussite finale, pour moi c'est le mélange le plus possible, tu vois, parce qu'en vrai tu peux le faire, hein, tu vois, pour le coup ça fait partie des disciplines où tu te dis bah normalement on peut le faire, mais il faut créer le, on va dire, la situation, le contexte pour que sain, pour que tu puisses avoir ça qui se mette en place. Donc on l'espère évidemment, et on voit plein de clap évidemment dans le chat. Ça, trop cool. Régal. Donc voilà, ça me rassure tellement que les choses commencent à bouger dans ce sens. Bah ouais, c'est cool. Après, Women in Games, bah ça fait longtemps qu'ils bossent sur le projet et sans que ça se développe, donc c'est vraiment important. Donc c'est. Je pense à être vraiment reconnu, et c'est chouette de voir justement que des organismes comme Roland Garros s'appellent. C'est à cette association, parce que ça fait depuis longtemps qu'ils sont là, et puis de toute manière. Plus ils sont là, plus on parle d'eux, et plus ils sont présents sur ce genre d'événement. Donc c'est exactement. Donc on va aller voir. Cool. On aura l'occasion d'en reparler le 21 mai encore pour notre émission, justement. On aura les joueuses de Women in Games qui seront avec nous en physique. On le rappelle, les finales de ces Roland Garros e-series by BNP Paribas. Tu seras là aussi d'ailleurs. Ouais, à ce qui paraît. Mai. Ouais, apparemment. Tu m'invites. Allez. Je serai là. Bah, je serai là. On sera là, évidemment, pour vous commenter ça. On reparlera tennis, on reparlera, évidemment. En tout cas, j'espère que cette émission vous plaît. Moi, en tout cas, je prends un vrai plaisir à pouvoir la faire, à parler tennis, paddle, quiz. J'ai trop aimé ce matin. C'est trop bien. C'était trop cool. Ce matin, on s'est régalé. C'était vraiment... C'était incroyable. Dans le... un humble club de paddle, mais bon, sinon, qu'est-ce que vous voulez. Il y avait que à peine 13 cours, quoi. Mais bon. À peine 28 cours de tennis, 7 cours de padel. Ils vont en construire 3 en plus cet été. Bon, trop bien. Je vous dis ça, bien sûr. on va pas tarder à commencer. On attend encore les deux joueuses. On va pouvoir se lancer. Je rappelle, c'est un BO3. Première à 7 qui l'emporte prend le match. Et donc, du coup, il y a au meilleur des 3 manches. Donc, best of 3 pour aller à Roland-Garros donc le 21 mai prochain. Donc, ça va être très cool. Avec en plus 2 jours de bootcamp chez les copains de chez MCES, donc Structure e-sport. Donc, exact. Il y a ça aussi en plus. Il y a quand même une expérience assez cool, assez cool et intéressante qui sont mises en place. Et je le rappelle, juste après aussi, vous pourrez gagner, non pas 2, non pas 3. Eh bien, 4 places pour aller à Roland-Garros. 4 places pour aller à Roland-Garros. Ce sera un tirage au sort. Donc, il faudra juste être présent après le match et on fera un tirage au sort. Et vous verrez, vous pourrez venir. Donc, ce sera le mardi 31 mai. Ouais. Donc, grâce à notre partenaire BNP Paribas pour venir voir du Roland-Garros. Et on pourra les rencontrer. Ce sera 2 fois 2 places à gagner. Hein, et on pourra les rencontrer. On pourra les rencontrer. On sera là, nous Alors, pas le 31 mai. Nous, on ne sera pas le 31 mai. Oui, c'est le 31. C'était nos amis de la quiz précédent. Malheureusement. Mais ça va, ils vont à Roland-Garros, c'est OK. Ouais, c'est vrai. Ça va le faire. Et on est parti donc pour cette finale. Oh, ça a commencé ? Exactement. Donc, oh là là. Et on est parti entre Rimborn et Marie, donc, qui sont donc en place, bien sûr, pour cette finale Airborne G. Est-ce que Marie... combien il y a eu de participantes Non, on ne sait pas pour le coup. C'est juste pour les Open. On sait pour les Open, mais on ne sait pas du côté de XP School ni du côté de Women in Games. Actuellement, d'ailleurs, si vous voulez vous inscrire. Ok. D'accord, très bien. Ça marche, très bien. Marie. Marie, pour l'instant, qui est au-dessus. Et là, on est. On se rend pas compte, mais c'est vachement dur parce qu'avec, faut quand même gérer. Toi, tu y as joué en plus. Ouais, c'est dur. En fait, en gros, il faut gérer. En fait, c'est tactile pour pouvoir trouver la balle. Ouais. Et en plus, il faut que tu puisses. Plus tu as de l'énergie, plus tu peux être précis. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut que tu gères la précision, il faut que tu cours les sur la base. Les déplacements. En vrai, le jeu est complexe. Mais c'est un jeu mobile, donc tu le prends facilement et rapidement en main. Mais après, pour arriver à leur niveau, bon, ça va, il faut prendre un petit peu plus de temps. Quoi. Après, ça dépend des gens. Parce que par contre, on va plus de montée filée. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Aïe, malheureusement, un bug de doigt. Très bien. Et donc, c'est Miam, c'est Marie et Onwen, du coup, qui est du coup Airborne, on nous le dit dans le chat, donc sur le bracket de la compète. On va garder les pseudos, bien sûr. Ça tape un petit peu moins fort que... Ça monte beaucoup plus filet, c'est marrant, ça. Oh là là, peut-être la montée filet, c'est peut-être pas le mieux. 4-2 actuellement pour Marie.
Marie qui... Sur Tennis Clash, bien sûr. Marie qui est en bas, du coup. Marie qui est en bas, oui, il me semble. C'est ça, hein. Oui, Marie qui est en bas. Oh, Marie peut-être le coup droit. Ouais, ouais. Il y a ah non, c'était Airborne, c'est Airborne qui est en bas, ah oui, et c'est Marie qui est en haut. Tout à fait. Exactement. Pardon. Ah là là, on se régale. Allez, 4 partout au Airborne qui ne lâche rien actuellement. 4 partout. Alors, oh non, net. Et ça fait 5 au Airborne qui remonte. Moi, j'ai une façon de caster qui est absolument affreuse parce que je suis toujours en mode oh là là, la balle. Oh là là, incroyable. Oh, le revers. Insane. Exceptionnel. On commente le revers. Oh là, ça remonte 6 à 4. Et là, c'est. Point du match. Et donc là, il y a des fautes en fond parce que justement, tu jauges mal la puissance. Exactement. Parce qu'en fait, avec ton doigt, en gros, tu vas et faire ça et tu vas mettre trop loin. Et exactement. Moins il faut mettre de puissance. Exactement. Et là, ça fait 7-4. Et bravo. Et c'est la victoire de Airborne, donc, ouais, qui s'impose. Incroyable. Ça fait 1-0. Donc c'est Unwen qui prend le premier point de la manche. Et une mini remontada. Une mini remontada parce qu'elle a été menée 4-2. Donc elle est bien remontée, effectivement. Et ça fait donc 1-0. On rappelle BO3. Donc elle a déjà pris un bon avantage. Et on va passer rapidement au deuxième match. C'est marrant parce qu'elle ne jouait pas de la même manière que la calibre de XP School. Parce qu'en fait, elle utilisait. Alors qu'on voyait XP School, ça tapait très fort au fond de course. Ça s'envoyait des énormes patates. Mais il n'y avait pas d'initiative à monter au filet. Alors que, alors que là, c'est monté un peu plus filet. Tu vois, ouais, mais c'était plus. Ah oui, c'était Airborne qui montait plus. Qui était en haut. Ouais, c'était en bas Airborne. Et Marie était en haut. Et du coup, Marie montait plus au filet. Ouais, c'est ça. Et ça est-ce pas qu'il va y avoir un changement de strat? Bah, en vrai, c'est possible parce que. Parce que Marie va peut-être plus. C'est ce que nous disait Benji, qui était l'un des finalistes tout à l'heure. Elle dit en vrai, monter filet, c'est peut-être pas le truc le plus intéressant. Mais tu vois, hop, directement, ça monte. Vache, faute. Et Marie qui va peut-être. Marie. On va voir s'il y a un changement de strat du côté de Marie parce que. Parce que le play, c'est peut-être de rester en fond de cours, du coup, pour elle. Tout à fait. Ah. Les petites fautes directes, là. Hop là. Hop, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ouais, je prenais juste des petites notes, évidemment, sur ce qui se passe, bien sûr. 2-1 pour Marie. Ouais. Allez, Marie. Il y a beaucoup de fautes directes, on revient, là, pour le moment. Comment ? Il y a beaucoup de fautes directes. Ouais, beaucoup de fautes, ouais. Beaucoup de petites fautes. Ça va chercher. On essaie vraiment d'aller chercher les lignes. Ouf, là, c'était très limite. Une balle qui touche la limite. Ouais. Allez, peut-être. On met le coup droit. Oh, le petit amorti. Peut-être qu'elle aurait dû retaper coup droit. Elle est montée filet. Ouais, elle se fait fusiller. Ouais. Là, c'est Airborne qui se fait fusiller par Marie. Qui continue, du coup, d'adopter la. Qui force sur la strat de prendre dommage. L'avantage sur le. Oh, là, c'est revenu. Oh, elle l'a touché. Je pense que c'est dehors. Elle aurait pu laisser filer. Est-ce que c'était le bon move? Oh là là, elle s'en va être filer. Dehors. Ah, laisser filer au filet. Laisser filer au filet, bien sûr. On l'avait tous. Je suis également auteur en même temps que d'être streamer. J'écris des vannes, puisque pour mon spectacle d'imitation, bien sûr. Bien bientôt évidemment. Au feu de la rampe. Let's go, les gars. Incroyable. Voilà, Airborne, là, je crois qu'elle est. Aïe, aïe, aïe. Ça fait plusieurs fois qu'elle essaie de faire des montées filées avec un petit revers, là. Je pense que le 1-1 se précise. Ouais, ouais. Et Marie qui n'a pas dit son dernier mot, bien sûr. Bah non, on n'est pas contre. Hein. 5-2. Okay. Est-ce qu'elle va refaire une remontada? On a vu pour l'instant sur les deux premières finales XP School, ça s'était vraiment joué aussi. Ça avait fait un moment 2-0, après ça fait 2-1. C'était assez serré. Et là, ça fait la peur de la victoire. Et là, 6-2. Non 6-2, match, point du match pour Marie pour revenir à 1 partout dans ce BO3. Ouais. Et là, on voit un petit coup droit, bien sûr. Tu vois, on a une joueuse qui joue quand même très fond de cours, mais vraiment. C'est Anwen qui joue très fond de cours. Et là, Anwen, malheureusement, qui va laisser la faute. Elle a fait beaucoup de fautes, malheureusement, sur ce match. Et ça va lui coter le 1 partout. Marie qui l'agressivité de Marie a payé. Ouais, Marie qui ne s'est pas démontée. Elle a dit est-ce que ça va passer si elle reste au filet? Elle est restée au filet. Et au final, ça a marché. Très bien joué. Très bien joué. T'as joué au jeu de tennis, toi? Ah non, tu sais, toi, tu jouais pas trop au jeu de tennis quand tu étais petite. Moi, j'ai joué à la Game Boy Color. Il y avait un jeu de tennis au Game Boy Color? Ouais. C'était un Mario. C'était un Mario Tennis sur Game Boy. Mais il me semble, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai toujours dit que c'était un Mario Tennis sur Game Boy, mais je ne suis pas sûre. Mais j'ai joué à un jeu de tennis et c'est le dernier jeu de tennis auquel j'ai joué. Ah si, sur la Wii! Incroyable! Mais le tennis à la Wii, c'était trop bien ça! Wii Sport, ça revient là? Switch Sport, ah bon ça arrive. Ouais, ouais, ça va sortir. Ah oui, là, avec. Là. Oui, oui. Ouais, Switch Sport, ça ressort. Mais bien sûr, pour l'instant, nous sommes sur tennis. Pardon, oui. Et le clash fait. De l'autre, bien sûr. Tennis. Tout à fait. Et le clash. Est-ce qu'il y a eu un changement de côté, là Aurélien. Non, Unwen, donc Airbanji est toujours en bas. Et toujours et en bas. Est toujours en haut.
Donc Miam, c'est Marie. Et, Marie qui continue d'être hyper agressive. Ouais. En fait, elle n'arrive pas à s'en sortir pour l'instant. Elle tire un peu du même côté. Peut-être qu'elle devrait essayer d'ouvrir de ça l'autre côté. Ça tient la côté, diagonale. Ah ouais. Mais elle tient la diagonale et c'est le premier point remporté par Airbnb. Il y a une fixation sur le cours, sur la diagonale. Ou Airborne qui fait énormément. Et un partout. Qui fait beaucoup de fautes. Ouais, ouais, toujours. Sur la diagonale, justement. Je me demande. En tout cas, ça régale ce cours Philippe Chatrier qui est sur, sur le jeu. Incroyable. Ouais, c'est incroyable. Aïe, 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 aïe. Attention, le public est en fire, mais on le voit pas. Faible du côté de. Aïe, 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 de Anwen, on le voit. Peut-être que ça pourrait expliquer les fautes directes aussi, plus tout à l'heure, en vrai. Si t'as des petits soucis de co, ça peut expliquer certaines choses. Et donc les gens nous confirment dans le chat, après vérification, Mario Tennis existe sur Game Boy Color. Ah oui, donc c'est ça. Donc, ça okay, donc j'ai bien joué à Mario Tennis sur Game Boy Color. Merci évidemment aux gens. Et Marie qui mène 3 à 1, qui fait le break dans ce dernier jeu. Oh là, c'est loin. Oh non, ça touche, c'est bon. Elle va revenir, elle peut incroyable. Monter. Elle peut conclure. Oh, peut-être de l'autre côté. Oh, elle aurait peut-être dû ouvrir de l'autre côté. Attends, parce que là, en vrai... Ouais. Oh, non, peut-être qu'il aurait... Ça joue très strat tennis. Tu fixes dans la diagonale. Ouais, pour te créer une ouverture. C'était quoi ton point fort au tennis, toi ? C'était plutôt coup droit, revers, quand tu jouais ? Moi, j'avais tendance à dire que c'était le coup droit, mais on m'a toujours dit que j'avais un revers qui n'était pas trop mauvais. Oh, mais non, pourquoi est-ce qu'il en voit là ? Elle devrait plus taper de l'autre côté. Aïe, aïe, aïe. Et Marie, du coup, qui ramène 4-1, mais j'ai quand même la sensation que des fois, Anwen, elle a la possibilité d'aller. Alors qu'elle ouvre complètement le court, elle a bien fixé, elle devrait peut-être renvoyer de l'autre côté. Mais j'ai quand même l'impression que Marie a toujours l'avantage, même sur la première manche qu'elle a perdue. Il y a eu peut-être un peu de grid. Ouais. Mais elle était quand même un peu au-dessus, tu vois, ça se voit qu'elle peut. Ouais, là, elle fait encore des petites fautes. Attention, 5-1. Là, ça commence à tourner à la correction. Marie ne prend pas beaucoup de risques, surtout. Ouais. Elle mitraille un peu au milieu et elle attend en fait qu'il y ait une faute de son adversaire. Ce qui n'est pas une mauvaise strat du tout en soi. Ouais, carrément. Et hein, tu vois, elle va pilonner jusqu'à ce que son adversaire fasse une faute. Et ça finit souvent par payer. Allez, peut-être. Alors peut-être. Ouais. Et voilà. Et là, ça va passer. Et Marie, et du coup, qui va s'offrir le point du match, le point du ticket pour aller à Roland-Garros. Ça pilonne au milieu. Allez. Et c'est... Ouais. Ah, elle devrait peut-être... Allez, là, il faut l'ouvrir. Non, elle revoit de l'autre côté. Aïe, aïe, aïe. Il faut revenir de l'autre côté. Là, c'est bon, c'est ouvert. Ah, elle doit encore plus l'envoyer. Peut-être que là, ça... Elle est en plein doute. Elle continue de bien le fixer du bon côté, mais là, elle joue trop sur Marie. Oh, Marie, là, qui va terminer le travail et la victoire de Marie. Félicitations. Qui ira donc à Roland-Garros. Des GG pour Marie, évidemment, dans le chat. Qui ira donc à Roland-Garros le 21 mai prochain, bien sûr. Qui ira, en plus, il y aura 2 jours. Incroyable. Du côté de chez MCES. C'est vrai que c'était pas la même façon de jouer qu'avaient justement les gars de chez XP School. C'était un peu différent. On verra le jour de la compète, si ça paiera, évidemment, pour elle. Mais bien joué. Je ne tiens pas une raquette de tennis, mais bien joué, pas là. Marie. Mais bien joué, évidemment, à Marie. Et maximum de GG. C'est bien sûr. On pourra revenir avec elle le 21 mai lors de la prochaine émission, ce sera samedi pour samedi 21 mai pour expliquer un peu son expérience, comment est-ce qu'elle a vécu le truc, et voilà, ça va être vraiment, je pense, intéressant de revoir ça avec elle. Bravo à eux. Voilà, on a eu les qualifiés pour on a nos qualifiés, on les a tous, il nous manque juste sur l'autre demi-finale, mais vous aurez les infos évidemment bientôt, et on attend les 2 autres qualifiés du tournoi Open qui se déroule en ce moment même sur Tennis Clash. Ah oui. donc voilà, c'est en ce moment même que ça se joue pour les derniers qualifiés. On va pouvoir accueillir une dernière fois nos invités évidemment du jour. Mélissa, bien sûr, 4e joueuse française de paddle. Ponce, grand streamer français. Emric, prestidigitateur et streamer aussi de la chaîne Poney Club, bien sûr. Exactement, merci beaucoup. Bien sûr, évidemment. Et attention. Oh, je vous accueille presque pour la fin de cette émission, mais pas pour rien, puisque nous avons 2 dernières places à vous faire gagner, enfin 4 places, 2 fois 2 places à vous faire gagner avec notre partenaire BNP Paribas pour le 31 mai prochain pour les Night Sessions des quarts de finale de Roland-Garros. Quand même, c'est un régal. C'est un régal. Et cette fois-ci, pas de questions à vous poser, c'est simplement un tirage au sort. Est-ce que, du côté de la modération, on est prêt à lancer le tirage au sort ? Je vous le demande, vous pouvez me répondre sur Discord. Et il suffira de rentrer une phrase pour. Il suffira de rentrer une phrase tout simplement. C'est prêt, on me dit dans le chat. Il suffit de d'écrire merci RG, tout attaché. Merci RG. Merci RG. Voilà, c'est noté dans le chat. N'hésitez pas. Merci RG. Et puis voilà, vous pouvez. On fera le tirage. Je fais l'outro et on fera le tirage juste après. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Rivenzy pour soutenir cet homme qui crée des contenus constamment.
Merci beaucoup. Tu me régales, bien sûr. Merci Hergé. Je le rappelle aussi, sachez qu'il y a il y a aussi la Gaming Zone sur le site Roland Garros. Si jamais vous n'êtes pas tiré au sort, vous pouvez aller participer à un quiz sur le site de Roland Garros, sur l'application Roland, pour répondre. Et si vous êtes assez bon au quiz, vous pouvez aussi tenter de remporter des places. Donc, n'hésitez pas sur un tirage au sort. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a aussi des places à gagner sur la Gaming Zone Roland-Garros sur leur site. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, bien sûr. En tout cas, merci à vous d'avoir été là autour du plateau pendant cette émission. Merci beaucoup à Mélissa. Merci à vous. C'était vraiment très chouette. Première sur Twitch, ça s'est bien passé? Bah écoute, super. Super. Cool. Merci à toi de nous avoir éclairé sur le padel et sur le tennis. Avec grand plaisir. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à. Exactement. Et où est-ce que les gens peuvent te retrouver, Mélissa, s'ils veulent suivre tes aventures padelistiques? Et mes aventures padelistiques, sur mon compte Instagram. Ok. Sur mon compte Instagram. C'est Mélissa. Mélissa-martin06. Très bien. T'es pas sûr? Voilà. On sent que je suis pas là. Moi, je suis pas trop gameuse. Martin06, si vous voulez aller suivre évidemment les résultats. Merci beaucoup pour être venu. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Tu as parlé de tennis, évidemment. Ah moi le tennis, c'est toute ma vie. Non, non mais c'était cool de voir aussi. Ça m'a fait super plaisir, complètement. On a passé un très bon moment. Le temps est passé très vite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là, quand on est parti dans les coulisses. Le temps est passé super vite. Rendez-vous le 21 mai pour la prochaine. Bien sûr, on se retrouve le 21 mai, comme avec Trivia d'ailleurs aussi. Grave. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. On va être dans un endroit absolument incroyable à Roland. Ça va être vraiment très chouette. On aura des invités. Pas trop tard. On aura des invités, vous verrez, vraiment des invités de ouf. On aura l'occasion de discuter avec eux, bien sûr, de leur carrière. Vous verrez. Merci beaucoup, Aymeric, d'être venu aussi. C'était un grand trublion, bien sûr, à chaque fois on le retrouve. On est là pour s'amuser ensemble. Chaîne Poney Club, bien sûr, à retrouver Aymeric qui nous a régalé encore une fois. Tu nous as régalé ce matin. Écoute, voilà, du shop, du smash, du plaisir. Non, bien sûr, toujours du plaisir avec toi. Avant de se quitter, on va pouvoir faire le tirage. Vous pouvez faire le tirage du côté de la modération. Je vois que tout le monde a spammé. Merci, merci Hergé. Il y a eu pas mal de gens qui ont tenté le coup. On peut faire le tirage. Il me faut deux noms et après vous serez contactés en DM par la modération. Donc restez bien attentifs, s'il vous plaît, à vos messages sur Twitch. Sinon, on va pas s'en sortir. Et il faut que vous soyez bon. Donc on a les deux gagnants. Il s'agit de Kiluem et de la grimace des Oro. Bravo. Voilà, Kiluem et la grimace des Oro. On peut mettre des GG évidemment pour eux dans le chat. Donc on vous enverra bien sûr les infos. Restez bien connectés, vous deux, sur vos ODS. On vous envoie les petits messages. Ah, le plan est changé. Très bien. Le tennis et le clash bien sûr. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette première émission. On se retrouve donc le 21 mai pour la grande finale des RG E-Series. Les 8 meilleurs joueurs et joueuses se retrouvons donc pour cette compétition de fou. Ça va être incroyable. Je serai évidemment en compagnie de Ponce et de Trivia. Oui. Dissipé en fin d'émission. Mais c'est comme ça. On vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup évidemment à vous de nous avoir suivis. Un gros big up évidemment à Roland Garros, à leurs équipes, BNP Paribas aussi pour leur soutien, pour permettre aussi cette émission possible. Bien sûr, on vous fait des gros bisous et rendez-vous le 21 mai. Moi, je vous dis rendez-vous demain avec Pompon d'ailleurs pour du multigaming évidemment. On se retrouve demain pour du multigaming, on va se régaler. Merci à vous de suivre parce que en vrai, ça fait trop plaisir de pouvoir proposer sur la chaîne ce genre de contenu. Vous savez, le sport, c'est une grande histoire d'amour sur cette chaîne. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao. Bye bye. Your life searching for more. Afraid to leave, afraid to show. Fight to leave, fight to leave, fight to show. Sometimes find yourself knowing no. Lost in looking for a soul. Searching for
every time you come around, every time you return, I see it in your tired eyes. Sad to see that you still have more to go. Lawn and in the birch grove, it'll be lovely now. Tracy, you're tremendous. Put me in your pocket.